Le Necronomicon. Avertissement. Tout d'abord, je voudrais dire que la compilation de cet ouvrage doit beaucoup à Ken Slater, pour certaines raisons qui n'ont pas leur place ici, mais que lui-même connaît bien. Cela dit, quelques mots s'imposent sur ce qui suit. Peut-être ce livre plaira-t-il à la fois aux personnes très crédules et à celles qui sont particulièrement incrédules. En fait, il n'a pas été écrit à l'usage exclusif des unes ou des autres, mais pour les hommes et les femmes qui font la part des choses. Ceux qui, comme disait Krishnamurti, savent voir le faux dans le vrai et le vrai dans le faux. Les passionnés de magie, ceux qui s'intéressent au mythe lovecraftien, devraient être également comblés, mais on peut y trouver d'autres centres d'intérêt. Certains, j'imagine, ne considèrent tout cela que comme une évasion par la magie, une espèce d'échappatoire au monde sinistre et morne des épreuves et de la mort. Dans ce cas, ils se trompent. Qu'ils y regardent donc de plus près. George Hay, Sudbury, le 1er décembre 1977. Histoire du Necronomicon par H.P. Lovecraft. Résumé court mais complet de l'histoire de ce livre, de son auteur, des diverses traductions et éditions depuis sa rédaction en 730 à nos jours. Le titre original était Al-Azif. Asif était le terme utilisé par les Arabes pour désigner le bruit nocturne produit par les insectes, supposé être le murmure des démons. Composé par Abdul al-Azred, un poète fou de Sanaa, au Yémen, qui aurait vécu à l'époque des caliphes Omeyyades vers l'an 700. Il visita les ruines de Babylone et les souterrains secrets de Memphis et passa dix années dans la solitude du grand désert au sud de l'Arabie, le Roba el Khalieh, ou espace vide des anciens et le Dana ou désert écarlate des Arabes modernes. On dit que ce désert est habité par des esprits qui protègent le mal et des monstres de mort. Ceux qui prétendent y avoir pénétré racontent qu'il s'y produit des choses étranges et surnaturelles. Pendant les dernières années de sa vie, Al-Azred vécut à Damas où il écrivit le nécronomicon Al-Azif et où circulent des rumeurs terribles et contradictoires concernant sa mort ou sa disparition en 738. Son biographe du XIIe siècle, Ibn Khalikan, raconte qu'il aurait été saisi en plein jour par un monstre invisible et dévoré de façon horrible devant un grand nombre de témoins glacés de peur. On raconte aussi beaucoup de choses sur sa folie. Il prétendait avoir vu la fameuse Irem, la cité des piliers, et avoir trouvé sous les ruines d'une certaine cité du désert les annales et les secrets d'une race plus ancienne que l'humanité. Il fut un musulman, peu zélé, adorant des entités inconnues, qu'il nommait « Yoxatos et Cthulhu ». En l'an 950, le « Asif », qui avait circulé en secret parmi les philosophes de l'époque, fut secrètement traduit en grec par Théodorus Philetas de Constantinople, sous le titre de « Necronomicon ». Pendant un siècle, à cause de lui, se déroulèrent certaines expériences terribles, de sorte que le livre fut interdit et brûlé par le patriarche Michael. Après cela, on n'en parla plus que furtivement, mais, en 1228, Olaus Warmius en fit une traduction latine, qui fit imprimer deux fois, l'une au XVe siècle, en lettres noires, en Allemagne vraisemblablement, et l'autre au XVIIe siècle, probablement en Espagne. Les deux éditions ne portaient aucune mention particulière, et c'est seulement par leur typographie qu'on pouvait supposer la date et le lieu de leur impression. L'ouvrage, dans sa version grecque comme dans sa version latine, fut interdit par le pape Grégoire IX en 1232 après sa traduction latine qui avait attiré l'attention. L'édition arabe originale avait été perdue à l'époque de Wormius, comme il est dit dans la préface. Une vague allusion est faite à une certaine copie secrète retrouvée à San Francisco au début du siècle, mais qui aurait disparu dans le grand incendie. Aucune trace de la version grecque imprimée en Italie entre 1500 et 1550, depuis l'incendie de la bibliothèque d'un certain habitant de Salem en 1692. Il y aurait également une traduction faite par le docteur D, qui ne fut jamais imprimée et dont des fragments viendraient du manuscrit original. Des textes latins qui restent, l'un du XVIIe serait enfermé au British Museum et l'autre du XVIIe siècle est à la Bibliothèque nationale de Paris. Une édition du XVIIe siècle est à la Bibliothèque Windener à Harvard et une autre à la Bibliothèque de l'Université de Miskatonic à Arkham. Une autre également à la bibliothèque de l'Université de Buenos Aires. Il existe probablement de nombreuses autres copies secrètes, et une rumeur persistante assure qu'une copie du XVe siècle ferait partie de la collection d'un célèbre millionnaire américain. Une rumeur plus faible assure qu'une copie du XVIe siècle du texte grec serait la propriété de la famille Pickman de Salem. Mais cette copie aurait disparu avec l'artiste R. Hugh Pickman en 1926. L'ouvrage est sévèrement interdit dans la plupart des pays par les autorités et par toutes les branches des églises organisées. Sa lecture entraîne des conséquences désastreuses. C'est après avoir entendu parler de ce livre, peu connu du grand public, que R. W. Chambers a tiré l'idée de son roman Le Roi en jaune. Le texte ci-dessus est celui de Histoire du Necronomicon » tel qu'il fut publié dans une édition très limitée par Wilson H. Shepherd en 1938 et réimprimé plus tard par Mark A. Michaud et Paul R. Michaud, qui découvrirent son contenu parmi les papiers de H.P. Lovecraft. Préface au Necronomicon par Paul R. Michaud. Si la publication du Necronomicon, écrit en 730 par l'arabe dément Abdul al-Azred n'a été entreprise que très récemment, c'est sans aucun doute parce que les contacts avec ce livre se sont terminés tragiquement au cours des âges. De nombreuses personnes, parmi lesquelles l'éminent Charles Dexter Ward de Providence, Rhode Island, sont devenues folles ou ont simplement disparu après la lecture du Necronomicon. Aussi le livre a-t-il été banni dans la plupart des pays du monde en vérité, si cette édition française du Necronomicon a réussi à voir le jour, c'est seulement parce que les membres de la commission de contrôle, qui possède le pouvoir de censurer les livres et les films en France, n'ont pu, après une certaine tendance à interdire les publications de ce livre en France, réussir à prendre une décision définitive à l'encontre de cet ouvrage. Le contact initial avec le Necronomicon peut conférer certains pouvoirs magiques, mais par la suite, sa lecture, comme le souligne le célèbre auteur Howard Philip Lovecraft, Peut avoir des conséquences terribles. Il a découvert qu'une copie du Necronomicon avait dormi des siècles sur les rayons poussiéreux de la bibliothèque de l'université de Buenos Aires. C'est la découverte de l'ouvrage qui a valu la gloire à son bibliothécaire d'alors, l'écrivain George Luis Borges, mais c'est également à sa lecture prolongée du Necronomicon que l'on attribue sa cécité. Un sort semblable a frappé les innombrables chercheurs qui ont tenté d'arracher son secret à ce livre sacré. Bien que l'existence du Nécronomicon ait été prouvée de longue date, une école de pensée prétend, sous la direction de l'éminent universitaire élève de Lovecraft de la Miskatonic University, dont la thèse est parfaitement convaincante, que le Nécronomicon n'a jamais existé. S'il semblait exister, ce n'est que parce que le célèbre écrivain H.P. Lovecraft, spécialiste de littérature d'horreur et de mystère, en a fait une telle exégèse que c'est sa prose qui lui a donné une vie propre. Selon Joshi, qui a fait des recherches considérables sur cette publication, le nom de ce livre célèbre est d'abord apparu à Lovecraft sous la forme d'un rêve. L'étymologie du grec necros cadavre, nomos loi et eikon, image éclaire le titre de l'ouvrage l'image de la loi des morts. Lovecraft a aussi fait remarquer qu'il avait trouvé le titre arabe original al-Azif, l'équivalent de necronomicon, dans les notes d'un certain Samuel Henley à propos du Vatek de William Beckford. Bien que Lovecraft ait mentionné le titre de l'ouvrage dans son livre La Meute, 1922, certaines allusions y sont faites dans des textes plus anciens. Dans la Déclaration de Rodolphe Carter, 1919, il est fait mention d'un livre en des caractères indéchiffrables qu'il, Harvey Warren, avait rapporté d'Inde. Mais il ne peut s'agir d'une Necronomicon, car les détails sont tous faux. Abdul al-Azred, nom qu'il a apparemment modelé sur celui de ses ancêtres, les hasards famille très respectée à Rhode Island, apparaît d'abord dans « La ville sans nom » 1921. Après « La meute », le Necronomicon est cité dans les histoires suivantes. « La fête » 1923 « L'appel de Cthulhu » 1926 « L'horreur de Dunwich » 1928 « Celui qui murmure dans le noir » 1930 « Dans les montagnes de la folie » 1931 « Les rêves de la maison hantée » 1932 « Les choses sur le seuil » 1933 L'Ombre hors du temps et Le chasseur de l'ombre 1935. Le Necronomicon fut donc plus ou moins une création tardive de Lovecraft, à laquelle il ne fit que rarement allusion avant 1928, mais dont il fait usage dans presque toutes ses nouvelles après cette date. Il rédigea une histoire du Necronomicon, dont le texte fait l'objet de cette édition, vers la fin de 1927, qui ne fut publiée que vers 1938 dans les pamphlets de Wilson Shefferd. Pourquoi Lovecraft créa t-il le Necronomicon? Nous ne pouvons que citer le correspondant de Lovecraft, Fritz Leiber, auteur lui même, un Copernic littéraire. Il semble que Lovecraft l'ait utilisé comme une porte d'accès au royaume des merveilles et des mythes dont l'entrée lui était fermée par son acceptation du nouvel univers des sciences et du matérialisme. Cela lui permit de maintenir dans ses contes quelques passages de cette prose poétique, résonnante et colorée, qu'il aimait, mais qui ne correspondait pas au style scientifique et réaliste de la fin de son œuvre. Cela lui donna une unité d'atmosphère qu'il aurait dû, autrement, recréer pour chaque œuvre. Cela illustrait parfaitement sa conception copernicienne de ce nouvel univers scientifique, vaste, étrange, et aux possibilités mystérieuses infinies. Enfin, ce fut la clé d'un monde réel, bien plus fascinant encore que le cosmos aveugle et sans but dans lequel il dut vivre tout au long de sa vie. Cependant, en dépit de la qualité impressionnante des preuves que le professeur Jochi rassemblait à l'appui de sa thèse, le témoignage de ceux qui ont vu le Necronomicon et l'ont réellement eu en main est tout aussi saisissant. Un lecteur des histoires extraordinaires, dans une lettre à l'éditeur de cet ouvrage, relate, en 1952, qu'il a vu et parcouru un exemplaire du Necronomicon. Cela se passa en 1927 à Honolulu, aussi curieux que ça puisse paraître. Il appartenait à un léventin douteux que je rencontrais dans des circonstances équivoques. Celui-ci m'autorisa à examiner l'ouvrage pendant presque une demi-heure. C'était un volume in quarto et sa reliure avait manifestement subi de nombreuses réflexions à en juger d'après celle d'alors d'un cuir vert noirâtre crevassé et fendu. Il comportait un peu plus de 400 pages dans un état déplorable. De nombreux feuillets manquaient, beaucoup étaient abîmés, et le temps les avait rendus fragiles. Partout étaient gribouillés des commentaires en toutes les langues. Il subsistait assez de la page de titre qu'on puisse y lire que le volume avait été imprimé à Londres en 1632. Je pense qu'il devait s'agir d'une édition privée très restreinte, probablement remaniée par Wormius, ainsi que le désigne H.P. Lovecraft. Le livre, écrit en latin, était médiocrement imprimé en caractères noirs et grossiers. Bien que ne parlant pas cette langue couramment, je la comprenais suffisamment pour être convaincu de me trouver en présence de l'ouvrage authentique. Le Necronomicon, tel que j'ai pu l'appréhender pendant le court laps de temps où je l'ai eu entre les mains, semble se diviser en trois parties principales. 1. Une histoire de la magie et de la démonologie de notre planète. 2. Un symposium sur les rapports entre la Terre et d'autres sphères et espaces, tels que Yugos. 3. Une incroyable variété et collection de sorts formule et incantation. Je sais parfaitement qu'H.P. Lovecraft connaissait très bien le Necronomicon et qu'il devait sans doute en posséder un exemplaire ou, du moins, en avoir un à sa disposition. J'ai recherché en particulier l'origine d'une de ces citations authentiques tirées de cet ouvrage et l'ai trouvée dans la deuxième partie. « Mortus non credite, ilut qu'un latet aeterno cum per seacula mira, mort etiam periat » Quelle preuve plus convaincante pourrait-on souhaiter de la véritable existence du Necronomicon Nous posâmes cette question au professeur Joshi qui répondit par le truchement d'un intermédiaire s'exprimant avec une voix mystérieuse, bien que très proche de la sienne, qu'il consacrait tout son temps au décryptage d'un volume que l'on venait d'exhumer dans les sous-sols de la bibliothèque John Hay de l'université de Miskatonic, et qu'il n'apporterait une réponse à notre question qu'à une date ultérieure nous reçûmes peut-être la meilleure réponse que nous aurions jamais pu obtenir. Pas de réponse du tout. Un an s'est maintenant écoulé depuis notre dernière rencontre avec Joshi, dont la disparition virtuelle de cette planète paraît confirmer ce dont nous nous doutions, que le Necronomicon a, en fait, existé, que c'est assurément un ouvrage extrêmement puissant, à tel point que le lecteur éventuel mériterait d'être mis en garde quant aux terribles conséquences qui risqueraient de s'en suivre. Paul R. Mitchell, Providence, Rhode Island, 22 juillet 1979. Introduction par Colin Wilson. Feu Auguste Derlet, ami et éditeur de Lovecraft, me dit un jour qu'il recevait souvent des lettres de lecteurs qui voulaient savoir s'il possédait réellement une copie d'Al Azif ou le Necronomicon de l'arabe dément Abdul al Azred ou s'il pouvait réellement consulter une copie à la bibliothèque de la Miskatonic University à Providence. Il devait toujours répondre la même chose. Bien que de nombreux ouvrages de magie mentionnés par Lovecraft existent réellement, le Necronomicon n'est qu'une invention. Chez Derlet, à Arkham, juste à la limite de Sauk City, dans le Wisconsin, assis dans la bibliothèque et dégustant un excellent vin rouge de Californie, je demandais à celui-ci s'il pensait que Lovecraft avait pris un texte de magie déjà connu comme point de départ d'Al-Azif. Pas un texte de magie, répondit Derlet. Autant que je sache, il s'est inspiré d'un poème latin intitulé Astronomica. Vous savez qu'il était bon astronome Je ne le savais pas. En fait, je connaissais peu de choses sur Lovecraft en dehors de son œuvre. Ce n'est qu'en 1975 que je trouvais une référence à Astronomica du poète romain Manilius dans une biographie que Sprague de Camp consacra à Lovecraft. Lorsque je rencontrais Derlette, je réunissais déjà des documents nécessaires au livre que je préparais sur les phénomènes paranormaux, publié par la suite sous le nom de The occulte. Complètement plongé dans cette tâche, je m'efforçais de donner un sens à des livres comme The Magus, Le Mage, de Francis Barrett, The Book of Ceremonial Magic, Livre du Cérémonial Magique, de Hey He Wait et Démonolâtrie, de Nicolas Rémy. Si je les trouvais difficiles et déroutants, j'étais en même temps frappé par la similitude de ton de nombreux passages avec celui des citations tirées par Lovecraft d'Al-Azif et d'autres œuvres. Par exemple, de Rémy, au sujet d'enfants nés de rapport avec des démons, il est plus difficile de comprendre l'horrible sifflement discordant que ces enfants profèrent au lieu des vagissements ordinaires, leur allure précipitée et leur façon de fouiller les recoins cachés. Là, il faut avouer que les démons interviennent activement et prennent possession des mères ou de leurs enfants à naître et leur confèrent des pouvoirs entièrement surnaturels. Cette description rappelle l'une des créatures à demi-humaines de Lovecraft venant des collines derrière Arkham. J'avais également lu les œuvres d'Alistair Crowley, rassemblées par mon ami Roger Staples, de l'Université du Michigan, et trouvais les parallélismes si frappants que je me demandais si Lovecraft et Crowley se connaissaient. Derlet était certain du contraire, et doutait même que Lovecraft eût jamais entendu parler de The Great Beast. S'il avait connu Crowley, il l'aurait sans doute rejeté et traité de charlatan et de poseur, car, si curieux que cela puisse paraître, la philosophie de Lovecraft était scientifique et matérialiste. Bien qu'il exécra le matérialisme pris dans son sens commercial, religion américaine de l'argent et du succès, il se considérait comme descendant des rationalistes du XVIIIe siècle et en tirait orgueil. À l'école, ses préférences allaient à la chimie et à l'astronomie. Adolescent, il signa même un article sur l'astronomie dans un journal local. On imagine que les spéculations du professeur Lowell sur les canaux de Mars auraient certainement attiré le jeune Lovecraft. Pourtant, il les a rejetés, les considérant comme le produit d'un cerveau avide. Il adopta la même attitude à l'égard du spiritualisme et écrivit à Frank Long-Belknap en février 1929 un mot sur la vaine démarche des spiritualistes qui prétendent que la nature non solide de la matière-esprit ou ectoplasme mythique faisant de l'immortalité une notion beaucoup moins absurde que par le passé. Puis, il poursuivit en soulignant que si la matière est bien constituée de particules chargées d'électricité, cela ne prouve en rien qu'elle soit de nature spirituelle. D'après Derlet, l'attitude de Lovecraft se rapprochait de celle de son contemporain Charles Fort, l'homme qui se targuait de collectionner des coupures de presse relatant des événements inexplicables, tels une pluie de grenouilles vivantes. Comme Charles Fort, il trouvait les sciences contemporaines trop limitées. Lovecraft admirait beaucoup le Book of the Damned, Livre des damnés, de Fort. Mais, pour autant que nous sachions, Lovecraft et Ford ne se rencontrèrent jamais ni n'échangèrent de correspondance. Sprague de Camp en est moins sûr. Il lui paraît vraisemblable que Lovecraft ait été présenté à Ford au cours d'un de ses nombreux voyages à New York ou pendant qu'il y résidait. Derlett en savait naturellement beaucoup plus que moi. Aussi renonçai-je à contre à l'idée que j'avais souhaité développer dans The Occult que la mythologie de Lovecraft reposait sur la familiarité avec les traditions magiques occidentales. J'y repensais pourtant encore deux ans plus tard, en lisant la version anglaise du Matin des magiciens de Louis Powells et Jacques Bergier. Fondamentalement, ce livre développe l'argument de Fort, selon lequel la science est trop limitée dans ses vues, et tire ses preuves des ouvrages sur les ovnis, la recherche paranormale et la science marginale. Mais les auteurs développent également une théorie intéressante, selon laquelle certains écrivains pleins d'imagination, comme Lovecraft et Arthur Machen, imaginait des choses qui se révélaient ensuite être vraies. Mei Chen écrivait à son traducteur français Toulet. Lorsque j'écrivais Pan et The White Powder, La poudre blanche, je ne pensais pas que des choses si étranges arrivaient dans la vie réelle ou avaient jamais existé. Mais j'ai, récemment, vécu certaines expériences qui ont complètement modifié ma façon de penser dans ce domaine. Et depuis, je suis absolument convaincu que rien n'est impossible sur cette terre. Cet extrait est un extrait exceptionnel car il mentionne les deux ouvrages que Lovecraft admirait le plus. Et d'ailleurs, le novel of the White Powder est dans le plus pur style de Lovecraft. Un homme absorbe accidentellement une étrange substance que les sorcières utilisaient autrefois afin de changer d'aspect. Il se transforme en une masse sombre et putride, bouillonnante dans son horrible putréfaction, ni liquide ni solide, mais en décomposition et se modifiant sous vos yeux. Au cœur de tout cela brillaient deux points ardents comme des yeux. Lovecraft le cite in extenso dans Supernatural Horror in Fiction. D'après les biographes de Machen, Hayden Reynolds et William Charlton, Toulet vint à Londres pour entendre les mystères de la bouche même des adeptes. Mais il ne semble pas avoir laissé de notes sur ce que Machen lui confia. Là encore, il n'est pas inutile de relire The Great God of Pan, le grand dieu Pan, à la lumière des déclarations de Machen. Ce livre parle d'un docteur en philosophie panthéiste qui pense que la nature est un voile dissimulant un monde merveilleux de réalité spirituelle. Il croit avoir découvert la façon de provoquer cette vision mystique par une opération du cerveau. Les anciens appelaient cela voir le dieu pan. Il réalise l'opération sur une fillette qui devient débile. La vision du dieu pan s'avère trop horrible à supporter pour les êtres humains. La jeune fille débile erre par les montagnes et entretient des relations sexuelles avec une créature étrange. Aussi conçoit-elle un enfant beau et mauvais. Notons ici la transformation par Machen du mysticisme de la nature de Wordsworth en quelque chose de beaucoup plus sinistre. Il nous rappelle que le mot panique vient de pan. Là encore, Machen semble suggérer à Toulet que la vision sous-jacente de The Great God Pan est plus réelle qu'il ne le supposait en l'écrivant. Peut-être exagérait-il, ou peut-être mentait-il tout simplement pour impressionner son admirateur français. Il n'avait pourtant pas la réputation d'être menteur. Il prend la peine de préciser que Aucune de mes expériences n'a le moindre rapport avec des impostures du genre du spiritualisme ce qui semble éliminer complètement l'hypothèse qu'il ait vu un fantôme. Powell Sébergier incline à penser que la réponse se trouve dans l'appartenance de Machen à un ordre appelé le Golden Dawn l'aurore dorée. Fondé par MacGregor Mathers. Peut-être n'ont-ils pas entièrement tort, mais le chapitre 9 de l'ouvrage biographique de Machen, Things Near and Far, chose d'ici et d'ailleurs, décrit certaines expériences qui eurent lieu avant même son entrée dans l'ordre du Golden Dawn. En 1899, alors qu'il résidait à Gray's Machen sentit son inspiration se tarir. Il connut aussi une série d'expériences semi hallucinatoires. Un matin, alors qu'il remontait rosebery Avenue, il eut la sensation de marchait sur de l'air, comme si le trottoir s'était transformé en coussin. Un après-midi, le mur de sa chambre commença à miroiter, à se déformer, et sembla sur le point de disparaître entièrement, avant de reprendre soudain un aspect normal. Cette expérience curieuse était le résultat d'un phénomène qu'il refusa de préciser. Par la suite, il raconta qu'il se trouvait dans un état de dépression profonde, d'horreur de l'âme, lorsqu'un phénomène se présenta à moi capable de me soulager. Sans ajouter foi à ce que j'avais entendu dire à ce sujet, sans même avoir d'idées bien précises sur le phénomène ou sur ses conséquences, je fis ce qu'il fallait faire. Ici, nous nous heurtons à une certaine contradiction. Dans une lettre ultérieure, il déclare que le phénomène était de l'hypnotisme. Mais dans choses d'ici et d'ailleurs, il semble le nier. Je ne pouvais m'être hypnotisé, ni magnétisé, ni ensorcelé moi-même pour me trouver dans cet état, pour la bonne raison que je n'avais jamais entendu parler de ces choses-là. Il paraît vouloir dire que le résultat obtenu n'était pas une scène d'auto-hallucination, de rêve éveillé. Lorsque le mur sembla sur le point de disparaître, il eut l'impression que quelque chose, je ne savais pas quoi, venait d'être ébranlé au tréfonds de moi-même. Il pensa avec terreur qu'il se trouvait sur le point de mourir, mais cette idée s'effaça et il ressentit une paix de l'esprit absolument ineffable. Une joie extatique qui dura plusieurs jours. Aussi, n'y eut-il pas, en fait, de vision d'horreur, d'entité mauvaise. Seulement la conviction que le monde matériel se révélait n'être qu'un voile jeté sur une réalité plus profonde. Il en avait dit tout autant dans ses récits, mais sans vraiment y croire. Il sentait maintenant que l'éclairage surnaturel dans lequel baignaient ses premiers récits était vraiment le bon. Alors, il rejoignit le Golden Dawn, l'aurore dorée, et fit la connaissance de Yates, de Crowley et de Mathers. Dans un texte consacré à Machen, et non à Lovecraft, je citerai le long essai que Yeats écrivit sur la magie, et il y parle de certaines expériences magiques réalisées par Matters, et montre sans aucun doute que Matters possédait quelques étranges secrets pour provoquer des visions. Mais nous nous penchons, pour l'instant, sur les origines magiques de Lovecraft. Disons seulement que le Golden Dawn montra l'existence réelle d'autres niveaux de réalité, d'autres dimensions peuplées d'entités non humaines. Mon livre, The Occult, parut en 1971. L'année suivante, on me pria de réviser un ouvrage intitulé The Magical Revival, la renaissance magique, de Kenneth Grant, disciple de Crowley et chef d'une organisation de magie connue sous le nom de Ordo Templi Orientis. Dans un chapitre sur les noms barbares d'évocation, je découvris un passage sur Lovecraft qui confirmait les hypothèses que j'avais avancées devant Derlet en 1967. Grant note Lovecraft ne connaissait ni le nom ni les travaux de Crowley, et pourtant certaines de ses visions fantastiques reflètent, même de façon détournée, les thèmes saillants du culte de Crowley. Le culte des non barbares remonte, d'après Grant, au premier stade de l'évolution lorsque la bête devint homme. Il indiquait que la puissance des non barbares repose principalement sur le fait qu'ils ne sont pas intelligibles au niveau conscient, et s'avère donc particulièrement propre a révélé le subconscient. Il consacre tout un tableau à l'identification des similitudes entre les dieux barbares de Crowley et ceux de Lovecraft. Crowley, souligne-t-il, avait lu aussi son livre sacré, non pas le Al-Azif, mais al Vellegis, legis le livre de la loi. En fait, Crowley écrivait ceci lui-même, dans un état de demi-trance, et crut fermement toute sa vie que cela lui avait été dicté par aywas son ange gardien. Crowley et le Golden Dawn faisaient souvent allusion aux Vénérables Anciens, nom que Lovecraft donne à sa race de dieux. Lovecraft parle du désert glacé, Cold West, royaume se trouvant au-delà de l'espace et du temps. Crowley parlait du désert glacé nommé Hadith. Lovecraft parlait du Grand Toulou qui rêve allongé dans le Heilin. Et Crowley du sommeil primitif des Vénérables Anciens. Grant déclare que le culte d'Eiwas, ou Eiwas Dahad, chez Crowley, Remonte à une période qui inspire la longue tradition draconienne en Égypte, qui se continua au cours des dynasties noires et dont les monuments furent dévastés par les adeptes du culte plus ancien. Ces dynasties furent calomniées pour éliminer toute trace d'un prétendu culte du mal. Tout cela semble suggérer que la fiction de Lovecraft était en fait bien plus réelle qu'il ne le supposait. Dans un livre ultérieur, Nightside of Eden, Grant approfondit encore les remarquables parallélismes entre les traditions gnostiques et kabbalistiques et la mythologie de Lovecraft. Nous y reviendrons plus tard. Tout cela renforça alors ma conviction que, malgré son rationalisme violent, Lovecraft en savait beaucoup plus sur la tradition magique que Derlet ne le supposait. Et en 1976, cette conviction devint absolue lorsque j'entendis parler des recherches de Robert Turner, chef de l'Ordre Magique de la Pierre Cubique, Order of the Cubic Stone, lui-même fervent admirateur de l'œuvre de Lovecraft. Mais avant de parler de la recherche du véritable Necronomicon, il convient d'expliquer comment j'en suis venu à être impliqué dans les histoires de Lovecraft, puis à étudier de plus près sa personnalité. J'ai fait connaissance de l'œuvre de Lovecraft pendant l'été 1959. Je résidais alors avec ma femme dans la ferme d'un vieil ami, Mark Elfer. L'endroit était propice. Cette ferme ne se trouvant pas très éloignée de Corf Castle, où le jeune roi Edward fut assassiné par sa belle-mère en 978, ses ruines passent pour être hantées par une femme sans tête, bien que nul ne soit certain de son identité. La ferme de Mark Alfer, vieille de plusieurs centaines d'années, dotée de murs d'une épaisseur considérable, donne à ces lieux un aspect un peu sévère. Dans notre chambre, je découvris un exemplaire de The Outsider and Others, recouvert en noir, tiré sur un mauvais papier jauni et déchiré sur les bords. Le titre retint mon attention, car mon premier ouvrage s'intitulait The Outsiders. Je lus presque tout le livre avant de quitter la ferme le lendemain. L'originalité de Lovecraft m'impressionna. Malgré l'inspiration, aussi personnelle que celle de Poe, de Machen ou de M.R. James, la faiblesse du style me frappa. Lovecraft n'était visiblement pas très sensible au langage. Ce soir-là, alors que nous nous dirigions vers North Devon, je me mis à parler à Joy de Lovecraft et de toutes les traditions des récits d'horreur. Je tenais Lovecraft pour l'un de mes extraterrestres, outsiders, un romantique trouvant notre monde réel intolérable. Dans The Outsiders, j'avais volontairement évité de parler des fantaisistes qui entretiennent dans le monde réel des rapports plus ou moins négatifs, et je m'étais concentré sur des hommes comme Dostoïevski, Van Gogh, Nietzsche, Gurdjieff, qui tous pensaient que l'on pouvait quelque chose contre la banalité et la futilité de l'existence humaine. Les fantaisistes tournent simplement le dos à la réalité et espèrent qu'elle disparaîtra. Aussi ne parviennent-ils jamais à une élévation morale d'un Tolstoy ou d'un Dostoevsky. Mais après avoir lu Lovecraft, il m'a paru qu'un fantaisiste peut également, à sa manière, apporter des solutions aux problèmes posés par la banalité du quotidien, et qu'il n'était peut-être pas inutile d'écrire une suite à The Outsiders sur ce sujet. Pendant ce voyage de Corse Castle à North Devon, je conçus l'ensemble de The Strength to Dream La Force de Rêver. L'ouvrage commençait par une étude sur Lovecraft, qui est d'ailleurs au centre de l'exposé tout entier. L'année suivante, je fis mon premier voyage en Amérique sous les auspices de l'Institut des arts contemporains de Washington. Jusque-là, j'arrivais difficilement à me procurer des livres et des documents américains que je convoitais depuis longtemps, puisqu'il fallait pour cela payer en livres sterling. Mais j'étais maintenant décidé à dépenser une partie des revenus provenant des cours de littérature que j'avais donnés. À peine arrivé à New York, je me rendis à la librairie la plus proche, consultait le catalogue pour voir quel volume de Lovecraft était en cours d'impression et les commandait tous. La chronique littéraire du New York Times diffusa une interview que j'avais accordée. Auguste Derlet, directeur de Arkham House Publishers, tomba sur cette interview et m'écrivit à Washington. Il suggérait une rencontre, ce qui n'était pas impossible pendant ce voyage. Mais nous eûmes aussi l'occasion d'entamer une correspondance qui devait se poursuivre jusqu'à sa mort. Quelques semaines plus tard, je me trouvais à Providence, Rhode Island je devais donner des cours et animer des séminaires à la Brown University, la Miskatonic University de Lovecraft. Lorsque j'appris que la bibliothèque possédait une collection d'œuvres de Lovecraft, je passai une journée entière à lire ses lettres et manuscrits inédits. Je fus tout d'abord frappé par le racisme de Lovecraft. Il fumine rageusement contre les Juifs, les Noirs, les Espagnols, les Arabes, les Polonais et toute la racaille qu'il rencontrait dans les autobus new-yorkais. À ce stade de sa carrière, Lovecraft se disait mais comme Nietzsche, il pensait que la race humaine se composait de maîtres et d'esclaves et qu'il existait donc deux mentalités entièrement différentes. Cela renforce ma conviction que le désir d'échapper à la réalité quotidienne constitue le fil conducteur de l'œuvre de Lovecraft, lequel rêvait de prendre une espèce de revanche sur la réalité qui le dégoûtait. Sur ce point, Sprague de Camp et Lynn Carter ne partagent pas mon avis, pas plus que Derlet. Lovecraft lui-même le confirme pourtant dans l'une de ses lettres, datée du 30 octobre 1929. Je cite :« Je ne suis pas le seul à prédire un très grave problème à l'esthète sensible qui resterait en vie au milieu des ruines de la civilisation traditionnelle. En fait, une étude d'alarme, de souffrance, de dégoût, de recul et de stratégie défensive est si répandue chez presque tous les hommes d'aujourd'hui, attirés par la création artistique, que je suis parfois tenté de rester tranquille de peur que mes idées personnelles ne soient interprétées à tort comme une pure imitation. Dieu, voyons cette liste Ralph Adams Cram, Joseph Crouch James Truslow Adams, John Crowe Ransom, T.S. Eliot, Aldous Huxley, etc. Chacun présente un plan différent d'échappatoire, mais tous s'accordent sur ce à quoi il convient d'échapper. Que ceci ne soit pas pris pour une critique adressée à Lovecraft, pas plus qu'à Eliot ou à Huxley. Il peut paraître dommage qu'ils aient cherché une échappatoire. Pourtant, chacun d'eux tenait fermement à ses propres valeurs. Je serais sûrement le dernier à les condamner. Mon propre intérêt pour Lovecraft vient du fait que j'ai ressenti en grande partie la même chose que lui pendant toute mon adolescence et ma jeunesse. Souvent, je repentais Londres dans une espèce d'aversion totale pour la civilisation moderne. Mais je sentais bien que cette attitude était négative, presque suicidaire. Et à cette époque, je commençais The Outsiders à 23 ans. Je comprenais qu'il fallait adopter une attitude positive, créer de nouvelles valeurs au lieu de vouloir simplement préserver les anciennes. Malgré cela, je n'ai qu'admiration pour la superbe intransigeance de Lovecraft face à un monde qu'il trouvait futile et destructeur. Ma façon personnelle de critiquer Lovecraft a été d'écrire trois ouvrages de fiction basés sur le mythe Cthulhu. The Mind Parasite, Les Parasites de l'Esprit, The Philosopher's Stone, La Pierre Philosophale, et The Return of the Yorgor, Le Retour de Yorgor. Le premier a été écrit sur le conseil de Derlet et publié à Arkham House en 1966. C'est aussi à la demande de Derlet que j'ai rédigé la nouvelle Return of the Yorgor, qui devait faire partie de « Tales of the Cthulhu Mythos ». À l'origine, je ne devais être qu'une nouvelle, mais je ne me suis jamais senti à l'aise dans ce genre littéraire qui offre si peu de place pour développer ses idées. Return of the Yoïgor me fit prendre conscience de ce qui n'allait pas chez Lovecraft dans les cinq dernières années de sa vie. Sa créativité se tarit. À plusieurs reprises, il informa ses amis de sa décision de ne plus écrire. Dans son étendue, l'œuvre de Lovecraft comporte des limites. Le schéma de départ de la plupart de ses contes est le même. L'auteur commence par informer son public qu'il vient de faire une terrible découverte qui a presque aliéné sa raison. Hier, homme équilibré, normal, il ne croyait pas au surnaturel. Mais à l'occasion d'un séjour dans la maison ancienne d'Arkham, ou Dunwich, ou Innsmouth, il a pu voir de ses propres yeux. Ces histoires, baignant volontairement dans une atmosphère de claustration, ne permettent qu'un développement restreint. En atteignant la quarantaine, Lovecraft avait joué toutes les variations possibles sur son thème. Il avait exploité cette veine, et il ne restait plus rien à découvrir. Le philosophe Kierkegaard s'effondra et mourut le jour où il retira tout l'argent qui restait sur son compte bancaire. On pourrait dire que Lovecraft commença à mourir lorsqu'il comprit que son inspiration s'était tarie. Cette idée qu'un homme soit atteint d'un cancer uniquement parce qu'il a cessé d'utiliser son imagination semble un peu absurde. Au contraire, je la tiens pour la clé de la vie et de l'œuvre de Lovecraft. Une fois que nous aurons accepté cela et que nous l'aurons éclairé à la lumière du récit de Machen sur ce qui arriva cet après-midi-là à Grace Inn, nous serons en mesure de répondre à certaines des questions fondamentales qui concernent le Necronomicon. T.S. Eliot soulignait que, examiné avec détachement, la vie humaine paraît d'une grande futilité naître, copuler et mourir. Et de même, Lovecraft ne se lassait pas d'affirmer que seul notre aveuglement nous permet de garder la paix de l'esprit ce n'est pas du pessimisme total, mais une réflexion objective sur l'existence humaine. J'ajouterai que je ne vois pas pourquoi cela ne pourrait pas être le fondement d'une philosophie optimiste ou disons religieuse. Les humains sont comme les chevaux qui portent des œillères, piégés dans un présent sans intérêt. Lorsqu'un enfant pleure son jouet brisé, nous disons qu'il manque de perspective. Mais cette réflexion peut s'appliquer à nous tous. L'importance de l'art et de la science réside dans la faculté qu'il nous donne de considérer les choses de haut avec un certain recul. Mais lorsque l'astronome quitte son télescope, il lui faut fouiller dans ses poches pour trouver les clés de sa porte. Le temps nous tient au collet. La plupart des gens semblent accepter cela tranquillement, peut-être parce que leurs problèmes quotidiens les accaparent. Mais ceux-là même qui n'ont pas trop de problèmes paraissent accepter le côté étonnamment futile de la vie sans trouver cela anormal. Récemment, à la télévision, une vieille dame, survivante de l'époque édouardienne, disait qu'elle se rappelait le temps où la plupart des hommes ne faisaient rien d'utile dans la vie. Le matin, ils allaient au club, l'après-midi, ils jouaient au billard, et le soir, ils jouaient au bridge. Pour moi, c'est la formule idéale pour devenir fou. Mais combien d'hommes trouvent plaisante et enviable cette façon de passer sa vie La réponse, je pense, est qu'un faible pourcentage de l'humanité, environ 5% pour être précis, possède le besoin inné de se donner un but. Ce sont les 5% qui dominent, et le même chiffre semble s'appliquer chez les animaux. Pourquoi cela, nul ne le sait avec certitude. Sans doute Lovecraft aurait-il répliqué que c'est purement biologique. Pour qu'une espèce survive, un certain nombre d'individus doivent posséder un élan qui les entraîne au-delà des obligations quotidiennes. Sans quoi, parvenu à un certain stade de confort et de stabilité, cette espèce ne manquerait pas de dégénérer rapidement. L'histoire nous a appris que les nations s'amollissent lorsqu'ils vivent dans l'abondance. Cependant, ces nations survivent et produisent une grande civilisation, élan que le confort ne peut compromettre. Ces hommes présentent, je le répète, le besoin inné de donner une justification à leur existence. Privés d'un but à atteindre par les circonstances de leur vie, ils deviennent frustrés et suicidaires. Telle est l'histoire des Outsiders. Avant de découvrir leur voie, ils sont souvent proches de la folie et tentés par le suicide. Ce but qu'ils se fixent peut prendre les formes les plus variées. Comme chez George Fox, fondateur du quakerisme, qui traversait une ville en criant Malheur à la ville maudite de Lynchfield! Ce qui, de nos jours, l'aurait directement conduit à l'asile le plus proche, ou chez Lawrence d'Arabie, entrant dans la Royal Air Force comme simple soldat. Je ne prétends pas que les 5% qui dominent sont tous des génies frustrés. Ils sont parfois stupides, et leur prédominance en fait des tyrans. Parfois malhonnêtes, ils deviennent alors des escrocs parfois obsédés sexuels, ils deviennent alors satire ou nymphomanes, car il existe autant de femmes que d'hommes qui dominent. Tous les vendeurs de magasins, tous les sergents-majors, tous les chanteurs de musique pop, tous les hommes d'affaires peuvent faire partie de la minorité dominante. On pourrait écrire un ouvrage très intéressant sur des outsiders mineurs, annihilés par la conscience qu'ils avaient de la futilité de l'existence. On pourrait citer l'archiduc Rodolphe d'Autriche, qui se suicida avec sa maîtresse à Meyerling, et le chanteur de rock'n'roll Elvis Presley, mort d'une crise cardiaque à 42 ans. Ils appartenaient tous deux à la minorité dominante et ne pouvaient s'exprimer par un concours de circonstances exceptionnelles. Rodolphe, parce qu'il était le fils de l'empereur François-Joseph, Presley, à cause de son immense succès qui le contraignait à être prisonnier de sa propre demeure. Revenons maintenant à la biographie de Lovecraft par Sprague de Camp ou à l'ouvrage de Derlet, A euh, Mémoire, consacré à H.P. Lovecraft. Et considérons la carrière du Reclus de Providence. Providence est un endroit assez charmant, avec ses maisons à bardeaux et ses petites rues bordées d'arbres. Mais en 1890, lorsque naquit H.P. Lovecraft, c'était sans doute la plus provinciale des villes de Provence. Shaw décrivit un jour le Dublin de son enfance comme cet enfer de petitesse, et c'était pourtant une capitale pleine d'acteurs, d'artistes et d'hommes de lettres. Comparativement, Providence devait sembler aussi lointaine qu'un village au milieu de l'Antarctique. De sa plus tendre enfance jusqu'à 21 ans, Lovecraft ne rencontra et ne parla probablement jamais à quelqu'un dont l'esprit témoignait de la moindre originalité. Son père mourut fou lorsqu'il avait 8 ans, probablement des suites d'une syphilis. Howard lui-même, enfant unique, subit l'affection étouffante de sa mère. Étudiant cette relation de type proustien, on peut s'étonner qu'il ait évité l'homosexualité. Obsédé par la lecture, Lovecraft passa les 20 premières années de sa vie dans une bibliothèque. Ici, je pense pouvoir prétendre connaître de l'intérieur ce genre de situation. Né dans une ville de province, je me suis abîmé la vue à lire 10 heures par jour aux alentours de ma douzième année. Je me souviens encore très bien de cette curieuse sensation d'être coupé du monde réel, et de ce sentiment que la vie est une espèce de rêve ou d'illusion. Pour l'esprit juvénile qui se nourrit d'eux, les livres rendent la vie réelle un peu superflue, comme s'ils reflétaient une réalité plus exaltante. Et le contact avec le monde quotidien produit alors comme un ressentiment l'idée d'Axel selon laquelle un domestique devrait vivre cette vie-là à notre place. Mais la réalité refuse d'admettre les rêveurs romantiques. On dirait qu'elle prend plaisir à les secouer et à les faire claquer des dents. Et de ce fait, les romantiques qui déjà rejettent le monde connaissent alors une furieuse amertume. Certains des romantiques du XIXe siècle se sont suicidés par rancœur, par désir de « rendre à Dieu la monnaie de sa pièce ». Mais le rejet de Lovecraft ne fut jamais aussi violent que celui de Nietzsche ou de Dostoïevski. Tendre son point à Dieu, comme le Manfred de Brion, demande une certaine confiance en soi, découlant d'une robuste santé et d'un sentiment marqué de supériorité. Mais Lovecraft ne jouissait pas d'une bonne santé et passait des semaines entières dans un état de « fatigue immense et de complète léthargie ». Alors, le simple effort pour s'asseoir est insupportable. Je ne suis qu'à moitié vivant et une grande partie de mes forces étant consacrée à m'asseoir et à marcher. Mon système nerveux est une épave brisée et je croupis dans l'ennui, apathique, sauf si je tombe sur quelque chose qui m'intéresse particulièrement. Non seulement Lovecraft manquait de cette confiance que donne la santé, mais aussi de celle que procure la position sociale et une bonne éducation. Sa santé et peut-être aussi son mépris pour les études structurées. L'empêchèrent d'entrer à la Brown University. Pis encore, il ne trouvait personne à admirer parmi ses contemporains. Vers 1910, l'Amérique était un désert culturel. Qu'il y a encore aujourd'hui Hélène Glasgow, Edith Wharton, William Dean Owells ou même H. L. Mencken. En Angleterre, on trouvait Shaw, Wells et Chesterton que Lovecraft détestait, bien entendu. Il préférait Poe, Arthur Machen et, plus tard, Lord Dunsany. Mais parmi ces trois auteurs, aucun ne méritait qu'on l'imite. Dans ses pires moments, Poe est terriblement mauvais, et dans ses meilleurs moments, il reste verbeux. Un jeune écrivain a grand besoin de quelqu'un à admirer et à imiter pendant qu'il s'exerce à son propre style. C'est sa façon de quitter sa chrysalide de son adolescence. Lovecraft imitait Poe, en sachant bien, car il avait du sens critique, que le résultat était désolant. Saint John était un cadavre mutilé. Moi seul, c'est pourquoi au point je vais me faire sauter la cervelle de peur d'être mutilé de la même façon à travers les couloirs obscurs et illimités d'une fantaisie de grand guignol passe la némésis noire et informe qui me conduit à ma propre annihilation cet extrait infâme provient d'un roman intitulé the hound le chien et en plus il ne s'agit pas comme on pourrait le croire d'une œuvre de jeunesse elle a été écrite en 1922 alors que lovecraft est resté un adolescent craintif beaucoup plus longtemps que la plupart des gens artistiquement parlant, son problème est simple. Il ne parvenait pas à trouver ce que T.S. Eliot appelle un corrélatif objectif, un scénario et des personnages convenables pour incarner l'essence de ses pensées. Une nouvelle intitulée Dagon, que Lynn Carter trouve excellente, date de ses 27 ans et révèle son problème de base. Après un naufrage, un marin se retrouve sur une île du Pacifique qui semble avoir jailli de quelques convulsions volcaniques. Couverte de vase noir, elle pue le poisson mort. Après des jours de voyage, il découvre un monolithe sculpté présentant d'étranges créatures à l'apparence de poissons. Alors qu'il le contemple debout au clair de lune, un monstre couvert d'écailles surgit des eaux et lance ses énormes bras en direction du monument. Le marin devient fou, inévitablement, et se réveille dans un hôpital à San Francisco. Mais lorsque la lune est gibbeuse et décroissante, je vois la chose et même maintenant, elle monte l'escalier à pas pesants. Elle ne me trouvera pas. Dieu cette main, la fenêtre, la fenêtre. L'idée d'un homme sur le point d'être dévoré vif et qui continue de gribouiller sur une feuille de papier est absurde. L'essence du conte repose sur la scène de l'homme debout sur l'île marécageuse, contemplant le monument au clair de lune, puis voyant quelque chose de vaste comme Philomène et répugnant qui sort des eaux. Mais comme un orfèvre sans talent, il a enchassé cette vision dans une monture pauvre et ordinaire. Cela nous amène à un point fondamental. La plupart de ses « visions » les plus intéressantes proviennent de rêves. Auguste Derlet a rassemblé en un volume fascinant les rêves de Lovecraft, d'après ses lettres, et les contes qu'il en a tirés. Ses lettres montrent bien que, pour quelques curieuses raisons, Lovecraft faisait un cauchemar toutes les nuits. Celui-ci par exemple. Avec son ami Samuel Loveman, il se rend dans un cimetière. Il soulève la dalle recouvrant une tombe, puis Loveman voit quelque chose de terrifiant et s'écrie :« Par l'amour du ciel, c'est la fin Fiche le camp !» Et lorsque Lovecraft se penche sur la tombe pour demander Loveman, tu es là Une voix gutturale, sombre, répond Pauvre fou, Loveman est mort. Le rêve est décrit longuement, et gâté par une surabondance d'adjectifs, dans The Statement of Rodolphe Carter. Et alors me parvint le comble de l'horreur, une chose incroyable, inconcevable et presque impossible à mentionner. Un psychologue dirait que l'inconscient de Lovecraft lui fournissait activement des matériaux pour ses récits. Élevé dans du coton par sa mère et deux tantes, souffrant de maux de tête et d'apathie, il vivait dans une mare culturelle stagnante, correspondant aux divers auteurs de fiction de Pacotti, encore moins sophistiqués que lui. Il devait se sentir très éloigné des endroits où il aurait aimé être, en Grèce, en Italie, en Égypte, et des écrivains qu'il admirait. Il connaissait le gouffre qui existait entre Weird Tales et les œuvres des grands maîtres européens. Et il faisait sans aucun doute partie des 5% qui dominent il aurait voulu se mêler à ses semblables. Si le sort lui avait été favorable, il serait né assez riche pour vivre à Londres ou à Rome, et pour frayer avec des êtres intellectuellement égaux à lui. Il se serait senti à l'aise en dînant au Café Royal avec Ronald de Firebank, ou en dégustant du vin à Capri avec Normal Douglas. Mais il était fils d'un représentant de commerce et non pas, comme Henry James, petit-fils d'un millionnaire. À la mort de sa mère, son capital n'atteignait pas vingt mille dollars. Qu'il le veuille ou non, il appartenait au district de College Hill à Providence, cet endroit morne et médiocre qu'il avait vu naître. Il avouait lui-même son sentiment d'ennui et de frustration. Les livres sont bien peu de choses. Ni vous ni moi, malgré tous les classiques que nous avons lus, n'éprouvons le centième de la joie que procurent la Grèce et Rome aux millionnaires auxquels son yacht et sa voiture permettent de flâner indéfiniment sous des cieux méditerranéens. 14 octobre 1924. Il ne se passe jamais rien, c'est peut-être pourquoi mon imagination s'échappe et explore des mondes étranges et terribles. Je vis mon quotidien dans une espèce de léthargie dédaigneuse, sans vertu et sans vice. Je ne fais pas partie du monde, j'en suis le spectateur amusé et parfois dégoûté. Je déteste le genre humain, ses faux-semblants et sa grossièreté. Pour moi, la vie fait partie des beaux-arts, bien que je considère que l'univers est un chaos automatique et vide de sens, dénué de valeurs élevées. 3 février 1924. Il se sent prisonnier d'un monde qu'il déteste. Peut-être devrait-il aller ailleurs, mais il ne peut surmonter sa léthargie. Sa seule expérience de vie dans une autre ville, à New York, s'avéra si désastreuse qu'elle détruisit l'espoir qu'il entretenait de s'évader un jour de Providence. Il est surprenant qu'il n'ait pas tenté de se suicider, comme son ami Robert Howard, auteur de Conan the Warrior, Conan le Guerrier. Mais il possédait un puissant allié, son subconscient. Cela nous ramène à Machen et à ce qui arriva en cet après-midi de 1899. Machen refusa toujours de livrer les détails de cette expérience. La seule clé dont nous disposons semble être ces deux déclarations contradictoires au sujet de l'hypnose. Mais celle-ci élimine tout au moins la possibilité que Machen ait procédé à une forme quelconque de rituel magique. Peut-être une invocation du démon. Lorsqu'il assure que ce n'était pas de l'hypnotisme, il veut dire qu'il ne s'agissait ni d'un rêve ni d'une hallucination. Il déclare pourtant à son ami Munson Evans ⁇ Je peux te dire que le phénomène qui eut lieu était de l'hypnotisme. Je ne peux rien dire de plus, sauf ceci. Je suis absolument sûr que ce phénomène n'est pas efficace ex opéré-opérato. Les spécialistes de la magie affirment que les rituels sont efficaces ex opéré operato. Ils agissent comme on allume l'électricité et non par auto-hypnose. Tout cela semble indiquer que, d'une certaine mesure, Machen a essayé d’entrer en contact avec les forces profondes de son subconscient. Mais même cette explication pose autant de problèmes qu'elle en résout. Pourquoi les forces du subconscient devraient-elles fournir des révélations Des rêves, oui, des névroses? Oui, même des hallucinations, des illusions ou des paranoïas. Mais pas des intuitions mystiques. Selon Freud, bien sûr, les intuitions mystiques sont des illusions, mais cela fait aussi problème. Car Freud réduisait le mysticisme à une espèce de pensée ardente. Machen déclare que ce qui lui arriva ne s'apparentait ni à une quelconque pensée ardente ni à l'autohypnose. F.W.H. Myers, spécialiste des recherches psychiques, a tenté de répondre à cette question dans son remarquable ouvrage Human Personality and its Survival of Bodily Death, la personnalité humaine et sa survivance après la mort. Myers consacre un chapitre aux génies, aux personnes qui ont témoigné de pouvoirs remarquables dès leur enfance, et en particulier aux génies du calcul, les jeunes enfants qui effectuent d'énormes calculs mentaux en quelques secondes ou en quelques minutes. En 1961, dans son introduction au livre de Myers, Aldous Huxley précisa encore la pensée de celui-ci en demandant « La demeure de l'âme est-elle un simple bungalow avec une cave, ou existe-t-il un étage au-dessus du niveau du conscient, ainsi qu'un sous-sol couvert d'immondices en dessous ?» Il souligne que Freud avait un bungalow à vue sur le sous-sol, mais les exemples de génie remarquables semblent indiquer que l'homme possède un superconscient au même titre qu'un inconscient, ce superconscient étant tout aussi étranger à sa personnalité ordinaire. Voilà quelques années, une série de paniques, dues au surmenage, me réduisirent nerveusement à l'état d'épave. J'en ai parlé dans mon livre Mysteries, aussi n'ai-je pas l'intention d'y revenir. De ces luttes avec mes crises nocturnes, j'ai gardé la conviction que Myers et Huxley avaient raison de croire que la personnalité présente un étage de superconscient, mais que cet étage lui-même possède plusieurs niveaux. Il est peut-être exact de prendre comme image un building et non une maison à deux étages. Il en va de même du sous-sol, l'inconscient à plusieurs niveaux. J'étais particulièrement frappé par le phénomène des personnalités secondes. Certaines personnes peuvent se scinder en deux ou plusieurs personnalités. Celles-ci se comportent comme des entités indépendantes, comme si le corps était pris en charge par plusieurs âmes. Myers a également étudié ce phénomène dans son livre. Il cite notamment le cas curieux de Louis Vivet, jeune délinquant qui, terrifié par une vipère à 14 ans, commença à souffrir de crises d'épilepsie et à présenter des symptômes d'hystérie. Puis sa personnalité dégénéra profondément et il devint alcoolique, irascible et cupide. À l'hôpital, souffrant d'une hémiplégie, il faisait de grands discours, injuriait les médecins et se comportait avec une grande impudence, discourant sur l'extrémisme de gauche et l'athéisme. Les médecins pratiquèrent sur lui le magnétisme et découvrirent que lorsqu'on lui appliquait de l'acier, la paralysie se portait du côté gauche. Sa personnalité changeait alors complètement. Il devenait sensible, modeste et raisonnable, et refusait de parler de religion et de politique, prétendant n'y rien connaître. On aurait dit que le choc provoqué par la vipère avait en quelque sorte dissocié les côtés gauche et droit de son cerveau et provoqué l'apparition d'une seconde personnalité indépendante. Dans bien des cas de personnalités multiples, le patient abrite trois personnes différentes au moins. Dans le cas récent de Sibylle, décrit par Flora Reté-Schreiber, on en comptait 16. Les personnalités forment souvent une hiérarchie. Celles qui en occupent le sommet connaissent tout sur celles qui se trouvent en bas de l'échelle. Très souvent, ces personnalités élevées témoignent d'une maîtrise et d'une maturité bien supérieures à celles dont le patient fait montre dans sa vie courante. Les personnalités deviennent puériles et limitées au fur et à mesure que l'on descend l'échelle hiérarchique. Dans le cas de Doris Fisher, au début du siècle, la personnalité la plus rudimentaire n'était guère plus qu'une machine, dépourvue de vitalité et de facultés intellectuelles. Le psychologue Pierre Janet put observer que, lorsque certaines personnes tombent dans un état d'anxiété permanente ou de dépression, elles se referment comme pour économiser leur énergie vitale. Parfois, elles vont jusqu'à perdre l'odorat ou le sens du toucher. Curieusement, la personnalité intègre demeure malgré tout, et Janet découvrit qu'il pouvait souvent communiquer avec elle en murmurant. Ainsi, il ordonnait à voix basse à une hystérique de lever le bras, et elle obéissait. Mais lorsqu'il lui demandait à voix haute pourquoi elle levait le bras, la patiente restait toute stupéfaite de se trouver dans cette posture. J'ai suggéré que nous devons concevoir la personnalité totale sous forme de cercle, comme la pleine lune. Mais quelqu'un qui développerait cette personnalité totale deviendrait presque un dieu. Pour la plupart, nous demeurons limités, excessivement prudents et tendus. Même les personnalités les plus vitales ou les plus ouvertes ne représentent probablement qu'un seul quart de la lune. Mais je le répète, inutile de développer la personnalité totale. Elle est déjà là, comme l'étonnante faculté des enfants prodiges pour le calcul. J'avoue que cela semble paradoxal, mais un très grand nombre d'éléments le confirment. Nous nous limitons nous-mêmes. Ainsi, une personne fragile, nerveuse et maladive seulement par incapacité de se relaxer et de s'ouvrir à une personnalité plus large. Une crise obligeant quelqu'un à faire appel à ses réserves vitales peut effacer en une nuit ce côté maladif. Wilhelm Reich pensait à la même chose lorsqu'il parlait d'armure. Si vous pouvez développer certains traits de caractère dans un dessin défensif, ceux-ci finissent par vous envelopper dans une armure, elle deviendra votre vraie personnalité. Nous possédons une personnalité plus élevée ou plus vaste, personnalité qui, en sait plus, que notre personnalité partielle de tous les jours. J'admets que ceci n'est pas une conception très orthodoxe de la personnalité humaine, et que les disciples de Freud ne voudront pas y souscrire. Les disciples de Jung la trouveront peut-être moins étrange, puisque Jung admettait l'idée d'une conscience qui transcende celle de l'individu, un inconscient racial, et de ce fait se rapprochait de la vision globale ou pleine lune de la personnalité. Quoi qu'il en soit, il est aisé de reconnaître que la plupart des gens demeurent en quelque sorte incomplets, que la nervosité et le manque de confiance ont circonscrit leur personnalité et certaines limites que l'habitude et la paresse, parfois, fixent définitivement. Bien des gens très tranquilles et soumis recèlent une vitalité potentiellement beaucoup plus forte, mais ils n'ont jamais essayé d'explorer leurs capacités. Suivant cette théorie, Meichen n'aurait utilisé qu'une forme quelconque d'auto-hypnose pour faire appel à son moi global. Et le moi global a fait connaître son existence en provoquant des phénomènes semi-magiques. La conséquence de cette révélation fut une sensation débordante de soulagement et de bonheur. Chen tenta alors d'obtenir d'autres révélations de son moi global en entrant dans l'ordre du Golden Dawn. Peut-être que ce qu'il y apprit ne ressemblait pas le moins du monde à ce qu'il cherchait. Meichen cherchait d'autres révélations de son moi global. Mais la Golden Dawn s'occupait surtout de ce que Young appellerait plus tard l'inconscient racial. Yeats exprime cela dans son autobiographie. Je sais maintenant que la révélation provient du moi, et de ce moi mémorisé au cours des âges. Et que le génie est une crise pendant laquelle ce moi enterré est réuni pour un moment à notre moi vulgaire et quotidien. Matter s'enseignait que le moi mémorisé au cours des âges peut être évoqué par des symboles, et que, de plus, l'esprit entraîné du magicien pouvait passer dans d'autres dimensions, dans d'autres plans d'existence. Le magicien devrait exercer son imagination jusqu'à pouvoir contempler un objet mental comme s'il existait réellement en trois dimensions. Enfin, il pourrait même le projeter dans le monde extérieur. Cela fait, il aurait la possibilité de contempler un symbole de son choix. Pourquoi pas l'un des cinq symboles de Tatoua Terre, air, eau, feu et esprit. Puis de fixer un mur blanc ou un plafond afin que le symbole y soit projeté sous forme d'image rétinienne. Ensuite, il élargirait le symbole à la dimension d'une porte et passerait par cette ouverture. Il se retrouverait sans doute dans une sorte de paysage onirique. Correspondant au symbole choisi. Yeats explique comment, lorsqu'il pressait un symbole de feu sur son front, lui venait la vision d'un désert et d'un titan gigantesque surgissant des ruines. D'après Mathers, le symbole lui-même entre pour moitié dans le phénomène. On voit que, d'après cette théorie, certains rêves ne sont peut-être pas des rêves du tout, mais des visions de ces plans astraux. Pour parler dans les termes de Jung, le magicien a entrevu certains des archétypes de l'inconscient collectif. Jung s'est convaincu de l'existence de ces archétypes et de l'inconscient collectif, en découvrant que les rêves de ses patients s'exprimaient souvent par des symboles mythologiques, alors que ces personnes n'avaient pas la moindre connaissance de la mythologie. Bien que très proches, le concept de l'inconscient collectif et celui d'un moi global ne doivent pas être confondus. Ce que nous entrevoyons dans des moments de grande intensité semble être un potentiel plus large de notre individualité. Lorenz trouvait cette révélation dans l'extase amoureuse, la sensation que le moi, qui prédomine un moment pendant l'acte d'amour, est en quelque sorte plus vrai que le moi de tous les jours, et donc plus réel. Cette conception renverse évidemment nos idées courantes, car comment peut-on croire que le moi conscient a moins de réalité qu'un moi hypothétique seulement entrevu dans des moments d'extase ou d'orgasme D'après cette théorie, le but de l'élévation personnelle est de parvenir au moi le plus vaste possible à la pleine lune. Ce qui arrive ensuite demeure une hypothèse, notre problème étant d'essayer de nous élargir, de devenir plus vaste. Il se peut que le genre de discipline prônée par le Golden Dawn produise cet effet d'élargissement. D'autre part, reconnaissons, par pure honnêteté, que des magiciens comme Matters et Crowley ne se distinguaient pas par leur générosité de leur esprit ou leur largeur de vue. Au contraire, tous deux, assez mesquins, se comportaient parfois comme des enfants gâtés. Or, ce genre de comportement se rapproche de la description faite par Janet au sujet des personnes hystériques. Au contraire, les témoins de sa vie ont dépeint Machen comme un homme beaucoup plus agréable. On comprend mieux qu'il n'est pas cru que les disciples magiques pouvaient le rapprocher de la révélation ressentie à Grace Inn. Par rapport au Golden Dawn, son attitude devint rapidement indifférente et détachée, et il semble avoir quitté cet ordre en 1901. Il suffit de regarder une photographie de Lovecraft pour comprendre qu'il passa sa vie dans une profonde anxiété. Sur les photographies de jeunesse, la bouche est mince et pincée. Avec ses lunettes cerclées, il ressemble à la reine Victoria annonçant à son gentilhomme de service qu'elle ne s'amuse pas. À ma connaissance, nulle photographie ne montre l'ombre d'un sourire. Il a toujours l'air tendu et malheureux, comme s'il voulait s'enfuir et se précipiter aux toilettes. Sa vie durant, il fut extrêmement timide et emprunté. Ses amis affirmaient qu'il lui arrivait de sourire dans ses moments de détente, mais il ne riait jamais. Gauche et silencieux avec les étrangers, il ne se livrait un peu qu'aux gens qu'il connaissait bien. Alors il savait être très agréable compagnon. Tous ses amis lui étaient inférieurs, intellectuellement parlant, peut-être simplement parce que sa vie publique très limitée l'empêcha de rencontrer des gens à sa hauteur. De toute façon, il aimait visiblement dominer ses rapports avec les autres, être le guide et le conseiller. Par jeu, il s'appelait lui-même grand-père même lorsqu'il se trouvait avec ses tantes. Sans doute avait-il besoin de voir en lui l'image d'un père. Lovecraft fit de son mieux pour élargir et développer sa personnalité. Son problème majeur résidait dans le fait qu'il se considérait comme un invalide inefficace. Idée fausse qu'il s'était imposée. Des amis soulignent que, pendant les vacances, il pouvait marcher et travailler autant que les autres sans montrer de signes de fatigue. La biographie de Sprague de Caen établit que Lovecraft était ce que Freud appelle un érotique anal, ce qui signifie simplement qu'il était méticuleux, pointilleux et obsédé de détails. On s'étonne que ce genre de personnage soit devenu un écrivain de renom et même un écrivain tout court. Mais il faut tenir compte du facteur essentiel chez lui, son côté dominant et son intelligence. Ceux qui connaissent l'astrologie apprendront avec intérêt que Lovecraft, né un 20 août, appartenait au signe du lion, signe associé aux acteurs et à ceux qui même montaient sur les planches. Son ascendant en vierge, dirait un astrologue, explique son obsession de rangement et son côté maniaque. Il ajouterait que Lovecraft ne développa que son côté négatif, son côté vierge, et n'eut jamais l'occasion de réaliser son véritable potentiel de lion. Cela n'est dû qu'en partie à sa timidité et à son goût pour l'infirmité. Plus important était son attitude délibérée de distance aristocratique, son dégoût de la vain gloire. Rappelons une anecdote au sujet de Poe, qui, sous ce rapport, ressemblait beaucoup à Lovecraft. On la trouve dans La Vie de Poe par Harvey Allen, Israël. Mrs. Grove Nichols raconte que Poe lui expliqua qu'il n'écrivait que pour satisfaire son goût et son amour de l'art. La gloire n'a aucune influence sur son moi. Poe commença ensuite un long discours sur l'adulation de la populace et sur les écrivains assez bornés pour la rechercher. Plus tard, alors qu'il se promenait sur la crête d'une colline, Déclara à Mrs. Grove Nichols qu'il avait une confession à faire. Je vous ai dit la dernière fois que je détestais la gloire. Oui, je m'en souviens. C'est faux. J'adore la gloire. J'en ai la passion. Je l'idolâtre. Je boirai jusqu'à la lie, le vin fort de la gloire. Je voudrais voir l'encens brûler en mon honneur dans chaque hameau, dans chaque ville de la terre. La renommée, la gloire, c'est le souffle, le sang porteur de vie. Nul homme ne vit vraiment jusqu'à ce qu'il connaisse la gloire. « Comme je trahissais ma vraie nature lorsque je prétendais ne rechercher la gloire, et la mépriser. » Tout comme Poe, Lovecraft affichait toujours une grande indifférence à la célébrité, mais dans chaque page de ses Collected Letters, recueil de lettres, il saute aux yeux qu'il ressentait exactement la même chose que Poe. Lion frustré, Lovecraft resta toujours une personnalité partielle, un homme dont la vraie nature fut toujours éclipsée. C'est précisément le genre de personne, comme Janet le faisait souvent remarquer, capable d'être possédé par des démons ou d'abriter des personnalités secondes. Lorsque nous passons des lettres de Lovecraft à son œuvre, nous voyons clairement pourquoi sa vraie nature ne put se faire jour. Au niveau de son style, il ne parvint jamais à la distinction de peau. Il resta toujours gauche comme un amateur. Sa connaissance du monde réel était très limitée et, même après son mariage et sa vie à New York, il conserva la tournure d'esprit d'un adolescent. Lisons les œuvres de jeunesse rassemblées par Derlet dans The Shutterhead Room, la chambre au volet clos. Ces histoires écrites à 6 ans sont celles d'un enfant exceptionnellement brillant et imaginatif. Elles laissent présager un avenir de grand écrivain. Mais le premier de ses contes d'adultes, The Alchemist, l'alchimiste, écrit à 18 ans, ne témoigne pas des progrès que l'on pouvait attendre. Il pourrait être écrit par un enfant de 12 ans un peu doué. « Fou que vous êtes » hurlait-il. « Ne pouvez-vous pas deviner mon secret ?» N'avez vous pas de cervelle vous permettant de reconnaître la volonté qui, depuis dix siècles, appelle la malédiction sur votre foyer? Je vous le dis, c'est moi, moi, moi qui vis depuis six cents ans pour poursuivre ma vengeance, car je suis Charles le Sorcier. Il semble que Lovecraft ait été intellectuellement et physiquement arrêté dans sa croissance par ces années de fatigue et de léthargie terribles. Et si l'on réalise que, dix ans plus tard, il écrivait toujours le même genre de prose absurde et outrée, on pouvait penser qu'il lui manquait le nécessaire pour devenir autre chose qu'un mauvais amateur. Sprague de Camp parle d'un récit daté de 1919 en termes de petite fantaisie sans consistance et d'une autre comme un véritable échantillon d'horreur. Cette année-là, Lovecraft découvrit les contes de Lord Dunsany qui avait lui-même subi l'influence du poète William Morris. Un moment, Lovecraft renonça à terrifier ses lecteurs et s'essaya une prose poétique et chantante qui rappelle Tolkien dans ses mauvais moments. Ainsi je me parlais moi-même de Katuria, mais toujours l'homme barbu me conseillait de revenir au rivage heureux de Sona Nil. Par la suite, l'océan ne me livra plus ses secrets, et bien que, depuis, la pleine lune ait brillé haut dans le ciel, le bateau blanc venant du sud ne revint jamais. Mais vers les trente ans, il revint à l'horreur et produisit quelques histoires crues mais intéressantes comme The Lurking Fear et The Music of Ericsson. En 1924, Lovecraft épousa Sonia Green, elle semble avoir pris l'initiative du mariage, et le couple vécut à New York. Cette union prit fin au bout de deux ans et Lovecraft retourna à Providence. En 1927, il commença à produire l'œuvre qui allait lui assurer la postérité dans les nouvelles comme The Call of Tulu, The Case of Charles Dexter Ward, The Dunwich Horror, The Color Out of Space. Ceux qui se penchent sur le mythe Cthulhu noteront que dans The Dunwich Horror, l'entité étrangère est dispersée par des incantations magiques provenant du Necronomicon. Trois ans auparavant, dans The Shannon House, le narrateur avait compté sur une sorte d'appareil scientifique pour détruire l'entité. Et de toutes les nouvelles Cthulhu de cette période, on retire l'impression que Lovecraft avait beaucoup lu sur l'histoire et la pratique de la magie. The Color Out of Space manifeste un tournant dans le parcours de Lovecraft. Le désir de créer de l'horreur pure disparaît. Les meilleures nouvelles de cette période sont plus des œuvres de science-fiction que des œuvres d'horreur. Parmi elles, The Whisperer in Darkness, At the Mountain of Madness et son dernier ouvrage, The Shadow Out of Time. Dans toutes, on retrouve l'idée de fort selon laquelle des êtres venus d'autres galaxies ou d'autres dimensions ont visité notre planète il y a des millions d'années et que l'on peut encore trouver des traces de leur civilisation. Dans The Whisperer in Darkness, il suggère, et c'est assez gênant, que ces étrangers prélèvent les cerveaux humains, les placent dans des cylindres métalliques et les envoient aux quatre coins de l'univers. Mais cette idée même est présentée avec beaucoup de détachement, sans chercher à donner la chair de poule. Maintenant Lovecraft, délaissant l'horreur, veut évoquer l'immensité de l'univers, le mystère du temps et de l'espace. En 1960, lorsque j'écrivais The Strength to Dream, La Force de Rêver, je ne m'intéressais qu'à la qualité que Lovecraft partage avec les autres écrivains d'imagination, le désir de surprendre le lecteur et de lui faire partager une perception plus profonde de la réalité. Une fois découvert ce dénominateur commun, il apparaît qu'il n'y a pas de différence fondamentale dans les objectifs de Lovecraft et d'Hemingway, de Theodore Dreiser et de George Wyss Borges. Hemingway utilise un langage dépouillé, usuel, afin de communiquer au lecteur un sentiment de sécurité. Et puis le message devient dur et effrayant. La mort est la réalité ultime. La plupart des émotions ne sont que des illusions, et l'homme se trouve dans un univers vide. Tous les écrivains d'imagination partent du fait que la conscience quotidienne est vulgaire et limitée. Les gens ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Le but de l'écrivain consiste à faire passer sa vision personnelle de la réalité qui est plus large et parfois plus vrai. Tous les événements mélodramatiques des premiers romans de William Faulkner, meurtre, rapt, suicide, violence, ne semblent pas avoir grand-chose en commun avec l'univers de Lovecraft. Mais le but poursuivi est semblable asséner une gifle au lecteur. Dans ses premiers récits, Lovecraft rate ses objectifs à cause de l'outrance de son style. Au lieu de bercer le lecteur, il provoque sa suspicion. Seul un enfant pourrait être terrifié par son récit. Les adultes s'en délectent. J'ai peu parlé d'un autre aspect de Lovecraft également très important, son romantisme. Lovecraft était romantique au sens classique du terme, celui dont parlent Keats, Shelley ou William Morris. À coup sûr, il détestait le monde moderne, mais cela n'est qu'un aspect négatif du romantisme. Comme tous les romantiques, il se passionnait pour un univers dont il ressentait clairement l'existence sans pouvoir le situer exactement. Keats aurait parlé d'un monde de beauté, Shelley d'un monde idéal. Né à Providence en 1890, Keats aurait peut-être écrit des œuvres macabres et non pas des poèmes sensuels. A l'inverse, un Lovecraft né à Londres un siècle plus tôt aurait très bien pu écrire des poèmes oniriques pleins de l'imagerie de Mallory et de Spencer. Mais le plus important est de comprendre pourquoi les romantiques rêvent d'autres mondes. L'essence du romantisme est un sentiment de libération qui semble déboucher sur un monde intérieur. Nous vivons dans le monde réel comme un cheval sous le harnais que son cavalier maintient en éveil en l'effleurant de son fouet. Ainsi, nous sommes relégués dans le monde physique, piégés dans la réalité immédiate. Lorsque l'humeur est vagabonde, l'esprit cesse d'être confiné dans le présent. Le corps se détend et l'esprit voyage. Notre sensibilité n'est plus bridée. Je peux ouvrir une anthologie poétique, évoquer toute une succession d'émotions et entrer dans chaque poème avec toute ma sensibilité. C'est comme si l'on m'avait donné la clé d'un monde qui se trouve en moi-même. Comme si l'on m'avait accordé un type de liberté presque inconnu des êtres humains. Voilà l'idéal réel des romantiques, cette curieuse liberté. Mais est-il bien exact de la décrire comme la liberté de plonger en nous-mêmes Si je lis un volume de poèmes, je vogue dans le monde des poèmes. Je n'explore pas l'univers extérieur, mais mon propre univers intérieur non plus. Ce monde de poèmes, ou d'idées, représente un troisième univers. Le philosophe Karl Popper a été le premier à souligner que celui-ci a sa propre existence. Si une catastrophe atomique détruisait toutes nos bibliothèques et n'épargnait qu'une poignée d'êtres humains ayant perdu la mémoire, l'humanité mettrait des milliers d'années à retrouver son niveau culturel actuel. Mais si les bibliothèques demeuraient intactes, il ne faudrait alors que quelques générations. Ce monde qui se trouve dans les livres possède sa propre existence indépendante. Mais ce troisième monde est aussi la porte d'accès à un univers personnel. Je peux poser mon livre, regarder par la fenêtre et me laisser aller à la rêverie pendant des heures. Peut-être même serais-je alors envahi d'une paix intérieure, si profonde que je ressentirais une sorte de révélation mystique, comme le héros de The Hills of Dream, le roman de Machen que Lovecraft préférait. Il est significatif que cet ouvrage, considéré par Lovecraft comme le meilleur livre de Machen, ne comporte aucun élément surnaturel. Peut-être le lecteur commence-t-il maintenant à entrevoir pourquoi j'ai parlé si longuement de l'impulsion romantique. Ce n'est pas seulement une échappatoire ou une façon d'atteindre un développement personnel c'est l'exploration d'un royaume inconnu de liberté. Lorsque je pense à l'enchantement ressenti à lire des poèmes ou à écouter de la musique, j'imagine aisément un degré de liberté bien plus grand encore, l'exploration de nouveaux plans d'existence en moi-même. Pour les romantiques, l'homme est, potentiellement, un Dieu, et son évolution dépend de sa faculté d'explorer ce nouveau royaume de liberté intérieure. Peut-être avons-nous tort de penser à l'évolution en termes de physique. Et au développement à partir de l'amibé et de l'amphibie. Ce développement-là est infiniment plus lent. Mais selon la théorie de la superconscience formulée par Huxley, l'homme, dans un certain sens, s'élève déjà au rang des dieux. Son problème consiste à explorer la hiérarchie des mois. Tout cela pour dire que nous nous trompons peut-être en ne voyant en Lovecraft qu'un écrivain de fiction macabre. Il était un romantique authentique et l'on devrait considérer son œuvre comme une tentative d'évolution personnelle. Comme tous les hommes de génie, car je pense qu'il possédait indéniablement un certain degré de génie, il était instinctivement en quête de ce qui lui manquait. Malheureux et égaré dans ce monde réel, il s'efforçait de provoquer des états de « vision intérieure », tout comme Machen cet après-midi-là à Grace Inn. Nous avons vu que les forces cachées de Machen répondaient à l'appel et manifestaient leur existence. En lisant les contes Cthulhu, on peut penser que le même genre de choses arriva à Lovecraft. Pourquoi le mythe reste-t-il si puissant, alors que la Pégana de Dunsany et le Poictesme de Kabel sont plus ou moins oubliés C'est parce que Cthulhu et les grands anciens touchent une corde plus sensible. Il semble surgir du moins mémorisé tout au long des âges, qui, d'après Yates, peut être contacté par le truchement de symboles. Lovecraft avait-il étudié le gnosticisme ou la Kabbale les gnostiques pensent que le monde a été créé par une espèce de démon qui fit de l'univers une immense prison. Les hommes doivent rejeter cet univers matériel et remonter jusqu'à Dieu. La tradition gnostique est très proche du mysticisme de la Merkaba juive, et dans laquelle le mystique lutte pour atteindre le chariot ou trône Dieu en passant par une série de salles célestes. Au seuil de chaque salle se trouve un gardien que le mystique doit combattre grâce à divers sceaux et noms sacrés. La tradition de la Kabbale provient à la fois du gnosticisme et du mysticisme de la Merkaba. Selon elle, lorsqu'Adam commit le péché originel, il cessa d'être uni à Dieu et descendit successivement dix plans de l'existence pour se trouver enfin dans un état d'amnésie totale. Il faut donc repasser par ces neuf royaumes, comme Jack escaladant la tige de Haricot. Mais le Kabbalisme est plus qu'une forme particulière du mysticisme juif. Il pourrait être considéré comme le fondement de toute la magie occidentale. Ces autres plans d'existence s'identifient au royaume que les adeptes du Golden Dawn tentèrent d'explorer par des symboles et un rituel. Ce sont les plans de notre moi intérieur, et dans The Mysteries, j'ai souligné à quel point ils semblent correspondre à la notion d'échelle de moi rejoignant la théorie de Jung sur les divers niveaux d'inconscient. Kenneth Grant souligne, dans tous les volumes de sa remarquable trilogie, The Magical Revival, Alistair Crowley and the Hidden God, et Cults of the Shadow, que Lovecraft ne peut être convenablement interprété que dans le contexte de toute la tradition mystérieuse. Dans son livre sur Crowley, Grant parle des expériences occultes déguisées en fiction de Lovecraft et affirme que sa poésie révèle la source de ses visions, l'influence de forces conformes aux archétypes de symboles amenés par Crowley lorsqu'il entra en contact avec une entité non terrestre. Il est particulièrement fasciné par la conception de Lovecraft selon laquelle il existe, à côté de notre espace-temps, d'autres dimensions dont des êtres vivants gardent le seuil. Enfin, dans son étude la plus complète sur la tradition mystérieuse, Nightside of Eden, il se réfère constamment à Lovecraft, soulignant les ressemblances entre les mythes de Lovecraft et les traditions magiques d'Orient et d'Occident. Il écrit, à propos du romancier Sax Romer, qui fut un temps membre du Golden Dawn, comme Lovecraft. Romer a eu l'expérience directe et consciente des plans intérieurs, et ils sont tous deux entrés en contact avec des entités non spatiales. De plus, ces deux écrivains se sont refusés à une confrontation réelle avec des entités facilement identifiables, comme étant les envoyés de Coroson Shugal, le gardien du seuil que Grant semble assimiler à Cthulhu. Les masques de ces entités étaient d'une clarté si irrésistible que ni Romer ni Lovecraft ne purent affronter ce qui se trouvait en dessous. Pourtant, la répugnance insurmontable provoquée par ce contact dissimula le potentiel, comprimé et explosif, qui fit de ces deux auteurs des maîtres dans leurs branches respectives d'occultisme créatif. Il pense que Lovecraft marqua une hésitation et fit demi-tour parvenu au bord de l'abysse qui s'étend entre le septième et le huitième plan d'existence, passa sa vie à tenter vainement de nier les entités puissantes qui l'animaient. Grant mentionne que Lovecraft fait allusion à l'existence d'entités qui se déplacent dans les profondeurs de l'espace entre les étoiles. Puis poursuit Historiquement parlant, le docteur John Dee, 1527-1608, fut le premier à laisser un compte-rendu détaillé du commerce des humains avec ceux qui peuplent le gouffre insondable qui sépare les univers. Dans ce contexte, la mention du nom de Dee n'est pas sans intérêt, non seulement parce que Lovecraft lui attribue la seule traduction anglaise du Necronomicon mais aussi parce que Dee est l'un des rares grands adeptes de la magie à nous offrir dans le passé une preuve pratique de l'existence d'entités non humaines. Astrologue de la reine Élisabeth, Dee ne possédait pas lui-même de pouvoirs paranormaux, mais il collaborait avec plusieurs voyants. Parmi eux, le plus doué, un certain Edward Kelly, irlandais et fiefé coquin, semble avoir été ce que nous appelons aujourd'hui un médium. Grâce à la médiumnité de Kelly, qui utilisait probablement une boule de cristal ou un verre d'eau, Dee tenait de longues conversations avec des esprits et les a rapportés dans des milliers de pages. À cette époque, vers 1580, nul n'avait jamais entendu parler de ce que nous appelons le spiritualisme. Celui-ci a vu le jour au XIXe siècle, après que la maison de la famille Fox, dans l'état de New York, eut été hantée par des coups secs et que l'esprit se fût lui-même identifié comme celui d'un colporteur assassiné. Plus d'un demi-siècle plus tard, des fouilles permirent de mettre au jour un squelette humain et un équipement de colporteur derrière les murs de la cave. Les entités qui communiquaient avec Dee par le biais de Kelly ne présentaient pas comme des âmes des morts, mais comme des anges et divers autres esprits. Mais peut-être cela répondait-il à l'attente particulière de John Dee. Car, sans aucun doute, que les esprits existent ou non, le subconscient humain joue un rôle important dans les phénomènes médiumniques. En ce qui me concerne, je pense que la plupart des esprits sont des entités désincarnées, mais qu'elles ne sont pas ce qu'elles prétendent être. Peut-être s'agit-il des escrocs et des chevaliers d'industrie du monde spirituel, ou encore de délinquants désœuvrés n'ayant pas mieux à faire que de s'amuser avec des humains trop crédules. Mais Kelly était sans aucun doute un voyou, et le bon sens voudrait que l'expérience de Dee avec les esprits ne soit pas considérée comme réellement établie. Pourtant, il existe une preuve importante en sa faveur. Les esprits déclarèrent qu'ils fourniraient une série d'invocations magiques, ou des clés, dans une langue ancienne appelée l'Enochien. Le Book of Enoch, livre d'Enoch, livre apocryphe de l'Ancien Testament, explique comment les anges entretenaient des rapports avec les jeunes filles et leur communiquaient les principaux secrets de la magie et de l'occultisme. À l'époque de Jundi, il n'en restait que des fragments, bien qu'un voyageur, du nom de Bruce, en ait rapporté une copie complète d'Abyssinie en 1773. Ce livre est bien entendu écrit en hébreu et non en énochien. Mais les esprits de Die identifièrent la langue des clés comme étant celle des anges du livre d'Enoch. Le plus extraordinaire est que l'énochien existe réellement comme langue, avec sa grammaire et sa syntaxe. Crowley indique dans son autobiographie qu'elle est beaucoup plus sonore, noble et majestueuse que le grec ou le sanskrit. La traduction anglaise, bien que parfois difficile à comprendre, présente d'assez longs passages sublimes. Cette déclaration provoque un scepticisme naturel, puisque Crowley avait évidemment des raisons d'exagérer. Mais la preuve apportée est extrêmement convaincante. Les textes énoquiens comprennent 19 clés, dont la plus longue compte environ 300 mots. La plupart en comportent une centaine. Un dictionnaire énochien, compilé par Léo Vinci, comprend environ 900 mots. Si nous supposons que Kelly a inventé ce langage, nous devons supposer qu'il a d'abord traduit une série d'invocations en énochien convenable, puis les a toutes mémorisées. Mais autre chose encore, Dee possédait une série de tableaux, de 49 x 49, dont la plupart contenaient des lettres ou des symboles. Il s'asseyait devant ces tableaux, ou cartes, disséminées en face de lui, pendant que Kelly consultait sa boule de cristal. A l'aide d'une baguette, Kelly désignait l'un ou l'autre des tableaux et disait Il, l'ange, désigne la colonne 6, rangée 31. Dee soulevait alors le carré et notait la lettre. Il aurait fallu que Kelly connaisse l'emplacement des lettres et des symboles sur toutes les cartes. De plus, les messages étaient transmis à l'envers, parce que prononcer les mots à l'endroit aurait libéré certaines forces, aussi, une fois transcrit, le message devait être renversé. On peut accorder à Kelly assez d'intelligence pour inventer l'Enochien et mémoriser 19 invocations dans cette langue. Mais il est difficile de concevoir qu'il ait pu également mémoriser un code aussi incroyablement compliqué. L'Enochien a été longuement étudié par de nombreux historiens de la magie, le dernier en date étant Stephen Skinner qui écrit actuellement un livre à ce sujet. Tous confirment qu'il s'agit d'une langue construite sans ressemblance avec une autre langue vivante. Aussi les occultistes regardent-ils l'Enochien comme la preuve la plus valable de l'existence réelle d'entités intelligentes indépendantes de l'esprit humain. Selon une autre hypothèse, cette langue serait une pure invention de l'inconscient de Kelly et de Dee. Personne n'a jamais prétendu que Dee ait pu lui-même l'inventer. Son honnêteté n'est jamais mise en doute. Certes, nous n'avons pas une idée claire de la complexité de l'inconscient. Sans doute provoque-t-il des phénomènes de poltergeist, et peut-être se trouve-t-il à l'origine de la plupart des messages d'esprit. Mais dans ce cas, les messages sont simples, souvent puérils, alors que l'Enochien est complexe. Nous pouvons supposer qu'il s'agissait d'un produit du subconscient de Dee ou de Kelly, mais est-ce beaucoup plus logique que de soutenir que cette langue a été dictée par des entités désincarnées tout cela peut nous laisser sceptiques, mais nous permet au moins de comprendre pourquoi Kenneth Grant, élève de Crowley, avait une connaissance directe de « ceux qui peuplent les immensités insondables entre les univers ». Si la langue énochienne de Dee provenait de ces entités, ou d'autres esprits que nous ne pouvons encore définir, il est alors très plausible que la mythologie de Lovecraft provienne de la même source. Et Grant l'affirme avec beaucoup de conviction dans Nightside of Eden, qui parle de la « face cachée de l'arbre de la vie ». Soyons clairs, Lovecraft était un romantique qui rejetait le monde, pas seulement un rêveur, mais un homme ayant une aversion profonde pour le monde réel qui l'entourait. Je crois qu'il effectuait couramment une démarche semblable à l'hypnose de Machen, non pas consciemment, mais comme Machen, par désespoir et par épuisement. L'une des idées fondamentales de la magie est la volonté profonde. Les êtres humains veulent rarement quelque chose très profondément. Lorsque cela leur arrive, entre en jeu alors une volonté beaucoup plus puissante que la volonté ordinaire. Les magiciens tentent de contrôler ce type de volonté. Un homme peut provoquer inconsciemment la mort de son ennemi s'il le désire avec assez de force. Lovecraft, rêveur, indolent, n'utilisait pas beaucoup sa volonté. Mais il a peut-être connu de temps à autre des états d'angoisse pendant lesquels son rejet total du monde qui l'entourait avait eu pour effet de réveiller sa volonté profonde. Pour provoquer de tels effets, nul besoin d'intense concentration. Il suffit d'une sorte d'absorption particulière. Je prendrai un exemple dans ma propre expérience. En 1968, je commençais à écrire un livre intitulé The God of the Labyrinth, traitant d'une quête littéraire. Le héros, Gérard Sorme, devait effectuer des recherches au sujet d'un osseur irlandais du XVIIIe siècle, du nom Desmond Donnelly, de prétendu auteur d'un ouvrage pornographique célèbre. Au début, mon intention était d'écrire un roman policier littéraire à la manière du russe Irakli Andronikov. Mais, à un moment donné, je pris conscience de ce que l'intrigue me filait des mains. De plus en plus absorbé par la recherche d'Esmond, mon héros se lança posséder par l'esprit de celui-ci. Étrangement, j'avais moi aussi l'impression qu'Esmond était en quelque sorte en train de me posséder. Je savais, bien entendu, que sorti de mon imagination, ce n'était pas une personne réelle mais j'avais le curieux sentiment qu'il était bien réel et essayait de communiquer avec moi. J'avais naturellement étudié en détail tout ce qui le concernait, ses rencontres avec des contemporains comme Rousseau ou Boswell par exemple. Né en 1748, il est parti en 1765, à l'âge de 17 ans, faire le grand tour d'Europe. Dans le roman, le héros découvre soudain qu'il est possédé par Esmond. Alors qu'il se dirige vers Dublin, une hallucination lui fait croire qu'il voyage en voiture à chevaux, comme s'il effectuait le grand tour avec Esmond. Dans Dublin, il crut voir la Champelizard Road, dans l'état qui était le sien deux siècles plus tôt. Il va pour prendre le Great Hunt Bridge, certain que c'est la seule façon de traverser la rivière pour se rendre à Stephen Green. Il a simplement oublié que le O'Connell Bridge existe depuis 1765. À ce moment-là, je pris conscience de ce que je cherchais vraiment. C'était un témoignage sur le Dublin du XVIIIe siècle. Dans cette maison, il y a des milliers de livres. Je devais pouvoir y trouver quelque chose. J'examinai le rayon voyage et tombai sur un livre intitulé Dublin Fragment par A. Peter, 1928. Il tomba de l'étagère et s'ouvrit sur une carte. J'y jetai un coup d'œil et mes cheveux se dressèrent sur ma tête. C'était une carte de Dublin et de sa banlieue par J. Rock. Dédiée à George Putland Eske et mis à jour en 1765. Elle se trouve en face de moi à l'heure où j'écris ces lignes. J'y découvris tous les renseignements désirés. Dès lors, et jusqu'à la fin de la rédaction de mon ouvrage, j'eus la sensation étrange de la présence d'Esmond. Mais, après la publication du livre, les coïncidences continuèrent. Je reçus une lettre de Francis King, qui écrivait sur la magie, me demandant comment j'avais trouvé toutes ces informations sur la société secrète appelée The Cult of the Peacock. C'était évidemment, disait-il, ce que j'entendais par la Sect of the phoenix, secte du phoenix, société sexuelle dont Esmond finit par devenir le grand maître. J'avais, semble-t-il, fourni une clé intéressante en mentionnant qu'Edward Selon en faisait également partie. Selon, un viveur et un pornographe du XVIIIe siècle, appartenait au cult of the peacock, culte du pan. Mais Francis King, convaincu d'être l'une des rares personnes en Angleterre à savoir que Selon avait fait partie du cult of the peacock, Voulait apprendre l'origine de mon information. Je dus répondre que j'avais inventé la secte du phénix à partir d'une allusion de Borges. Quant au nom d'Edward Sellon, je l'avais tiré de la Bibliographie of Prohibited Books, bibliographie des livres interdits, de Pisanus Fraxi. Je concède que tout cela était peut-être pure coïncidence. Je dirais seulement que, à partir du moment où j'ai commencé à ressentir la présence d'Esmond, j'attendais en quelque sorte ce genre de coïncidence. Et il y en eut bien d'autres, dont la plupart m'ont échappé. Par la suite, la même chose m'est arrivée alors que j'écrivais The Occulte. Je tombais sur des informations capitales au moment précis où j'en avais besoin. Une fois, un livre tomba d'une étagère et s'ouvrit à la page que je cherchais. J'incline à penser que cette espèce de synchronisme parfait est orchestré par le superconscient. J'entrepris la rédaction de Mysteries, absolument certain que les coïncidences allaient recommencer. Et elles recommencèrent, comme sur commande. De ce fait, j'ai tendance à croire que une fois que Lovecraft se fut penché sur le mythe Cthulhu, ses créations commencèrent à mener une vie indépendante, tirant leur vitalité de l'inconscient collectif. Et 25 ans après sa mort, Powell et Berger conclurent à leur tour que les êtres humains n'étaient pas les premières créatures intelligentes à marcher à la surface de la Terre, et que la Terre avait probablement reçu des visiteurs venus de l'espace des milliers, voire des millions d'années avant que l'homme apparaisse. Et dans certains livres comme La menace des ovnis ou Pourquoi nous observe-t-il des experts en objets volants non identifiés ont avancé des théories sur les étrangers venus de l'espace, qui se rapprochent énormément des derniers récits de science-fiction de Lovecraft. Admettons, avec Kenneth Grant, que les créations de Lovecraft avaient plus de réalité que le supposait le reclus de Providence lui-même. Cela nous permet de mieux comprendre pourquoi il fut si tourmenté par le problème des personnalités multiples après avoir écrit The Call of Cthulhu. Il était devenu le réceptacle d'un savoir secret, une sorte de prêtre. Des voix étrangères s'exprimaient à travers lui. Grant affirme que, si l'on en croit sa poésie, Lovecraft en était conscient, et qu'il jouait avec une connaissance occulte réelle et non pas avec sa pure imagination. Mais dans ce cas, la connaissance était intuitive plus que consciente. Lovecraft continuait à se considérer comme un auteur de livres d'horreur, un conteur qui augmentait ses revenus en révisant le gagne-pain d'autres écrivains. Crowley était peut-être un personnage profondément insatisfait, mais au moins se considérait il comme l'émissaire de puissance inconnue. Il acceptait son rôle de prêtre. Lovecraft était un prêtre profondément insatisfait, qui ne croyait pas en ses créations. Il abandonna certains de ses meilleurs récits dans des tiroirs et les oublia. Il annonça à ses amis qu'il avait décidé de ne plus écrire. Rétrospectivement, nous voyons qu'il ne s'était pas compris lui-même et qu'il se sous-estimait tragiquement. Le dernier acte de la tragédie commence avec The Shadow Out of Time, que certains considèrent comme son meilleur ouvrage. Plus que jamais, il parle ici d'êtres existants dans d'autres dimensions, d'esprits pouvant aller au-delà des étoiles et d'une civilisation de millions d'années plus ancienne que celle des humains. Or, Lovecraft continue à croire qu'il écrivait un livre d'horreur. Beaucoup de lecteurs trouveront cela incompréhensible. Ces remarquables visions des vénérables anciens ne sont pas terrifiantes, mais fascinantes. Elles galvanisent l'imagination, elles provoquent l'émerveillement et non la crainte. Pourtant, le fait que Lovecraft ne comprenait pas sa propre nature le poussait à écrire dans le style d'autrefois, comme s'il racontait une histoire dans un murmure rauque. Au lieu de sentir qu'il se tenait au seuil d'un nouveau développement, il imagina sans doute que son talent déclinait. Il cessa d'écrire et, la même année, en 1935, il eut un cancer. On a souvent fait remarquer que le cancer semble lié à un sentiment de frustration. Un docteur de la Medical School de l'Université du Texas, Augustin de la Pena, a même écrit un ouvrage suggérant que ce mal résulte de ce qu'il appelle une sous-charge d'informations, en d'autres termes, de l'ennui. Il ne nie pas que les virus ou les produits chimiques puissent jouer un rôle, mais il suggère qu'il existe un autre facteur lié au système nerveux central. Une surcharge d'informations parvenant au système nerveux central, lorsqu'on a trop à faire, inhibe d'après lui le cancer, alors que la dépression et l'ennui provoquent des cancers à développement rapide. Lorsque le manque d'informations atteint le seuil critique, le système nerveux central envoie un signal non spécifique à l'ensemble des structures somatiques pour indiquer le besoin d'une information nouvelle. La carcinogénèse ou cancer est la façon dont le corps fournit une information nouvelle. Si, au sens physique, Lovecraft passa presque toute sa vie en état de sous-charge d'information, son imagination apportait la nouveauté. À partir de 1930 environ, il affirmait périodiquement à ses correspondants qu'il allait s'arrêter d'écrire puisqu'il n'avait plus rien à dire. Il continua pourtant à se contraindre à cet effort. En 1935, il cessa définitivement d'écrire et le cancer s'installa. Il commença The Shadow Out of Time en novembre 1934 et l'acheva au début de 1935. Nous ne savons pas exactement quand le cancer apparut, mais Sprague de Camp parle de février 1937, plus de deux ans après la première atteinte du mal. Ce qui suffit à faire croire à un rapport entre la fin de son roman et le début de sa maladie. Si Lovecraft avait consulté un médecin pendant les six premiers mois de sa maladie, il aurait été possible de l'opérer. Mais lorsqu'on diagnostiqua un cancer du côlon en mars 1937, il était trop tard. Le cancer avait gagné tout le corps. Il mourut cinq jours après son admission à l'hôpital. Tout cela me ramène à ce livre et à son histoire. En 1967, Sprague de Caen, qui travaillait alors sa biographie de Lovecraft, fit un séjour en Inde et au Moyen-Orient avec le romancier de science-fiction Alan Nourse. Il recueillait des documents pour son livre sur les Great Cities of the Ancient World, grandes Cité de l'ancien monde. Il rencontra à Bagdad un membre de la direction générale des antiquités d'Irak, avec lequel il avait entretenu une correspondance et passa quelques jours avec lui à visiter des sites archéologiques. Lorsque le fonctionnaire irakien apprit le projet de Sprague de Camp d'écrire une biographie sur Lovecraft, dont l'œuvre est très connue au Moyen-Orient. Il révéla qu'il se trouvait en possession d'un manuscrit intéressant, écrit dans une langue ancienne assez proche de l'arabe. Sprague de Camp commença d'abord par refuser. Ne comprenant pas l'arabe, il pensait ne pouvoir tirer parti de ce manuscrit. De plus, la loi interdit d'exporter des manuscrits pouvant être classés comme des pièces archéologiques et il craignait que la douane ne le confisque. Et puis le fonctionnaire restait vague au sujet du manuscrit il se bornait à dire qu'il s'agissait d'un livre magique. Mais peu de temps avant que Sprague ne quitte Bagdad, l'Irakien aborda à nouveau le sujet, indirectement cette fois. Il déjeunait dans un restaurant avec une douzaine de personnes assises en terrasse sous une bâche, dont Alan Nours et un professeur palestinien de l'université de Beyrouth. Par une extraordinaire coïncidence, celui-ci était alors plongé dans la traduction arabe de mon livre The Strengths to Dream. Sprague mentionna que nous étions amis et la conversation porta sur Lovecraft. Sprague demanda si l'on pouvait traduire Al-Azif. The Demonology. Alan Nours expliqua que ce mot est utilisé par les Arabes pour parler du bruit que font les insectes la nuit et que l'on suppose être le bruissement des démons. Le Palestinien dit qu'il n'avait jamais entendu parler de semblables choses. À ce moment-là, le fonctionnaire de la Direction des Antiquités expliqua négligemment que ce mot provenait de l'ancienne langue acadienne et qu'il figurait en tête d'un manuscrit se trouvant dans son bureau. En essayant de contenir son excitation, Sprague lui demanda s'il pouvait le voir, et le fonctionnaire accepta de le lui apporter le lendemain matin. Il s'avéra être écrit à l'encre noire, sur un parchemin brun, et Sprague fut déçu de constater qu'il ne comprenait le sens d'aucun des caractères. Le fonctionnaire lui apprit qu'il était écrit dans une langue appelée Duriak, et encore parlée par quelques vieillards du village de Duria, dans la région kurde du nord de l'Irak. Lorsque Sprague lui proposa d'acheter ce manuscrit, le fonctionnaire demanda un prix assez élevé, mais encore raisonnable. Sprague, certain de pouvoir, en cas de besoin, revendre ce manuscrit au département des Antiquités du musée de Philadelphie, l'acheta. Il n'eut apparemment aucun problème pour le faire sortir du pays. De retour aux États-Unis, il essaya de le faire traduire et connut une déception. Les experts prétendaient que cette langue ressemblait au perse, mais que dans l'ensemble c'était du charabia. Cela réconforta Sprague, qui fit valoir que le mot charabia provient d'un alchimiste arabe à peu près contemporain du légendaire Al-Azred. Mais lorsque Reynold Carter du Metropolitan Museum jugea le manuscrit comme un faux du 19e siècle, il fut découragé. En 1969, il reçut une lettre du fonctionnaire de Bagdad lui proposant, en post-scriptum, de racheter le manuscrit plus cher qu'il ne l'avait vendu. Sprague l'informa de son désir de discuter de ce problème et ne reçut pas de réponse. Un autre correspondant arabe lui apprit par la suite que ce fonctionnaire avait été emprisonné après avoir détourné des fonds de l'État. En 1973, Sprague décida de publier le manuscrit en facsimilé. Il parut avec, comme nom d'imprimeur, la Holswick Press, Philadelphie, et comme titre Al Azif, le Necronomicon. En introduction, Sprague racontait l'histoire réelle de son acquisition, mais se perdait ensuite dans la fiction, prétendant que trois Arabisans qui en avaient entrepris la traduction avaient tous trois disparu. En écrivant, il avait murmuré les mots à voix basse. En fait, il publia l'ouvrage dans l'espoir d'intéresser à ce mystère quelques spécialistes des langues arabes. C'est alors qu'intervint Robert Turner, fondateur d'un cercle magique moderne appelé The Order of the Cubic Stone, l'ordre de la pierre cubique, et qui officie à Wolverhampton. Cet ordre publie un magazine semestriel, The Monolith, le monolith. On trouve des détails sur l'ordre dans le livre de Francis King, Ritual Magic in England, Ritual Magic en Angleterre. Tout comme Kenneth Grant et moi, Robert Turner avait acquis depuis longtemps la certitude que les mythes de Lovecraft n'étaient pas simplement une invention de romantique, mais reposaient sur les traditions magiques anciennes, un archétype sous-jacent unifiant l'ensemble apparemment incohérent des données magiques et mythologiques. Monsieur Turner finit par se convaincre de la valeur fondamentale de la magie pour des raisons assez semblables aux miennes. Ingénieur de profession, il admet qu'une impulsion purement romantique, à base de fascination pour le mystérieux et l'étrange, l'amena à s'intéresser à la magie. Mais lorsqu'il commença à étudier les traditions magiques venant du monde entier et des civilisations les plus anciennes, il fut frappé par leur remarquable uniformité. Si la magie est réellement un produit de la superstition et de l'ignorance, on pourrait s'attendre que les croyances magiques des Esquimaux et des Indiens du Pérou n'aient pas grand-chose en commun. Pourtant, la similitude est surprenante et a été soulignée par des anthropologues de Sir James Fraser à Joseph Campbell, dont l'ouvrage monumental The Mask of God, Les Masques de Dieu, est la meilleure introduction moderne écrite à ce jour. Un chaman ou sorcier indien d'Amérique n'aurait aucune difficulté à comprendre les pratiques magiques d'un confrère de Nouvelle-Guinée ou de Lettonie. Les découvertes archéologiques révèlent que la magie de l'ancienne Babylone ou de Thèbes ne différait guère de celle de Paracels ou de Cornelius Agrippa. Bien entendu, la langue et les symboles sont différents, tout comme la langue des mathématiques égyptiennes diffère de celui des mathématiques romains ou arabes. Pourtant, les idées sous-jacentes sont étonnamment semblables. Cela amena Robert Turner à penser que les lois fondamentales de la magie possèdent autant de valeurs objectives que celles de la physique. Avec cette différence essentielle, la physique concerne le monde extérieur, tandis que la magie s'intéresse au monde caché du psychisme humain et à ses mystérieux rapports avec l'univers extérieur. M. Turner a en partie expliqué ses propres conceptions sur la nature de la magie dans son commentaire du Necronomicon figurant dans le présent ouvrage. Disons simplement que, lorsqu'il commença à lire les contes Cthulhu de Lovecraft, il eut la conviction profonde que le mythe n'était pas né de l'imagination de Lovecraft. Il trouvait ses racines dans cette tradition magique qui lit l'œuvre d'un Hermès trismégiste à celle d'un John Dee. Il supposa d'abord, nous dit-il, que Lovecraft était lui-même adepte pratiquant, ou tout au moins membre d'un ordre magique quelconque. Lorsqu'il prit connaissance des lettres de Lovecraft, il fut stupéfait et dérouté d'apprendre que celui-ci considérait apparemment l'occultisme comme un signe de faiblesse d'esprit. Pourtant, lorsqu'il relut les principaux ouvrages sur le mythe Cthulhu, il eut la nouvelle conviction que Lovecraft en savait plus sur la magie qu'il ne voulait le dire à ses correspondants. À peu près à cette époque, en 1972, parut le Magical Revival de Kenneth Grant. Et M. Turner fut d'abord tenté d'accepter le point de vue de Grant, qui voyait là un cas de perspicacité inconsciente. Et d'ailleurs, il demeure convaincu que Grant avait foncièrement raison. Pourtant, il soupçonnait encore Lovecraft de mieux connaître les textes magiques que ne le soupçonnait Grant, et d'avoir puisé cette connaissance dans des ouvrages qu'on pouvait facilement se procurer à Providence et à New York. Je rencontrai Robert Turner à cause de notre intérêt commun pour le rituel magique. Je fus intrigué lorsqu'il m'annonça sa théorie selon laquelle la mythologie de Lovecraft reposait sur une tradition magique ancienne, et surtout lorsqu'il me dit avoir trouvé l'une de ses principales clés dans mon propre livre, The Stress to Dream, où je compare la mythologie de Lovecraft à celle de Madame Blavatsky. J'avais noté que Madame Blavatsky parle de ruines cyclopéennes et de pierres colossales dans The Secret Doctrine, La Doctrine Secrète, volume 2, page 341. The Secret Doctrine se présente surtout comme un vaste commentaire sur le plus vieux manuscrit du monde, The Book of Dzian. Madame Blavatsky prétendait posséder ce livre et le garder sur des feuilles de palmier rendues imperméables à l'eau, au feu et à l'air par un procédé spécifique inconnu. Comme la plupart des non-théosophes, j'avais toujours tenu le Book of Zian pour une invention de cette vieille occultiste rusée. Pourtant, plusieurs personnes fort honorables, dont le bouddhiste de renom Chris Mastenfries, ont affirmé croire en son authenticité. Un écrivain, Sri Madhava Hashish, a consacré deux livres à l'analyse des strophes de Zian pour confirmer la version de Madame Blavatsky. Je dois admettre, avec Robert Turner, qu'en cas d'authenticité, le Book of Zian pourrait être à l'origine du « Necronomicon ». Malheureusement, c'est également possible s'il est né de l'imagination de Madame Blavatsky, car Lovecraft aurait très bien pu tirer, en partie, sa mythologie de la doctrine secrète. À la même époque, j'eus des nouvelles d'un autre ami, George Hay, président de la H.G. Wells Society, dont je fais partie. George Hay est historien de science-fiction, et l'éditeur du présent ouvrage lui avait demandé de publier une série d'essais sur Lovecraft et le Necronomicon. Il traiterait bien entendu le Necronomicon comme une pure imagination de Lovecraft. Deux de ses essais, écrits avant que Robert Turner ne fasse d'importantes découvertes au sujet du Necronomicon, sont publiés en appendice. George me demanda un article. Je lui parlais de la théorie de Robert Turner sur Zian et lui suggérais de demander à Robert d'écrire quelque chose là-dessus. Mais lorsqu'il entra en contact avec Robert Turner, celui-ci s'était déjà lancé dans de nouvelles recherches. Lovecraft avait peut-être eu accès à divers grimoires médiévaux, comme The Sword of Moïse, l'épée de Moïse, et cela pouvait expliquer l'impression d'authenticité de ses références à la magie. Cela me parut très improbable. J'eus l'impression que Robert Turner se laissait entraîner par ses désirs. Malgré tout, et d'accord avec George Hay, j'admis que ses idées méritaient de figurer dans l'ouvrage projeté. Mais notre première découverte importante vint d'une source complètement différente. Au cours de l'été 1976, je fis part de mon projet concernant Lovecraft à mon ami, le docteur Karl Tosk, de l'Institut technologique de Vienne. A ma grande surprise, Karl remarqua incidemment qu'il avait entendu dire que le père de Lovecraft était un franc-maçon égyptien. Je lui demandais d'où il tirait cette information, mais sa propre réponse fut un peu vague. Il dit avoir entendu cela au cours d'une discussion nocturne après une réunion académique. N'ayant guère lu Lovecraft, il n'avait rien fait pour en savoir plus. Il pensait toutefois pouvoir se souvenir de la personne de qui il tenait cette information, et promit de se renseigner dès son retour à Vienne. J'avais enfin l'impression de me trouver sur une piste importante. Je venais de lire la biographie de Lovecraft par Sprague de Caen, et je savais qu'on ignorait pratiquement tout du père d'Howard, Winfield Lovecraft, mort de la syphilis, alors que son fils n'était encore qu'un enfant. D'origine britannique, il parlait avec l'accent anglais Winfield Lovecraft était connu de son entourage comme l'anglais suffisant. À 35 ans, il épousa Suzanne Phillips, fille d'un riche industriel de Providence. Il était alors vendeur à la Gorham Silver Company de Providence. Quatre ans après, Winfield Lovecraft se rendit en voyage d'affaires à Chicago et commença à montrer des signes de dérangement mental. Il affirmait que la femme de chambre l'avait insulté ou bien qu'on attaquait son épouse dans une pièce au premier étage. Déclaré légalement incapable, placé dans un asile psychiatrique, il mourut cinq ans plus tard. La paralysie générale, stade final de la syphilis, n'intervient qu'au bout de 20 ans. La maladie a alors dépassé depuis longtemps le stade infectieux, mais elle peut quand même être génétiquement transmise. Howard semble heureusement avoir été épargné. Ne nous étonnons pas que Winfield Lovecraft ait pu être franc-maçon. La franc-maçonnerie moderne, qui a vu le jour en Angleterre en 1717, avait atteint Philadelphie dès 1730 et avait rapidement gagné Boston, New York, Charleston et d'autres villes. L'enthousiasme américain pour l'idée de fraternité lui assurait une bonne audience dans tout le continent, et la plupart des villes américaines possèdent maintenant leur grand temple maçonnique. Alors qu'en Europe, la franc-maçonnerie maintenait la tradition d'une société secrète, elle devint aux États-Unis un club respectable auquel les industriels en vue se devaient d'appartenir. Winfield Lovecraft, jeune industriel en vue, exerçant surtout à Boston, faisait certainement partie de la franc-maçonnerie. Mais en Égypte, la franc-maçonnerie est quelque chose d'entièrement différent. La plupart des historiens s'accordent à penser que la franc-maçonnerie est apparue dans l'Égypte ancienne, les maçons étant une guilde d'architectes de temples et d'artisans. Mais la maçonnerie égyptienne fut créée ou recréée par le comte Cagliostro, magicien et imposteur, vers 1778. Cagliostro fut admis à la loge de l'Espérance (Esperance Lodge) des francs-maçons en 1777 à Londres. Il prétend que peu après, il produisit un manuscrit contenant le détail de la forme originale de maçonnerie telle qu'elle avait existé en Égypte. Puis, Cagliostro déclara être lui-même franc-maçon égyptien et fit du prosélytisme dans toute l'Europe. À Leipzig, après un banquet maçonnique, Cagliostro menaça le vénérable de la loge. S'il n'adoptait pas le rite égyptien, il sentirait la main de Dieu. L'homme se suicida quelques jours après, ce que l'on considéra comme l'accomplissement de la prophétie de Cagliostro. La franc-maçonnerie égyptienne fut soudain prise au sérieux. Même les biographes les plus sceptiques ne doutent pas de la sincérité de l'enthousiasme de Cagliostro. Pendant sept ans, l'étoile de Cagliostro brilla au zénith. Puis il y eut l'affaire du collier de la Reine, dans laquelle le cardinal de Rohan, ami de Cagliostro, fut dupe de l'escroquerie de la comtesse de la Motte-Valois. On jugea Cagliostro pour complicité, mais on la quitta. Cependant, son comportement absurde pendant le procès et la ridicule histoire de sa vie qu'il lui a haute voix à la cour firent de lui un objet de risée. Il fut banni et envoyé à Londres. Il commit l'erreur de se rendre à Rome. Arrêté comme franc-maçon, il mourut dans les donjons du pape en 1795. À ce moment-là, la Révolution française avait déjà eu lieu, des milliers d'aristocrates avaient péri sous la Terreur et des centaines s'étaient embarqués pour les États-Unis. Parmi eux se trouvaient de nombreuses personnes que Cagliostro avait initiées à la franc-maçonnerie égyptienne. La postérité a peint Cagliostro sous les traits d'un imposteur. Pourtant, comme je l'ai souligné dans The Occult, c'était également un magicien qui possédait de réels pouvoirs, tels que clairvoyance, dons de prophétie, ainsi qu'un talent de guérisseur particulièrement développé. Quelle différence existait-il entre la maçonnerie égyptienne et la maçonnerie ordinaire Inutile de se poser des questions. Waite a longtemps décrit la maçonnerie égyptienne dans sa « New Encyclopedia of Freemasonry » nouvelle encyclopédie de la franc-maçonnerie, en 1923. Dans le livre que W.R.H. Trowbridge consacra, en 1910, à Cagliostro, nous trouvons une description du rite moins ésotérique auquel celui-ci fut initié à Londres. Après l'avoir mis en présence des autres frères, on hissa Cagliostro jusqu'au plafond à l'aide d'une corde pour symboliser sa confiance totale dans la volonté du ciel. Puis on plaça un bandeau sur ses yeux, on lui remit un pistolet chargé et on lui ordonna de se faire sauter la cervelle. Il montra alors une hésitation bien naturelle. On lui ordonna de faire le serment rituel et de jurer d'obéir sans discuter à ses supérieurs. Le pistolet lui fut à nouveau tendu, non chargé cette fois. Cagliostro le plaça d'une main tremblante contre sa tempe et appuya sur la détente. En même temps, on fit entendre la détonation d'un autre pistolet et on lui asséna un coup sur la tête. Puis, on retira son bandeau et Cagliostro fut déclaré maçon. On voit la simplicité du rite de la loge de l'espérance, sinon sa grossièreté. Le rite égyptien avait une toute autre rigueur. Le candidat devait déjà être maçon. Avant la cérémonie, on le laissait dans une pièce où se trouvait l'image d'une pyramide, probablement la grande pyramide de Khéops, sur laquelle il devait méditer. Puis, après avoir frappé sept fois, il était admis au pied d'un trône. Un maître vêtu de blanc prononçait alors un très long discours en 16 points qui comprenait un chapitre sur la fondation de la maçonnerie par Salomon et l'utilisation des forces occultes. Tout cela souligne la différence entre la maçonnerie ordinaire et la maçonnerie égyptienne. La première formait comme une variante du christianisme alors que la seconde reposait sur une philosophie hermétique, c'est-à-dire sur la magie. Salomon n'était pas seulement le constructeur du temple, mais aussi un magicien légendaire connu pour être l'auteur du fameux grimoire médiéval, la clé de Salomon. De plus, le fondateur de la magie, d'après la légende, Hermès Trismégiste, venait d'Égypte où il portait le nom de Toth. Le Corpus Hermeticum, l'œuvre le plus célèbre de magie et de mystique, comprenant la fameuse table d'émeraude, était attribué au grand Hermès III. C'est pourquoi Cagliostro pensait que sa maçonnerie égyptienne était supérieure à la maçonnerie ordinaire, parce qu'elle remontait aux origines de la magie et de la philosophie occulte. Le franc-maçon ordinaire doit connaître la Bible, le franc-maçon égyptien était supposé connaître l'astrologie, l'alchimie, la mystique et le rituel magique. Cagliostro lui-même avait des lumières sur toutes ces disciplines. Les maîtres étaient censés en savoir beaucoup plus. Le siècle qui suivit la mort de Cagliostro connut une renaissance remarquable de la tradition magique. Tout à coup, la magie redevenait un sujet d'études sérieux. En France, elle reçut l'impulsion des œuvres d'Eliphas Lévy, en particulier Transcendental Magic, qui liait le jeu de tarot et la cabale juive. MacGregor Matters, l'un des fondateurs de l'ordre hermétique du Golden Dawn, traduisit la clé de Salomon et la magie sacrée d'Abramelin le Mage. Toutes sortes de sectes maçonniques étrangères se répandirent en Angleterre. Certaines d'entre elles, comme la Grande Loge de Memphis et l'Ordre Hermétique d'Égypte, étaient évidemment des fruits de la maçonnerie égyptienne de Cagliostro. Kenneth Mackenzie, érudit excentrique qui compila The Royal Masonic Cyclopédia, alla à Paris s'asseoir au pied d'Eliphas Lévy afin d'apprendre de sa bouche tout ce qui concernait l'Ordre Hermétique d'Égypte. À la fin du XIXe siècle, la magie et la maçonnerie étaient devenues étroitement liées. Et, plus que tout autre, Cagliostro était responsable de leur association. Voilà pourquoi je dressais l'oreille lorsque j'entendis dire que le père de Lovecraft était franc-maçon égyptien. L'intérêt que HP Lovecraft portait pour la magie pouvait alors lui venir de son père. En effet, Winfield Lovecraft ne resta pas toujours enfermé dans une maison de santé après sa première dépression à Chicago. Sprague de Camp indique qu'il vivait chez lui la plupart du temps et n'entrait à l'hôpital que pendant ses crises d'hallucination. Ainsi, pendant toute la période de formation de son enfance, entre 3 et 8 ans, Howard a dû être très proche de son père. L'homme solitaire et l'enfant fragile passaient une grande partie de leur temps à la maison, et sans aucun doute le solitaire délirait et parlait de toutes sortes de choses qui l'intéressaient autrefois. Car le Tosque tint parole. Il retrouva la personne qui avait fait allusion au père de Lovecraft. C'était un homme qu'il avait rencontré à plusieurs reprises pendant quelques années. Le docteur Stanislas Interstosser, auteur d'une histoire de la politique monétaire de la dernière décennie de l'Empire austro-hongrois. Né à Lignitz en Silésie le 23 août 1896 et obtint son doctorat de théorie politique à l'université de Dresde en 1925. Adulte, le docteur Hunter Stoisser passa la plus grande partie de sa vie à Vienne. Sa femme, nièce de von Hindenburg, hérita d'un domaine à Monzy près de Salzburg et le couple partagea alors son temps entre Monzy et Vienne. Après une dépression nerveuse en 1933, en partie dû à la crainte que lui inspirait l'ascension de Hitler, Hunter Steuser fut soigné par CG Jung à Zurich où il vécut deux ans. Jung lui prêta un livre intitulé The Law of Psychic Phenomena de Thomas J. Hudson. Ce n'est pas, comme on pourrait le croire, un livre consacré à l'occulte, mais une tentative d'examen du vaste potentiel de l'esprit humain, englobant les rêves, l'hypnotisme et la télépathie. Après avoir lu ce livre, le docteur Hunter Stoicer fut fasciné par ce problème du potentiel inépuisé de l'esprit humain et commença à étudier l'histoire de la magie et des phénomènes psychiques. Il en résulta le Prolegomena zu Heiner, Gerschisch der Magie, en trois volumes qu'il publia à Vienne en 1943. Cette œuvre fut saisie et détruite par les nazis. Encore qu'une copie ait survécu, et le docteur Unterstoicer ne fut sauvé des camps de concentration que grâce à l'intervention personnelle de Himmler. Après la guerre, Unterstoicer fonda le Salzburg Institute for the Study of Magic and Occult Phenomena, comme la plupart de ses collègues à Vienne, car n'était pas au courant de l'attention que portait Unterstoicer au domaine des sciences occultes. Non pas que Untersteuser dissimula son intérêt pour la magie, mais il la considérait comme un passe-temps, une façon de se détendre après son travail. Le docteur Untersteuser connaissait mes œuvres. Il avait révisé la version allemande de The Outsiders et admirait beaucoup The Mind Parasite, premier roman que j'écrivis pour Derlet dans la tradition de Lovecraft. Il me fit parvenir une lettre par l'intermédiaire de Karl. Il m'indiquait qu'il ne pouvait pas rentrer dans les détails sur ses sources relatives au père de Lovecraft. Mais il affirmait, de façon catégorique, que Winfield de Lovecraft était franc-maçon égyptien et qu'il possédait au moins deux ouvrages magiques. Le fameux Picatrix de Masala ibn Adma'al Magriti, également connu sous le pseudo Magriti, et le Livre sur l'essence de l'âme de Godzier. Sur ma demande, le docteur Hunter Stoicer m'écrivit une lettre que je reçus l'autorisation de citer dans notre livre sur Lovecraft. Je l'ai publié en entier, nomettant que quelques points mineurs. Dans cette lettre, il déclare, ce qui est très discuté, que Cagliostro légua à ses successeurs certains manuscrits, dont l'original du Necronomicon. Cette affirmation, assénée la première fois dans une lettre du 4 août 1976, me coupa le souffle. Par retour du courrier, je demandais des explications à Unterstoiser. La suite fut terriblement frustrante. Unterstoiser ne parlait pas un très bon anglais, et sa lettre avait été traduite par Karl Tosk car le se trouvait en Italie lorsque j'écrivis à Hunter Stoycer. Aussi fallut-il attendre deux mois avant que la réponse ne me parvienne. Hunter Stoycer déclarait « Le Necronomicon n'est pas un ouvrage unique écrit par un seul homme, El Azred, mais la compilation de documents magiques venant d'Acadie, de Babylone, de Perse et d'Israël, probablement effectuée par Al-Kindi, Ya'qub ibn Ishaq ibn Sabah Al-Kindi, qui mourut en 850 après Jésus-Christ. » Il prétend contenir les restes d'une tradition magique antérieure à l'humanité. Il poursuit en indiquant que le chapitre plus tard connu sous le nom de Book of Secret Names est, en fait, le chapitre 9 de la seconde partie de cet ouvrage. J'en déduisis que le texte appelé Le Necronomicon n'était qu'une partie d'une œuvre beaucoup plus vaste et je demandais à Hunter Stoycer le titre de cette œuvre. Il ne me le révéla jamais vraiment clairement. Bien que dans sa dernière lettre, avril 1977, il parla de Kitab Mahani Hanaf comme de La grande compilation. Mais j'ai ensuite découvert qu'il ne s'agit là que du nom arabe du livre sur l'essence de l'âme auquel il avait fait allusion dans sa première lettre. La mort d'Hunderstoiser, survenue le 10 octobre 1977, m'empêcha de lui demander d'autres éclaircissements. Il expliqua pourtant que l'ensemble de la compilation forme un traité global de magie qui provient en grande partie des tablettes de la bibliothèque d'Ashurbanipal. Cette œuvre semble comprendre une grande quantité de matériaux que nous considérions aujourd'hui comme scientifiques ou philosophiques. Par exemple, un long chapitre sur la nature de l'homme, ainsi que des chapitres sur l'astrologie, l'alchimie, la science des couleurs et la fabrication de talismans. Mais le chapitre 9e de la seconde partie s'intitule De l'histoire des anciens et paraît bien être à la base du Necronomicon. Hunter Stoicer m'avoua qu'il ne possédait pas de copie du Necronomicon, mais qu'il en avait vu une à Boston. Là encore, je n'eus pas le temps de lui poser d'autres questions. Mais rappelons que Winfield Lovecraft travaillait surtout dans la région de Boston et que cette ville fut l'une des premières à posséder un temple maçonnique. Je reproduis la lettre de Hunter Stoyser, datée du jour de Noël 1976, sans ajouter de commentaires. Elle contient plusieurs points que j'aurais souhaité éclaircir, par exemple l'identité de ce grand cèdre qui apprit à Winfield de Lovecraft comment lire le Necronomicon, et pourquoi d'ailleurs fallait-il qu'on lui apprit à le lire, et l'étrange histoire de Fouquier-Tinville qui aurait obtenu ce texte, non sans torture, des disciples de Cagliostro. J'avoue que tout ceci serait terriblement frustrant si nous n'avions rien découvert d'autre sur le Necronomicon. Heureusement, ce n'est pas le cas. La lettre de Hunter Stoicer passionna Robert Turner au point qu'il reprit toutes ses recherches, cette fois au British Museum. Dans sa deuxième lettre, Hunter Stoicer remarque qu'une copie de la compilation d'Alkindi a été cataloguée par le bibliothécaire du roi Rodolphe II à Prague. Robert Turner se rappela que John Dee et Edward Kelly passèrent plusieurs années à Prague au service de ce roi. D'après Lovecraft, John Dee traduisit le Necronomicon. Nous avions tous deux supposé que c'était une pure invention de l'écrivain. Mais si le père de Lovecraft avait réellement en sa possession certains livres magiques, dont The Secret Names, les noms secrets d'Alkindi, et si Lovecraft puisa sa mythologie Toulouse dans cet ouvrage, il paraît dès lors fort probable que le chapitre que possédait Winfield de Lovecraft ait été la traduction du Necronomicon par John Dee, copié au cours de son séjour à Prague. L'une de ses premières découvertes, et des plus intéressantes, était la lettre de John Dee relative à la ville de Dunwich, en partie submergée par la mer. Dunwich existe encore à l'est de Suffolk, à 4000 au sud-ouest de Southwold, et le Bartholomew's Gaditer indique que c'était autrefois la capitale de l'Est-Anglie. Les résultats des fouilles effectuées à Dunwich, en partie un énorme cercueil de pierre ayant forme humaine, impressionnèrent Dee. Les parallélismes existants sur le Dunwich de, de Lovecraft et le Dunwich décrit dans le guide de Jean Carter finirent par convaincre Robert Turner que Lovecraft avait pris la peine de faire des recherches poussées sur ce village d'Angleterre. Il continua d'étudier les écrits de D. au British Museum et tomba sur le Liber Loggett, manuscrit entièrement chiffré. Dans ce même volume, il explique comment, aidé de David Langford, spécialiste des ordinateurs, il réussit à prouver qu'il s'agissait sans aucun doute du manuscrit codé copié par Dee dans la bibliothèque de Rodolphe II. Dans un chapitre, David Langford décrit comment il est parvenu à déchiffrer le code à l'aide d'ordinateurs. Beaucoup de choses m'échappent, mais je crois qu'il est important que son explication soit publiée en entier. Le résultat de ce travail est une des plus remarquables découvertes historiques depuis le déchiffrage des hiéroglyphes par Champollion. Nous pouvons enfin présenter au lecteur une grande partie du chapitre interdit du traité d'Alkindi sur la magie. On envisage de publier plus tard le texte en entier, accompagné d'un commentaire. Robert Turner travaille aussi actuellement à une étude comparative poussée du Dunwich de Lovecraft et du village anglais qui ferait partie de cet ouvrage. L'éditeur de ce livre souligne qu'il importe avant tout d'offrir le résultat de nos recherches avec un échantillon du Necronomicon. La préparation de l'ouvrage complet prendra peut-être plusieurs années. Je dois prévenir les admirateurs de Lovecraft. S'ils espèrent découvrir de terribles secrets interdits, ils seront déçus. Les documents dont on dispose, passionnants pour des spécialistes de la magie, ne signifieront pas grand-chose pour le lecteur moyen. Mais il en va de même d'œuvres comme « La clé de Salomon »,« La magie sacrée d'Abramelin mage et les grands travaux classiques sur l'alchimie effectués par Jung. Il a fallu 20 ans à Jung pour découvrir les secrets des alchimistes, et je doute parfois que ses explications soient bonnes. D'autre part, les spécialistes de la magie trouveront peut-être que ces pages sont les plus passionnantes qu'ils aient jamais lues. Le point de départ de la plupart des magiciens modernes, c'est la pratique du « golden Dawn. Celle-ci reposait elle-même sur la Kabbale, tradition mystique typiquement juive. Nul doute que The Secret Names se fonde sur une tradition magique beaucoup plus vieille, déjà fort ancienne lorsqu'on la consigna par écrit au pays de Sumer. Il est vrai que, à l'époque où elle parvint jusqu'à Jundi, elle avait subi l'influence de la magie égyptienne, perse et arabe, et même du gnosticisme et du mysticisme grec. Mais les érudits qui ont pu voir le texte croient possible d'éliminer les apports successifs, couche après couche, comme lorsqu'on restaure un tableau jusqu'à dégager les restes de l'original. Aux lecteurs qui connaissent peu ou pas du tout la magie, je conseillerais The Sacred Magician, A Ceremonial Diary de Georges Chevalier, 1976, comme brève et facile introduction au Necronomicon. Il s'agit du journal d'un magicien moderne qui explique comment il passe à six mois à effectuer l'opération magique indiquée par Abramelin le Mage et indique les résultats obtenus. Cela devrait convaincre chacun que la pratique de la magie est une entreprise longue, fastidieuse et extrêmement précise. Celui qui souhaite faire l'expérience de Georges Chevalier doit simplement acheter, ou emprunter à une bibliothèque, une copie de la traduction d'Abramelin le Mage par MacGregor Matters. Mais il doit savoir que, commencé, l'expérience doit être menée à son terme, sous peine, disent les magiciens, de conséquences fort désagréables. Alistair Crowley a expliqué dans ses confessions comment il avait effectué cette opération chez lui, près du Loch Ness, et avait vu réellement des entités démoniaques défilant autour de la pièce. Nous pouvons le traiter de menteur, mais tous les spécialistes sérieux de la magie conviennent qu'effectuer convenablement cette entreprise devrait produire ce résultat. The Secret Names expose une opération semblable permettant d'appeler les anciens. Elle n'est pas publiée en entier dans ce livre, mais les spécialistes de magie trouveront relativement facile de la reconstituer à partir des passages cités. À ce stade, je ne souhaite pas avancer une opinion sur son efficacité réelle, d'abord parce qu'il se peut que nous ne comprenions plus certaines des opérations prescrites dans le rituel. Il se peut également, bien entendu, que tout cela ne soit qu'élucubration due à la superstition et que les anciens n'aient jamais existé. Une seule chose est sûre, une fois le rituel publié dans son ensemble, des groupes de magiciens essaieront dans le monde entier d'invoquer Ashtur, Nyarlathotep et Cthulhu. Aussi, ne devrait-on pas tarder à savoir si les « anciens » existent réellement ou pas Voici mon opinion qui vaut ce qu'elle vaut. Le travail vraiment important sur le Necronomicon ne sera pas le fait de magiciens, mais de disciples de Carl Jung qui le considéreront comme un document décrivant des niveaux d'inconscient jusqu'alors insoupçonnés. Il est, je l'avoue, très désagréable que tant de choses restent inexpliquées. Mais il n'en sera pas toujours ainsi. Récemment, j'ai demandé à un chercheur de trouver un maximum d'informations sur tout ce qui concerne la maçonnerie égyptienne à Boston à la fin du 19e siècle, et si possible sur l'implication de Winfield Lovecraft. Sans doute existe-t-il des traces de son initiation et du stade auquel il parvint. J'échange actuellement une correspondance avec un érudit tchèque. Qui va tenter de retrouver l'original du recueil d'Alkindi que Rodolphe II, l'empereur à moitié fou, recelait dans sa bibliothèque? Il m'a déjà appris que lorsque Dee et Kelly quittèrent Prague pour Leipzig, en mai 1586, le nonce du pape soumit un document à Rodolphe les accusant d'évoquer des esprits défendus. Dee avait-il mené à bien tout le rituel des secret names? Les autorités communistes, se cabrant à la simple idée d'occultisme, mon correspondant devra avancer prudemment, et ses recherches auront peut-être moins de chances de succès que celles de mon ami américain. Il m'apparaît nettement, à ce stade, que Lovecraft a pris de son père l'existence du chapitre des Noms de Secrets, mais aussi qu'il eut entre les mains le véritable document. Il existe beaucoup trop de similitudes entre son mythe Cthulhu et le manuscrit déchiffré de Dee pour admettre une autre explication. Cela pose d'autres questions auxquelles mon vieil ami Sprague de Camp cherche actuellement des réponses. Comment Howard était-il entré en possession de ce livre Son père étant mort lorsqu'il avait 8 ans, on peut difficilement supposer que Winfield Lovecraft le lui mit en main. Dans tous les cas, il aurait sans doute été la propriété du temple maçonnique de Boston. Il n'est pas très probable non plus que Suzy Lovecraft, la mère de Howard, l'ait conservé et donné à son fils lorsqu'il fut plus âgé fille de la Nouvelle-Angleterre, typiquement puritaine, elle l'aurait probablement brûlée. Elle devait garder peu d'estime pour son mari mort de la syphilis. Sans doute regardait-elle avec horreur ses activités maçonniques, les associant à un passé de débauche. Nous devons donc supposer que les papiers de Winfield de Lovecraft restèrent dans son bureau jusqu'à ce que son fils, dans sa quête éternelle de nouvelles lectures, tomba sur le chapitre des noms secrets et sans doute sur les deux autres ouvrages mentionnés par Hunter Stoicer. Cela pourrait expliquer en grande partie que Lovecraft soit devenu écrivain. Il grandit près d'un père entraîné vers la folie complète et souffrant d'hallucinations, comme nous l'indique Sprague de Grand. Sans doute certaines de ces hallucinations portaient-elles sur les entités dont parle le Necronomicon, pour donner aux noms secrets leur titre plus familier. Ces noms étaient à coup sûr devenus les croque-mitaines de l'enfance de Lovecraft. En trouvant le manuscrit, il a dû sentir ses cheveux se dresser sur sa tête. N'importe quel enfant d'aujourd'hui qui cache un magazine pornographique sous son matelas peut comprendre cette sensation. C'était quelque chose de vraiment interdit, un secret qu'il ne pourrait jamais partager avec sa mère ou ses tantes. Pourquoi, jeune, se montra-t-il si obsédé par l'astronomie Était-ce parce qu'il se demandait si les anciens venaient réellement de ces profondeurs sidérales Une chose est certaine, vers l'âge de 15 ans, il avait rejeté toutes ces notions. Sans doute avait-il décidé de congédier tous les croque-mitaines de son enfance et de se baser sur la raison et la logique mais pourquoi dans ce cas commença-t-il à écrire des livres d'horreur? Un homme habité par la vision de la science devrait écrire plutôt de la science-fiction. H. G. Wells en offre un vivant exemple. Pourtant, dès le départ, ce champion de la raison et de l'équilibre était sans doute obsédé par les demeures charnelles, les monstres et les entités mauvaises. Sans doute décida-t-il, par un geste de bravade, d'exorciser les croque-mitaines de son enfance en les utilisant dans sa fiction. C'était une façon de crier ⁇ Je ne crois pas en vous !⁇ Car il ne fait aucun doute que Lovecraft ne croyait pas en Cthulhu ou Yoxatos. Ces lettres témoignent qu'il resta un rationaliste convaincu pendant presque toute sa vie. Dans une lettre récente, Karl Tosk fait une remarque intéressante. Lorsque Lovecraft commença à publier les histoires Cthulhu, de nombreux francs-maçons de ligne égyptienne se rendirent compte exactement de ce qu'il faisait. Sans doute le contactèrent-ils pour souligner qu'il révélait des secrets jalousement préservés. Dans ce cas, la présence du mythe Cthulhu dans ses nouvelles ne prouvait pas seulement sa volonté d'émancipation par rapport aux croquemitaines de l'enfance, mais constituait un geste de défi aux francs-maçons de la ligne égyptienne. Il suffit au lecteur désireux de pousser plus loin ses spéculations de lire la biographie par Sprague de Camp ainsi que les propres lettres de Lovecraft publiées en cinq volumes par Arkham House. Finit-il par admettre progressivement l'existence réelle des anciens, comme a tendance à le croire Robert Turner était-il possédé dans les dernières années de sa vie Cette possession supposée pourrait-elle expliquer sa léthargie et sa très basse température Mais pourquoi terminer cette introduction sur une note de spéculation occulte Je n'ai pas l'intention de donner la chair de poule au lecteur. Lovecraft passa sa vie à essayer d'obtenir ce résultat et finit par y renoncer par pur ennui. Essayons de résumer nos connaissances et de ce que nous pouvons déduire par simple bon sens. Nous savons que les noms secrets existaient réellement. Encore que nous ignorions si Lovecraft l'appelait le Necronomicon, ou si cet autre nom était le titre original du manuscrit. Nous sommes certains que Winfield de Lovecraft en possédait une copie, de l'ensemble ou de certains fragments. Nous avons tendance à croire que cette copie tomba entre les mains de Lovecraft et fut à l'origine de ses récits Cthulhu. Tant qu'il s'agit d'histoire de la littérature, nul besoin d'en savoir davantage. Quelle importance que Kenneth Grant ait eu raison et que les anciens aient réellement existé, ou qu'ils existent peut-être encore. Les spécialistes de la magie trouveront sans doute que ces questions méritent d'être encore étudiées. De nombreux lecteurs de Lovecraft ont sûrement un avis contraire et regardent avec circonspection la perspective de voir le grand Cthulhu tiré du profond sommeil qu'il poursuit à relier. Mais seuls, les faits nous intéressent, comme dit Monsieur Graguind. Et tout le monde s'accorde à penser que dans ce cas, les faits sont aussi passionnants et extraordinaires que tout ce qui touche au mythe Cthulhu. Lettre du docteur Stanislaus Président de l'Institut d'études de la magie et des phénomènes occultes de Salzbourg, adressé à monsieur Colin Wilson et traduite avec des corrections par le docteur Karl Tosk. Cher monsieur, je connais bien votre estimé confrère, devrais-je dire collaborateur, le docteur Tosk de l'Institut de technologie de Vienne, ainsi que vos nombreux ouvrages, et suis donc convaincu que vous êtes la personne à qui je dois livrer des informations d'une grande importance. Comme vous le savez, j'ai passé avec toute mon équipe plusieurs années à étudier des phénomènes magiques dans des bibliothèques modernes en Europe, aux États-Unis et au Japon, ainsi que dans de vieilles bibliothèques à Vienne, à Saragosse, à Oxford et à Kerman. Et nous sommes allés bien plus loin encore interviewer les adeptes des arts occultes en prenant parfois des risques. Je pense, sans forfanterie, pouvoir me comparer au grand Arminius Vamberi, Parent par alliance de ma femme, dont les voyages en Asie centrale rivalisent avec ceux du comte de Gobineau quelques années auparavant, et qui stupéfia ses contemporains en se convertissant à la religion béique. Ses recherches poussées sur les traditions magiques d'Orient ne sont connues que de rares personnes qui savent le hongrois, puisqu'il écrivit dans cette langue afin que ses recherches ne tombent pas aux mains d'individus irresponsables ou immatures. Ses collections de manuscrits n'ont jamais été publiées ou traduites. Comme il apparaît dans la liste de mes publications, j'ai commencé par être historien pur et simple, associé au docteur Lutz et au docteur Dick de l'université de Budapest, et j'ai été amené à me pencher sur les sciences occultes plus ou moins par hasard. Mais c'est une autre histoire. Qu'il me suffise de dire que plus j'étudiais la magie, plus je prenais conscience de ses effets pratiques et de leur portée, récemment dirigée contre moi, autant que je puisse en juger, dirigée contre moi, J'espère que je ne vous parais pas trop bizarre, d'une façon fort semblable à celle de vos minds parasites, parasites de l'esprit, s'en prenant aux perceptions de leurs victimes. En effet, j'ai été subjugué par la ressemblance entre mes propres expériences et les phénomènes décrits dans votre livre, par l'étroite corrélation de celui-ci avec des phénomènes historiques et psychologiques connus. En quoi Lovecraft est concerné, cet écrivain manquant incroyablement de style, de l'avis éminent du docteur Williams, vous allez le voir bientôt. J'ai suffisamment lu Lovecraft pour comprendre qu'il s'agit là de quelqu'un de très simple, peu cultivé et peu familiarisé avec les détours stylistiques. Encore que je n'irai pas aussi loin que le docteur Williams dans la condamnation de son style. Aventuré sans discrétion dans des domaines d'études et d'expériences qui devraient être réservés aux seuls hommes capables de les affronter, quelqu'un qui a réussi, peut-être à cause de ses dons télépathiques innés, qui ne font aucun doute, à entrer en contact avec des forces qu'il était bien incapable de maîtriser elles eurent raison de lui. Bien entendu, il me fallait du temps pour être en mesure d'apprécier l'importance, sinon de Lovecraft lui-même, du moins des forces qu'il avait libérées. J'étais initialement trop rebuté pour son approche erronée de la science, ces montagnes plus hautes que l'Himalaya situées non pas sur la Lune, mais sur les continents antarctiques, déjà bien connus à l'époque où il écrivait, avant la guerre. J'avais fait partie de l'expédition de l'Antarctique patronnée par le gouvernement allemand d'alors, dont on a tant parlé. De plus, on ne pouvait s'attendre qu'un chercheur si simple et si peu cultivé soit capable d'obtenir par lui-même de tels résultats. Tout comme un employé de l'EDF, contrôlant un circuit complexe dont la construction est due aux connaissances accumulées par plusieurs générations de technologies, peut, par accident, plonger toute une ville dans l'obscurité ou l'illuminer en soulevant simplement un levier. Un homme tel que Lovecraft, grâce à la sagesse accumulée au cours des âges, et il faut se souvenir qu'on a oublié autant de choses qu'on en a retenues, peut découvrir qu'il possède des pouvoirs, même mal contrôlés, bien supérieurs à ce que l'on est en droit d'attendre d'un être de son espèce. Non pas que je le couvre de mépris, en dépit de ses lacunes. Beaucoup de grands hommes, si l'on y réfléchit, doivent leur succès à la chance qu'ils ont eu de tomber sur la source du pouvoir, de même que certaines personnes ont un don de sourcier sans savoir qu'elles ne font qu'utiliser leurs capacités comme elles utilisent une installation électrique, sans que leur intelligence entre en jeu. Il suffit de prendre conscience de l'influence indéniable des planètes sur le caractère et la destinée, bien établie maintenant par le professeur Hans Henseck et bien d'autres, pour comprendre à quel point nous sommes l'objet de notre destin. Les recherches que j'effectuais durant mon voyage en Nouvelle-Angleterre, en mars 1975, établirent définitivement que Winfield Lovecraft était un membre de la branche égyptienne des francs-maçons, fondée ou du moins rendue célèbre par Alexandre, comte cagliostro, imposteur notoire sans doute, mais aussi dangereux manipulateurs de forces cachées. À Providence, Rhode Island, cette vieille ville endormie si tournée vers la culture et les choses de l'esprit, je fis des recherches qui me conduisirent à de présents adeptes de la maçonnerie égyptienne. Comme vous le savez, les traditions occultes s'expriment par des rituels accessibles aux seuls initiés, encore que les bases en soient également connues des adeptes de la maçonnerie ordinaire. Vous n'ignorez pas non plus que tous les rituels maçonniques sont plus ou moins secrets, mais que les plus secrets sont ceux des sectes les plus mystérieuses, ou, devrais-je ajouter, ceux des niveaux les plus élevés des loges de maçonnerie ordinaire. Je ne cache pas que j'ai, au cours de ma longue existence, fait partie de plusieurs sectes maçonniques, magiques et sophistes. Inutile de préciser que mes activités, poussées par la curiosité scientifique plus que par la vénération, et visant à accumuler une information théoriquement destinée à être publiée, m'ont valu un grand nombre d'ennemis. Les sectes en question étaient très diverses la plupart n'étant que des groupes sommis rotariens agrémentés de quelques idoles, d'autres de véritables cercles de conspiration politique, d'autant plus efficaces qu'ils opèrent en coulisses, d'autres encore possédant de vastes connaissances magiques de nature parfois très dangereuse. Les maçons de la ligne égyptienne entrent dans cette dernière catégorie, et ont, dans une certaine mesure, influencé toutes les autres branches de la maçonnerie. En fait, la plupart des membres, y compris le père de Lovecraft, avaient également fait partie de loges maçonniques ordinaires, affilié à la Grande Loge de Londres, comme la plupart des loges américaines, et reconnue inoffensive par une personne aussi réputée que Nesta Webster. Pourtant, les francs-maçons de la ligne égyptienne sont plus proches de la Loge française du Grand Orient, cercle beaucoup moins inoffensif, créé à l'origine par les Illuminati de weishaupt et très lié à la Société des Jacobins, auxquels tous les meneurs de la Révolution française appartenaient. Giuseppe Balsamo alias Cagliostro, Illuminatus et Jacobin, joua, comme Rasputin en Russie, un rôle déterminant dans la Révolution en discréditant la famille royale, dans l'affaire de Marie-Antoinette et du collier de la reine. Il fut personnellement initié par Weshop lui-même, ce conspirateur élevé par les Jésuites, dont la correspondance non publiée contient, entre autres, l'ébauche originale de ce qui devait devenir le Manifeste communiste de 1848. Pour nous, l'importance de Cagliostro tient au fait qu'il légua certains manuscrits à ses successeurs de la ligne égyptienne, y compris des extraits d'une Necronomicon original. Il peut sembler étrange que ce personnage pratiquement anonyme, humble natif de Palerme, ait pu avoir en sa possession un manuscrit aussi important. On ignore généralement que son ancêtre direct gagna beaucoup d'argent en incarnant le dernier croisé, Sébastien de Portugal, qui mourut probablement à la bataille d'Alcazar en 1578. Je dis probablement, puisque c'est la version officielle. Mais l'honnêteté scientifique m'oblige à ajouter que, d'après les témoignages de son contemporain, le père Texera et de bien d'autres, il semble fort probable que le prétendant sicilien, qui apparut vingt ans après sa mort, était réellement le roi disparu. Voici ma propre information. Je la livre avec certaines émotions, craignant de révéler par inadvertance la façon dont je l'ai obtenue. Le père de Lovecraft fut initié à la lecture de ses extraits du Necronomicon par Grand Cèdre. Et si je révélais son véritable nom, je m'attirerais encore maintenant un surcroît de haine. Grand Cèdre, quant à lui, tenait ce texte sacré de l'Einermost Shrine, reliquaire secret, que lui avait remis Fouquier-Tinville, le Dzerzinski de la Révolution française, qu'il obtint, non sans avoir employé la torture, des disciples de Cagliostro. L'Einermost Shrine, vous le savez, était d'origine mingrilienne et avait au moins 140 ans à la mort de Balsamo. Je ne voudrais pas vous ennuyer par un trop long exposé sur mon enquête concernant l'origine du Necronomicon. Rappelez-vous mon Prolegomena zu einer Geischicht der Magie, dont les trois volumes furent détruits dès leur apparition. Mais je pense que le docteur Williams, en tant que membre de notre société, en possède des copies. Disons simplement que j'ai pu retracer l'histoire des contacts magiques de Cagliostro jusqu'aux membres de la secte acidique et de leurs prédécesseurs du Sephardim d'Espagne. Cependant, il semble que le Necronomicon n'était pas très apprécié parmi eux. Les communautés hébraïques ont leur propre tradition magique, issue de la Kabbale, de l'hermétisme égyptien et des mystères de Babylone. Et beaucoup de rabbins influents, appuyés sur le Talmud, s'étaient dressés contre toute pratique ésotérique. Le texte du Necronomicon, dans une version probablement plus complète que celle qui existe actuellement, leur parvint par l'intermédiaire des morts d'Espagne, et beaucoup de mes confrères ont souligné les similitudes existant entre le Necronomicon et le Kital al-Yud. Pourtant, il ne fait aucun doute que ce manuscrit magique remonte au Perse, et que le nom clé soit celui de Dariush al-Gabr, l'incroyant, zoroastrien du IXe siècle, qui écrivit en arabe et en perse sans doute le Necronomicon prit-il sa forme actuelle en perse car le code qui est le sien repose sur l'écriture falavi peut-être ignorez-vous que cette écriture fut non seulement utilisée à l'origine dans la langue aramaïque sémitique mais qu'elle représentait des mots aramaïques réels dans l'ordre originel ou à peu près que l'on peut traduire déchiffrer et reconstruire en persan dans le même mouvement il n'est pas surprenant que la phonologie falavi Ait dû être reconstruite sur la base des lois phonologiques en projetant des sons akkaéméniens dans le futur et en projetant des sons persans arabisés dans le passé. Seule la découverte de textes ossédiques dans la langue des Alans iraniens du Caucase nous a permis de confirmer ces projections. Bien entendu, la tradition persane est elle-même liée à la magie babylonienne et à la tradition hermétique du sacerdoce égyptien de Thoth. Nous ne pouvons encore savoir exactement qui a eu en main le Necronomicon, et j'ai mentionné dans mon Prolegomena les noms les plus probables. L'important, c'est que nous pouvons maintenant comparer les déclarations des anciens avec ce qui se trouve dans le Necronomicon lui-même. Pour Platon, la destruction de l'Atlantide est survenue 9000 ans avant sa naissance. Dans le Timée, il dit tenir cette information des prêtres de Toth. Ceux-ci ont transcrit des traditions, dont il ne reste, hélas que quelques inscriptions hiéroglyphiques et quelques manuscrits sous la forme cursive, mais aussi des écrits sumériens considérablement antérieurs à la première dynastie égyptienne. Sur ce sujet, relisons les études bien connues de Wodell, Makers of Civilization, les faiseurs de civilisation, etc., dans lesquelles il déchiffre le sanskrit, le celt et d'autres sources anciennes à la lumière des hypothèses concernant les écrits sumériens. La méthode s'avéra fructueuse, dévoilant un trésor de données linguistiques et je pus ajouter à ces recherches en faisant moi-même une traduction partielle du necronomicon ce fruit de plusieurs années de travaux forcés repose maintenant en un lieu protégé par les moyens ordinaires mais aussi que vous le croyez ou non par des rituels magiques j'ai trop souvent constaté leur efficacité pour continuer à les mépriser je conserverai le texte de ma traduction partielle jusqu'à ma mort et j'ai pris des dispositions pour qu'après mon décès il soit transmis à des personnes qui respecteront ce travail et sauront préserver ce qui en vaut la peine tout en se protégeant elles-mêmes contre son influence maléfique. Mais une grande partie reste à traduire et pendant combien de temps encore le gouvernement autrichien sera-t-il disposé à financer nos programmes d'ordinateurs Le Necronomicon, comme vous le savez, est codé de façon particulièrement délicate, combinant une calligraphie très sophistiquée avec les trucs classiques des constructeurs de code aussi, voyez-vous, l'entraînement que j'ai suivi avant-guerre sur la machine à énigmes n'a pas été inutile. J'ai tendance, vous le savez, à être un peu farceur. Et curieusement, les activités du docteur Williams dans le programme Radar à Clay Park pendant la guerre n'ont pas été inutiles non plus. Dommage que nous n'ayons pas pu collaborer dès le départ. Pour une bonne cause, bien sûr. C'est le docteur Williams grâce à son éducation anglaise, qui se rendit compte que trois écrivains fort différents avaient trouvé une partie de la vérité. Le premier était Enid Nesbitt, l'écrivain pour enfants, épouse de John Blend. Cherchant à intéresser les enfants à ses histoires, elle découvrit que la meilleure solution était d'écrire sur la magie. Elle fit appel aux accessoires habituels. Un tapis volant, une amulette et une fée, encore qu'un peu étrange, couverte de poils et dont les yeux se trouvaient au bout de deux pédoncules. Le tapis semble voler et rester rigide comme ceux des mille et une nuits. Mais l'amulette nous intéressait davantage. Ce n'était qu'une demi-amulette. Elle avait le pouvoir de se transformer en portique par lequel passaient les enfants pour se retrouver dans une époque différente. Ils cherchaient l'autre moitié de l'amulette. Celle-ci, reconstituée, leur permettait de réaliser tous leurs désirs. La transformation s'effectuait sous l'effet d'un mot magique, si proche du véritable mot, que j'en tremblais. Le deuxième auteur était Tolkien, dont les fantaisies de Sauron et les pouvoirs des ténèbres dans Mordor ressemblaient étrangement aux événements de la politique moderne. Son allégorie, allusion voilée à ce qui s'était réellement passé, souleva fatalement de profonds ressentiments. Le plus important enfin fut Lovecraft, dont les obsessions apparentes révélaient presque trop de secrets terrifiants pour que nos esprits limités soient en mesure de les appréhender. Mais assez parlé de ces éléments qui nous ont mis sur la voie. Décrire comment nous sommes remontés jusqu'à eux ne manquerait pas d'intérêt, mais je n'ai pas le temps, je le sais. Je dois vous dire, comme un mauvais présage, que les parasites de l'esprit dont vous avez parlé existent réellement, pleins d'influence et sont même visibles sous différentes formes. Les décrire comme mauvais, comme je l'ai fait lorsque je les ai découverts au cours de mes recherches, est absolument déplacé. Une fourmi a-t-elle le droit d'appeler mauvais un animal se nourrissant de congénères ou mieux encore, des fourmis peuvent-elles traiter un homme de « méchant » parce qu'il a marché sur leur fourmilière En effet, les parasites de l'esprit font partie de ce que Lovecraft appelait les « vénérables anciens ». Et non des intentions mauvaises, que dans la mesure où les grands espaces de notre moi intérieur les intéressent comme domaine d'exploitation. Je devrais plutôt dire que si le vaste inconscient collectif qui est le nôtre les intéresse, mais nos petites personnalités de tous les jours ne les passionnent pas plus que celles des fourmis. Seul notre esprit semi-éternel, oserais-je suggérer éternel, les occupe. Mais c'est bien fatigant d'être le jouet de force à la fois élémentaire et consciente. Je suis fatigué comme un chaton avec lequel des enfants impitoyables auraient trop joué. Je souffre de migraines de plus en plus aiguës et ne peux maintenant travailler plus de deux heures d'affilée. Il ne reste que de l'horreur là où dominait auparavant une curiosité lucide. Je vous avertis à double titre soyez prudent, hardi, mais circonspect. La voix est en dedans. Salutations, je reviendrai sur tout cela lorsque je me sentirai mieux. Avec toute ma considération, Dr Stanislaus hunter Postscriptum du Dr Karl Tosk. Comme vous l'a appris mon télégramme, le Dr Unterstoicer est mort peu après avoir écrit cette lettre. Heureusement, j'ai avec moi l'essentiel de ses notes et notre traduction partielle du Necronomicon. Le Necronomicon. Commentaire par Robert Turner. Je me suis intéressé pour la première fois au Necronomicon il y a un peu plus de 5 ans. J'étais tombé par hasard sur les œuvres étrangement suggestives de Howard Phillips Lovecraft. Elles avaient retenu mon attention. Un ami me passait une copie de The Hunter of the Dark et dès ma première lecture, bouleversée, j'acquis la certitude que Lovecraft était parti de textes magiques originaux pour écrire ce grimoire énigmatique. Dans les semaines qui suivirent, je lus la collection complète de ces œuvres et me constituai un dossier détaillé relatif au mythe de Cthulhu. Peu à peu, je compris que les principales idées mythologiques et magiques de cette œuvre formaient un tout cohérent. Les grimoires de l'Antiquité, la science des sorcières, les traditions magiques d'Orient et d'Europe médiévale, tissaient la trame des arcanes de Lovecraft, judicieusement intégrées et rassemblées sous le titre global de Necronomicon. Lovecraft attribue l'origine du livre à Abdul Al-Azred, poète arabe dément, qui est supposé avoir rédigé cet ouvrage en 730 avant Jésus-Christ à Damas. A partir de cet original arabe, on pense que le Necronomicon a connu plusieurs traductions, dont la dernière en date aurait été réalisée en Espagne au XVIIe siècle, version anglaise attribuée au célèbre philosophe magicien de la reine Elizabeth, le docteur John Dee, 1527-1608. Depuis la mort de Lovecraft en 1937, de nombreux manuscrits ont été exhumés comme étant le Necronomicon, mais le plus prometteur reste de très loin celui que Sprague de Camp découvrit au nord de l'Irak, publié en facsimile sous le titre d'Al Azif, avec une introduction de Sprague de Camp. Le manuscrit de de Camp, trouvé parmi les tombes de Douria, et entièrement écrit en caractères cryptiques de l'ancien douriaque, forme non usuelle du syriaque est depuis plusieurs années tenu par de nombreux occultistes pour le véritable Necronomicon, et, bien que de récents travaux effectués par Karl Tosk à Vienne l'aient infirmé, on considère que le texte, Al-Azif, contient des formules magiques et un ancien savoir relatif à une tradition semblable, sinon identique. J'ai longtemps cherché en vain un mythe originel reflétant avec une grande précision les concepts incarnés dans le mythe de Cthulhu. Instinctivement, je pensais que les légendes de quelques anciennes cultures devaient détenir la clé de ce que je pensais être la véritable interprétation de ces troublants mystères. Mais aucun ne semblait cadrer exactement. Elles manquaient de précision, elles n'étaient pas assez anciennes, et le voile du symbolisme local les obscurcissait. Il me fallait quelque chose de plus proche de la source, un mythe réellement très ancien, primitif, et dénué de modifications successives. Comme à l'accoutumée, la réponse que je cherchais se présenta indirectement et de manière inattendue. En lisant l'essai critique de Colin Williams à propos de Lovecraft dans The Strength to Dream, je tombais sur une référence à The Call of Cthulhu et sur le commentaire suivant. Cette histoire semble devoir plus à la doctrine secrète de Madame Blavatsky avec ses mythes de l'Atlantide et de l'Émurie. C'était cela, Blavatsky égale la doctrine secrète égale The Book of Dian, le plus vieux livre du monde. L'œuvre vaste de Madame Blavatsky, The Secret Doctrine, la doctrine secrète, est en fait un long commentaire sur le livre de Dian, lui-même considéré comme un fragment du Mani Kumburm, grand répertoire de textes sacrés et de secrets sur la magie attribué aux Zougariens, race éteinte depuis très longtemps, qui peuplait autrefois les régions montagneuses au nord du Tibet. J'étudiais le texte. Qui révéla ce que je cherchais, une série de vers et de strophes expliquant en termes assez abstraits, mais cependant très purs, que des créatures chaotiques et d'incroyables monstres venus, disait-on, d'autres univers, en des temps extrêmement reculés, peuplaient autrefois la Terre. Ces strophes rapportaient ensuite comment ces autres entités furent finalement expulsées de l'univers par l'intervention de forces alliées à cause de l'ordre. Dans plusieurs de ces récits, Lovecraft fait référence à un livre de Diane et des passages comme les flammes vinrent. Elles tuèrent les formes à deux et quatre têtes. Elles s'en prirent à l'homme bouc et à l'homme à tête de chien, à ceux qui avaient des corps de poisson. Elles engloutirent d'énormes femelles. Elles engendrèrent des races muettes. Elles élevèrent des monstres. Une race de monstres aux cheveux roux, contrefaits et marchant à quatre pattes. Elles créèrent d'énormes cités, de terres et de métaux rares. Elles découpèrent leurs propres images et les adorèrent. » Puis vinrent les premières grandes inondations, elles engloutirent les sept grandes îles, les serpents qui redescendaient, qui faisaient la paix avec le cinquième qui l'avait préparé et prêché. Extrait des strophes 2, 8, 11 et 12. Tout ceci montre de profonds parallélismes avec les mythes qui entourent l'arrivée des vénérables anciens sur la terre, leur création, les combats qui les opposèrent aux autres formes primitives et leur influence finale avec le cthulhu Spawn. Les strophes 11 et 12 font allusion à l'expulsion finale des vénérables anciens par les dieux plus anciens, Elder Gods. Toutes les créatures sacrées seront sauvées, les créatures naturelles de la Terre. Toutes les autres seront anéanties, et les autres formes dispersées dans le néant. Les créatures couleur de la lune avaient disparu à jamais. Je pensais donc avoir découvert dans The Book of Diane un fond mythologique un peu fragmentaire, mais cependant convenable pour ces mythes de Cthulhu. Le Necronomicon contenait, disait-on, un modèle de base très proche de l'ensemble des connaissances anciennes, Elder Lore. J'entrepris ensuite d'étudier les contenus éventuels du texte abominable d'Al-Azred. Bien qu'à première vue, le livre arabe doive être considéré comme essentiellement noir, traitant de l'évocation d'entités mauvaises, du chaos, des ténèbres et du désordre, certains éléments compensatoires se font sentir par l'existence de formules visant à vaincre les pouvoirs démoniaques. Celle-ci semble indiquer un alignement sur les ouvrages magiques traditionnels qui constituent le cycle salomonique, et je me tournais alors vers eux. Le texte original du Necronomicon, connu sous le nom d'Al-Azif, a, dit-on, été écrit en arabe au Xe siècle. Je limitais donc mes premières recherches à des grimoires remontant à cette époque de l'histoire, dont trois principaux traités de magie et leurs nombreuses versions représentaient le courant occulte. D'abord, le célèbre Kitab al-Huhub, mystérieux manuscrit arabe. On prétend qu'il a été offert au roi Salomon par le démon Asmodeus. Puis les premières versions arabes du célèbre Key of Solomon, Clé de Salomon, qui devait avoir une grande influence sur la magie lors de la Renaissance en Europe. Enfin, une étrange compilation en hébreu et en araméique, présentant des notes en marge en caractères arabes, The Sword of Moses, l'épée de Moïse. Ce traité convient particulièrement comme auxiliaire d'une Necronomicon. Il n'a pas été possible de dater avec précision The Sword of Moziz, bien que nous ayons la preuve qu'il existait déjà au début du XIe siècle. Il est mentionné dans une correspondance échangée entre certains prétendus magiciens vivant à Kirwan, en Tunisie, et Aya Gaon, chef de la grande école de Babylone, qui mourut en 1037. Dans le même contexte, Gaon fait référence à deux autres livres sur la sorcellerie The Great and Small Heavenly Halls et The Lord of the Low » plein de noms terrifiants et d'emblèmes qui ont eu cet effet redouté sur ce qui n'est jamais nommé et dont l'usage avait fait sombrer leurs prédécesseurs. Les livres noirs célèbres, intitulés 6e et 7e livres de Moïse, sont mentionnés dans les récits de Lovecraft, basés sur des versions latines erronées des clés de Salomon et certains textes hébraïques peu connus, le papyrus démotique magique de Londres et de Leiden, ancien livre égyptien de magie dont on dit qu'il contient comme le 8e livre de Moïse et l'épée de Moïse, les 9e et 10e livres. Un système de magie lié au concept du Necronomicon émerge alors avec puissance. Le contenu de la série de grimoires mosaïques traite presque exclusivement de magie noire. Voici, tiré de l'épée de Moïse, un exemple typique des imprécations de mort figurant dans ces textes. Je vous appelle, esprit mauvais, esprit cruel et impitoyable. Je vous appelle, esprit malin qui siégeait au cimetière et ôtez toute guérison aux hommes. Mettez un nœud dans la tête de NN. Dans ses yeux, dans sa bouche, sur sa langue, dans sa gorge, dans sa trachée artère, verser dans son estomac de l'eau empoisonnée. D'autres formules magiques révèlent comment pulvériser les montagnes, passer dans le feu sans se brûler, provoquer la cécité et communiquer avec les défunts. On trouve encore des sceaux magiques, des cachets et d'innombrables incantations presque entièrement composées de mots inconnus, à peine prononçables. Ces noms appartenant à une époque reculée et entièrement disparue justifient à elles seules ce titre fameux, le Necronomicon, le livre des noms éteints. L'utilisation par Lovecraft du Necronomicon et des mythes associés doit beaucoup à l'influence d'anciens textes magiques, mais également aux traditions occultes plus récentes. Sans pouvoir encore le définir avec certitude, je pense que le rapport évident qu'entretient Lovecraft avec l'ésotérisme occidental moderne s'est noué lors de contacts avec les écrivains Algernon Blackwood et Arthur Machen. Blackwood (1869-1951) et Machen (1863-1847) étaient tous deux des initiés de l'ordre hermétique de l'Aube dorée, confrérie qui florissait en Angleterre au début du siècle, et des adeptes de ce type de connaissances occultes immortalisées par Lovecraft. On peut trouver une source commune à bien des évocations barbares, des noms à structure grammaticale particulière qui abondent dans le mythe de Cthulhu, ainsi qu'aux étranges intonations connues des occultistes sous le nom d'Enochien. C'est l'ossature même du système magique du Golden Dawn. Les invocations ou clés Enochiennes proviennent des expériences occultes du docteur John Dee et de son mage principal, Sir Edward Kelly. Elles figurent dans le vaste ouvrage du docteur Dee, Liber Mysteriorum. Voir le Sloan MS 3188 et le Cotton Appendix 46, première et deuxième partie, British Museum, Londres. Les 48 incantations magiques de Dee, reçues par voie médiumnique en 1584, sont écrites dans un langage extraterrestre d'une structure grammaticale très complexe, et l'on peut penser que, s'il les utilise, l'homme peut passer par-delà la sphère des limitations physiques, appeler des esprits qui obéiront à ses ordres, et apprendre tous les mystères du temps et de l'espace. La référence faite par Lovecraft dans Zidonich Horror à la traduction anglaise d'une Necronomicon de John Dee prit soudain une importance nouvelle dans mes recherches lorsque je découvris dans la collection Herleian des manuscrits du British Museum une lettre adressée à Dee par un érudit inconnu datée de 1573 et relative à la ville de Dunwich, ancienne capitale de l'Est Anglie située entre Soulswold et Siswell dans le comté de Suffolk, en partie recouverte par la mer. Voir Herlean, MS532, Bibliothèque du British Museum. Ce pourrait être là une pure coïncidence, mais si l'on considère que la traduction anglaise du Necronomicon par John Dee n'est citée que dans The Dunwich Horror, et que la ville de Dunwich, en Angleterre, se trouve pratiquement à la même distance de Londres que sa contrepartie fictive du Massachusetts du Nord par rapport à New London, Connecticut, environ 75 miles dans les deux cas, un schéma définitif prend forme. Le Dunwich de des récits de Lovecraft est-il en fait une reconstruction, une réplique géographique de cette ville d'Angleterre qui éveilla la curiosité du mystérieux docteur Dee Étaient-ce les références volées de John Dee à certains objets étranges découverts dans les ruines de l'ancienne Dunwich qui piquèrent la curiosité de Lovecraft Dans les temps reculés, Dunwich était appelé Citus Magus, place magique par les Romains. C'est un lieu riche en trésors archéologiques. Dans ces papiers, Dee parle d'un mystérieux sépulcre découvert à Dunwich lors de la démolition de l'église Saint-John, tombée en ruines. Le tombeau renfermait un énorme cercueil ayant l'apparence exacte d'un homme. À l'intérieur gisait un cadavre curieusement vêtu qui tomba en poussière dès qu'on y toucha. Notons que, jusqu'à maintenant, les morts de l'ancienne Dunwich se voient refuser la paix du tombeau, car la mer continue à profaner les quelques centimètres se trouvant encore dans la ville. Du haut des falaises, des crânes humains tombent souvent dans les flots, parfois suivis d'une pluie d'os blanchie. Dee et Lovecraft admettaient tous deux que des perturbations atmosphériques et de mystérieux champs d'énergie se concentraient en certains points du globe. Réel pour l'un, imaginaire pour l'autre, Dunwich constitue une sorte de lien pour l'esprit de ces deux hommes séparés dans le temps par un gouffre de plus de trois siècles. Peu à peu, je devins convaincu que Lovecraft avait effectivement étudié divers écrits de John Dee, ainsi que, d'une manière plus générale, des textes magiques. Ces derniers lui avaient peut-être été transmis par Blackwood ou Machen au début du XXe siècle. Quant au Necronomicon, j'eus la certitude qu'il s'agissait de plusieurs textes intimement liés, et non pas d'une œuvre individuelle. On trouve des textes correspondant aux plus importants grimoires à la Library of Congress et dans la collection de la fameuse Brown University où Lovecraft a sans doute étudié pendant qu'il élaborait son mythe de Cthulhu. Mais en dehors de cette connaissance étendue de textes magiques, Lovecraft manifeste qu'il a eu accès à des secrets connus de son vivant de quelques rares initiés. Dans son roman The Case of Charles Dexter Ward, Lovecraft intègre le symbolisme de Caput et Cauda Draconis la tête et la queue du dragon Luna, combinées à une formule de transmutation magique tout à fait semblable dans sa nature à un rite alchimique célébré par les magiciens du Golden Dawn. Bien que Lovecraft ne fût pas initié au sens propre du terme, il avait manifestement gagné la confiance de certains d'entre eux, comme le prouve l'exemple précédent et les nombreux exemples qui abondent dans son œuvre. Kenneth Grant, chef de l'Ordo Templi Orientis et auteur de plusieurs livres sur les traditions magiques, suggère également que Lovecraft aurait eu des contacts précis avec les écoles du mystère occidental et prétend que Lovecraft utilisait la fiction pour faire passer des réalités qui étaient, de son temps, considérées comme trop fantastiques pour être présentées sous toute autre forme. Grant souligne ensuite que Lovecraft n'arriva jamais à prendre vraiment conscience des forces étrangères qui l'influençaient dans son œuvre et passa la dernière partie de sa vie à tenter vainement d'en nier l'existence. Dans l'ensemble, j'approuve la conception de Kenneth Grant sur le mythe de Cthulhu, beaucoup de ses idées s'accordant parfaitement avec les miennes. La principale divergence entre Grant et moi concerne notre approche respective au Necronomicon lui-même. En effet, si Grant pense que le mythe est valable d'un point de vue occultiste, il considère que le nécronome n'existe pas et n'est que le fruit de l'imagination fertile de Lovecraft. Lovecraft lui-même nous révèle que beaucoup des caractéristiques principales de son mythe de Cthulhu lui ont été transmises au cours de rêves, rêves dont il garde un souvenir d'une étonnante clarté et d'une grande continuité. De nombreux occultistes pensent que les rêves de cette nature représentent la façon dont le subconscient enregistre les contacts astraux. Le fluide astral ou lumière astrale est considéré comme une substance semi matérielle, ayant pour principale qualité sa grande élasticité, une arche naturelle qui entoure la Terre et conserve l'empreinte de chaque événement, de chaque mot ou acte intervenu depuis la formation de la planète. La tradition occulte affirme que ce réservoir d'information, connu en Orient sous le nom de registre akashique, Peut-être consulté à volonté par ceux qui détiennent les dons psychiques nécessaires et que l'on peut agir sur lui pour obtenir des images positives par l'intervention d'une chimie mentale appropriée. Les images entités ainsi formées sont tenues pour des éléments artificiels, créatures formées de pensées présentant une identité individuelle et pouvant vivre une expérience infinie dans la continuité de l'espace-temps. De plus, une fois ce genre de forme créée, on suppose qu'elle fournit un point d'intersection entre différents plans par lequel toute force apparentée peut avoir accès à notre segment particulier du cosmos. Lovecraft peuplait-il ainsi le plan astral d'entité du mythe de Cthulhu par référence inconsciente au registre akashique et, ce faisant, livrait-il un passage par lequel les esprits d'êtres extérieurs pouvaient manifester à nouveau leur influence? Les occultistes soutiendraient certainement que si les vénérables anciens arpentèrent réellement la Terre en deux temps reculés, le fluide astral doit conserver la trace de leur histoire, et qu'un homme tombé par hasard sur ce genre d'éthos peut, consciemment ou non, animer des formes astrales statiques par une méditation constante. Une fois créées, les entités astrales de ce type ont d'autant plus de puissance et de vitalité que l'on concentre plus d'énergie mentale sur elles, jusqu'à ce qu'elles parviennent enfin à un stade de développement leur permettant, dans une certaine mesure, des actes autonomes. Comme l'hystérie collective des foules, cela commence par un filet d'eau et se transforme bientôt en torrent furieux. À notre époque, la principale source d'information concernant le flux astral est l'œuvre du fameux occultiste français Alphonse Louis Constant plus connu sous son pseudonyme Eliphas Lévy Zahed. Lévi parle de plusieurs façons du fluide astral. Les odes des Hébreux, l'éther électromagnétique, le miroir universel des visions, suit la loi des courants magnétiques, peut être fixé par une impulsion très puissante de la volonté, est la première enveloppe de l'âme et le miroir de l'imagination. Histoire de la magie par Eliphas Lévi. Lévi indique ensuite que le fluide astral est la demeure naturelle de ces larves fluidiques connues sous le nom d'esprits élémentaires dans l'ancienne théurgie. Les sciences occultes affirment que, non contrôlées, les entités astrales formées par la pensée se trouvent attirées par la force vitale de leur créateur comme une aiguille par un aimant, et s'abreuvent de son énergie spirituelle avec une affreuse délectation jusqu'à l'épuisement complet du fluide vital. Lovecraft était-il habité par des formes mal intentionnées cherchant à s'introduire en lui pour échapper au vide une attaque psychique de ce genre se manifeste d'abord par un état général d'hypersensibilité mentale, suivi par un curieux sentiment de lucidité qui augmente au fur et à mesure que la victime aligne inconsciemment son processus mental sur celui de son hôte indésirable. Des aperçus d'autres mondes, d'abord révélés dans le sommeil, commencent à se manifester en état de veille. Des modifications profondes interviennent au niveau de l'ouïe et de la vue, avec la possibilité d'appréhender des sons n'entrant pas dans le spectre ordinaire et une perception non linéaire de la géométrie de l'espace. Tous ces éléments existent chez Lovecraft et apparaissent très clairement dans ses œuvres. Dans son introduction au présent volume, Colin Wilson fait allusion à l'état quasi permanent de léthargie physique qui était celui de Lovecraft vers la fin de sa vie. Relevons sa tension mentale, sa sensation permanente d'oppression, associée à des extases étranges, à des visions, à des rêves de paysages impossibles et des villes incroyables. Enfin, Lovecraft présentait tous les symptômes traditionnels d'une âme possédée par les forces du mal. Il est bien connu que Lovecraft avait beaucoup de mal à conserver une certaine chaleur corporelle, surtout à la fin de sa vie, lorsque son aversion pour des températures qui semblaient pourtant modérées devint une obsession. Un autre symptôme de possession démoniaque Je cite Eliphas Lévy. Ces larves prennent la chaleur vitale des personnes en bonne santé et épuisent rapidement celles qui sont malades. » C'est là qu'intervient l'histoire de vampires, entité d'une terrible réalité qui parfois se matérialise, comme on le sait. Cela explique aussi pourquoi, au voisinage des médiums, personnes en proie à des larves, on peut ressentir un rafraîchissement de l'atmosphère. Lovecraft connaissait bien les travaux de Levy, mais comprit-il trop tard les mots du maître Dans The Case of Charles Dexter Ward, on peut lire Il n'était pas retranscrit exactement comme Mrs. Ward l'avait écrit de mémoire. Ni comme le lui avait montré l'autorité dans les pages interdites d'Eliphas Lévi. Mais son identité ne faisait aucun doute, et des mots comme Sabaoth, Métatron, Almensin et Zariatnatmik firent frémir le chercheur qui avait aperçu et ressenti une bonne part de l'abomination cosmique à peine dissimulée. Pourquoi les œuvres d'un kabbaliste chrétien comme le vénérable Eliphas Lévi devaient-elles être traitées d'interdites Est-on en droit de se demander Lovecraft tomba-t-il vraiment par hasard sur la source de tous ses cauchemars et trouva-t-il que ce qui se cachait était trop difficile à supporter et, même pour lui, trop difficile à admettre Il est évident qu'un élément de crainte anime toutes les dernières œuvres de Lovecraft, comme s'il ressentait une horreur profonde envers ce qu'il avait si puissamment évoqué. Son incapacité à contrôler ses forces déchaînées mène rapidement à un crescendo inquiétant. Les termes de repoussant, impressionnant, interdit et hideux apparaissent de plus en plus fréquemment au fur et à mesure que le mythe approche de la fin. Le dernier récit, écrit en 1937, l'année de sa mort, est un conte moral sur les tracas incessants de ceux qui s'obstinent à s'occuper d'arts nécromantiques. La destruction par le feu de livres interdits, la transformation du successeur du sorcier, la possession d'une âme par une autre, autant de symboles d'avertissement soulignant le danger couru par ceux qui, intentionnellement ou pas, suivraient le chemin des ténèbres. D'un point de vue purement occultiste, le panthéon des entités qui figurent dans le Necronomicon doit, du fait de sa grande singularité, poser des problèmes d'interprétation. Ceux qui se sont penchés sur le système Enochien ont sans doute rencontré des difficultés semblables en essayant de relier l'étrange assemblée d'esprits de John Dee avec ceux qui interviennent dans d'autres textes magiques. Tout comme les entités du système de Dee, celles qui figurent dans le Necronomicon peuvent être considérées comme étrangères aux traditions magiques et cabalistiques, encore que parfois en rapport avec elles. Quand on traite avec des forces astrales problématiques de cette nature, la meilleure approche pour parvenir à la construction d'une hiérarchie intelligible passe par l'examen minutieux des correspondances surnaturelles attribuées à chaque puissance individuelle. Une fois formulé le tableau des relations surnaturelles, on peut ensuite élaborer le système en y ajoutant des références astrologiques et géographiques. Pour tenter de classer la nature des différentes forces nommées dans le présent grimoire, je propose l'étude suivante destinée à ceux qui étudient les phénomènes occultes. Les vénérables anciens, le panthéon par ordre hiérarchique. Azathoth, le chaos primitif siégeant au centre de l'infini, informe et impossible à reconnaître, l'animateur des ténèbres, le désordre, le destructeur de pensées et de formes, l'antithèse de la création, l'aspect complètement négatif du feu élémentaire qui relève astrologiquement du lion archaïque et dans la sphère terrestre du sud caché, Aiden Yog Sotos, le tout un. Corrégent d'Azatoth, véhicule du chaos, manifestation extérieure de l'expression primitive. Porte du vide par laquelle doivent passer ceux qui viennent d'ailleurs. L'intelligence active extérieure de celui qui restera toujours enfermé dans des ténèbres impénétrables. Manifestation positive du feu, marquée au firmament par le signe du lion et plus particulièrement par l'étoile connue des anciens arabes sous le nom d'Al-Kalb al-Assad et des romains sous celui de Cor Leonis le cœur de Lyon, qui se trouve dans la poitrine de la bête céleste. Son point cardinal terrestre est le sud immédiat. Nyarlathotep, le chaos rampant, mouvant, l'éther qui sert de médiateur entre les différents aspects des vénérables anciens. Il est le réceptacle de la volonté combinée, leur messager et serviteur, pouvant exister sous n'importe quelle forme, à n'importe quel endroit et à n'importe quelle époque. Astrologiquement, Nyarlathotep relève de la Voie Lactée, cette bande mystique de lumière nébuleuse qui s'étend dans les cieux avec une inclinaison de 63 degrés par rapport à l'équateur céleste et délimite notre galaxie. Les anciens acadiens reliaient cette pâle lumière à leur mythe du grand serpent. Les Polynésiens l'appelaient le long requin bleu mangeur de nuages. En Inde, elle portait le nom de Nagaviti, la piste du serpent. Ashtour, la voix des vénérables anciens. Le vengeur et le destructeur, celui qui marche sur le vent et que l'on ne doit pas nommer. Dans la sphère des éléments, achetour correspond à l'air, élément de la dispute, et parmi les constellations, est reconnu comme le signe du Verseau, astérisme supposé régir le trigone aérien. Sur terre, Hestour correspond à l'est. Cthulhu, maître des profondeurs intérieures, initiateur des rêves. Parmi les éléments, Cthulhu est représenté par l'eau et astrologiquement par le Scorpion connu des acadiens sous le nom de Girtab, celui qui attrape et pique celui devant lequel on doit s'incliner. Géographiquement, Cthulhu correspond à l'ouest, zone de la mort dans l'ancienne religion égyptienne. shub Nigurat, la grande chèvre noire des bois avec un millier de pattes, manifestation terrestre de la puissance des vénérables anciens, le dieu du sabbat des sorcières, l'élément naturel de shub Nigurat, est la terre symbolisée par le signe du taureau au firmament et sur terre par la porte du vent du nord les dieux anciens bien que de nombreuses créatures bienfaisantes interviennent dans le texte du chronomicon seul nodens maître des profonds abysses est réellement nommé on suppose que la demeure naturelle des dieux anciens se trouve dans une région proche de l'étoile bételgeuse, dans la constellation d'orient dans le grand almanach des astronomes arabes connu sous le nom de table alphonsine Traduit plus tard en Europe et intitulé Los liblos del saber de astronomia, Betelgeuse était cité comme Al-Mankib, l'épaule, Al-Dira, le bras, et Al-Yad Al-Yama, la main droite du géant. Notons que Meichen fait référence au dieu Nodens dans The Great God Pan, comme un dieu à la main d'argent, reprenant les termes de la désignation arabe ancienne. Les dieux anciens apparaissent comme les protecteurs de l'humanité, et un signe, le signe des dieux anciens, un pentagramme martelé, confirme leur rapport avec elle. Les occultistes révèrent le pentagramme comme étoile des mages, symbole de l'homme microcosme, divinité révélée sous forme humaine. Dans le cadre de la magie, l'homme est considéré comme une créature à quatre éléments, feu, air, eau et terre, équilibrée par la puissance de l'esprit, cinquième élément ou élément caché symbolisé par les cinq points du pentagramme. Nous pouvons donc en déduire que la puissance du « signe des dieux anciens » elder cygne, sur les Vénérables Anciens, Great Old Ones, provient de son rapport avec une race de créatures présentant ces cinq forces universelles, par opposition à leur adversaire agressif de constitution mono-élémentaire, les Vénérables Anciens. Dans son livre « The Serious Mystery », Robert Temple avance que la race humaine a peut-être été introduite, au profit de la science et de la civilisation, par des créatures venues d'une planète se trouvant dans le système de l'étoile Sirius. Sirius se trouve dans la constellation de Canis Major, le grand chien, très proche du talon d'Orion, dont la principale étoile est Betelgeuse, zone attribuée aux dieux anciens. Cette théorie et d'autres parallélismes qui se reflètent dans tant de mythes anciens peuvent-ils représenter l'émergence d'une vague réminiscence raciale en rapport avec la genèse de l'homme Et les dieux anciens ont-ils été réellement les mystérieux géniteurs spirituels des hommes Telle était ma conception initiale du Necronomicon, un livre d'incantations magiques et de savoirs anciens existant principalement à un niveau subjectif, mais reprenant plusieurs textes mystiques de base. Grimoire composite secrètement enfoui dans les recoins les plus obscurs de l'esprit humain, Archétype soulignant et unifiant un ensemble apparemment incohérent de données magiques et mythologiques. Puis, je délaissais la question, peu préparé aux événements imprévisibles qui devaient bientôt modifier radicalement mes conclusions précédentes sur le plus controversé et le plus énigmatique des textes magiques. Alors que je réunissais des documents en vue de la publication d'un livre concernant la correspondance inédite du docteur John Dee, je tombais sur un manuscrit cryptique du XVIe siècle connu sous le nom de. Liber Logeot ou le Livre d'Enoch. Ce manuscrit comportait 65 folios contenant 101 carrés magiques extrêmement complexes, dont 96 se composaient de 49 x 49 cellules et 5 de 36 x 72 cellules. L'ensemble était agrémenté d'une rangée de lettres déroutantes, en caractère latin, et de chiffres ne suivant apparemment aucun ordre particulier. Et que faire de ce manuscrit de Die, ayant pour titre Liber Mysteriorum Sextus et Sanctus? Sixième livre des Mystères Sacrés. Les diverses références faites au Liber Loguet dans les œuvres publiées indiquaient que John Dee utilisait ce livre comme une sorte de contre-index, lui permettant de construire une autre série de carrés magiques connus sous le nom de Table Enochien. Mais pourquoi cette complexité Le total des lettres contenues dans les cinq tableaux énoquiens n'étant que de 644, il semblait absurde qu'un système de grilles contenant plus de 240 000 lettres soit nécessaire à leur construction. Dit lui même laissa très peu d'informations sur son sixième livre sacré. Il dit simplement qu'il contenait le mystère de notre création, l'âge de nombreuses années et la conclusion du monde, et que la première page du livre signifiait le chaos. Il me vint à l'esprit que tout cela était peut-être transcrit dans un quelconque code élisabétain. En ce cas, je parviendrais difficilement à éclaircir des choses d'une telle complexité sans faire appel à un spécialiste en cryptographie. Je me souvins alors du succès du docteur Donat de philologue australien qui s'était servi d'un ordinateur pour prouver la validité de la langue énochienne de John Dee. Laycock m'avait expliqué plusieurs années auparavant, autour d'un verre au Art Theatre Club de Londres, son programme élaboré d'ordinateur. Pourtant, mon propre problème était un peu différent de celui qu'il avait résolu, puisqu'il s'agissait de déchiffrer un code inconnu sans être guidé par la moindre information. J'écrivis à Colin Wilson et lui exposai mon problème. Il me répondit en me présentant un jeune informaticien nommé David Langford qui s'offrit avec enthousiasme à m'aider dans mes démarches. Je compris très vite que David Langford était l'homme qu'il fallait pour mener à bien cette tâche complexe. Non seulement il avait accès à l'un des meilleurs ordinateurs disponibles, mais il possédait une vaste connaissance des techniques de déchiffrage elisabéthaine, ayant étudié la cryptographie de Bacon. Je lui transmis bientôt une copie du Liber Loguet de Die et attendis patiemment. Puisque David Langford parle plus loin, dans ce livre, des difficultés de l'élaboration de programmes complexes de déchiffrage, j'en viendrai tout de suite aux résultats stupéfiants et absolument inattendus de son travail. Pendant les quelques mois durant lesquels les pages du mystérieux manuscrit de John Dee furent soumises à un examen méthodique et délicat, David Langford et moi échangeâmes une volumineuse correspondance, analysant chaque nouvelle information alors qu'apparaissait un indéniable et incroyable schéma. Le manuscrit comptait effectivement un code d'une grande complexité. Celui qui, à l'origine, avait chiffré ce manuscrit, avait pris d'infinies précautions pour préserver le secret de son contenu. On comprenait aisément la cause de ce mystère. Le texte dans son entier, encore que non titré et quelque peu démantelé, était peut-être rien de moins qu'une contraction d'une Necronomicon. Le nom des entités, les lieux et les concepts mythologiques s'avéraient pratiquement identiques à ceux offerts par Lovecraft. Comment la description d'une Necronomicon donnée par cet écrivain pouvait-elle être si proche du texte que nous venions de découvrir Un déchiffrage antérieur du cryptogramme de Dee, sans l'assistance de la cybernétique moderne, était inconcevable. À moins que, par une chance pratiquement incroyable, quelqu'un ait découvert les clés permettant son interprétation. Le texte codé de Dee pourrait être tiré d'un manuscrit antérieur dont une copie serait tombée aux mains de Lovecraft d'une façon ou d'une autre. De nombreux problèmes restent à résoudre. Si nous avions réellement découvert certains fragments du Necronomicon, des traductions arabes, grecques, latines et espagnoles du texte mentionné par Lovecraft pouvaient bien avoir également existé. Qu'était-elle advenue Peut-être connaîtrons-nous jamais la réponse. Et, dans l'immédiat, nous ne pouvons rien faire d'autre que de soumettre au monde entier le fruit de nos recherches, dans l'espoir qu'un jour, d'autres trouveront les pièces manquantes à ce puzzle métaphysique et achèveront l'histoire d'une Necronomicon cryptique. Quelle que soit la race et le climat, on retrouve dans les différents mythes l'empreinte de ces extraterrestres qui peuplent les pages d'une Necronomicon. Dans l'Himalaya, la légende de l'abominable homme des neiges est tenace et continue d'être perpétuée par les membres les plus terre à terre des expéditions en montagne. Des monstres préhistoriques continuent-ils à errer au milieu des pics silencieux, à se cacher au fond des océans et à hanter la nuit les régions désolées Dans l'ancien traité hindou connu sous le nom de Rig Veda, on nous parle de Dasyu et Dasa. Ennemis surhumains de l'humanité et vivant sous terre, et de ces étranges résidus de la préhistoire, géants grands comme des montagnes, démons comme des arbres en marche. De Rakshasas à la tête de tigre et de l'horrible Vaitikas qui n'a qu'un œil et qu'une aile. Les mythes péruviens parlent des Guachines, les obscurs. Ce sont les habitants de la terre primitive. La légende des Indiens d'Amérique consacre Kamazots, dieu des chauves-souris, Horrible créature hybride aux ailes comme du cuir, sur la figure de qui poussent des serpents. En 1686, Robert Plot raconte l'apparition de lumières sphériques dans le ciel, de pluies de pierres présentant des rayures, d'étranges sons portés par le vent défiant toute tentative d'explication rationnelle, et la naissance d'un enfant à plusieurs têtes n'appartenant à aucun des deux sexes. Et plus récemment, les œuvres du spécialiste des phénomènes inexpliqués du XXe siècle, Charles Fort, nous informent que « des démons ont visité la Terre » Et continue à la visiter. Pendant toute sa vie, Ford a rassemblé plus de 40 mille notes. Relation d'une pluie de galets noirs non météoriques sur Wolverhampton, en Angleterre, en 1858. Récits sur d'étranges villes. Description de créatures ayant des ailes de 10 pieds de long, se dandinant sur leurs pieds palmés. L'homme est-il le premier ou le dernier des maîtres de la Terre Peut-être le serons-nous bientôt, car, depuis quelques dizaines d'années, la planète semble avoir été à plusieurs reprises et de plus en plus souvent envahie par de mystérieux intrus. On continue d'annoncer la présence d'un humanoïde en Virginie de l'Ouest, humanoïde brun muni d'ailes. Les océans et les lacs regorgent de serpents et de monstres, et l'on voit tous les jours des ovnis. Que veut dire tout cela L'humanité est-elle devenue tout à coup victime d'une illusion, d'une hystérie Est-elle déçue d'elle-même ou assistons-nous au retour progressif des forces qui ont poussé un arabe dément à chanter sous une lune gibeuse un couplet étrange et rare. Déchiffrage du manuscrit de John Dee par David Langford. On m'a demandé d'expliquer le traitement par ordinateur qui a permis la traduction de l'étrange manuscrit chiffré de John Dee, et de donner quelques indications sur les méthodes utilisées. A l'origine, ma correspondance avec Robert Turner a été inspirée par les recherches du docteur Donald Laycock, philologue qui a utilisé un ordinateur pour contrôler la validité du langage occulte de D, l'Enochien, c'est-à-dire pour savoir s'il reposait principalement sur d'autres langues, de même que le japonais provient du chinois et l'anglais de l'anglo-saxon, du latin, etc. Les recherches du docteur Laycock ont éclairé d'un jour nouveau la langue énoquienne. Également connue sous le nom de Liber Logget, le livre de la parole de Dieu, et sous le nom de Liber Mysterium Sextus et Sanctus. Le livre est composé de 101 tableaux, pour la plupart des grilles de 49 par 49 carrés, contenant des lettres de l'alphabet latin ou des chiffres arabes. On trouve également une grille vide de la même dimension, et cinq tableaux plus grands de 36 par 72 carrés. Tout ceci a été écrit de la main d'Edward Kelly, le principal assistant de John Dee. Il l'aurait retranscrit en 1583 sous la dictée d'Esprit. Ce n'est pas un début bien encourageant. L'histoire est pavée de fraudeurs et de charlatans. Dee lui-même ne pouvait faire entièrement confiance à Kelly, qui était, de la vie générale, quelqu'un d'assez sournois. Dee conserva pourtant précieusement le livre d'Enoch et on le trouve encore aujourd'hui parmi ses propres manuscrits. Autre point curieux, ni Dee ni Kelly n'ont jamais proposé de traduction de cet ouvrage. À quoi servirait d'élaborer un faux sans apporter la moindre explication et sans utiliser en aucune manière les résultats obtenus Enfin, bien que sa réputation ait été parfois ternie, Dee n'était pas un fou, mais un agent du gouvernement de cette époque. En réalité, un agent secret de la reine Élisabeth elle-même. On note avec intérêt que son code personnel était 007. On a souvent dit que les occupations cabalistiques et astrologiques de Dee servaient plus d'un objectif. Elle le présentait comme un mystique inoffensif, dissimulant derrière une alphanumérotation obscure toute une variété de systèmes de chiffres très sophistiqués. Ainsi, sa table des Aesir, ou Tour de Guet mystique, comporte plusieurs colonnes mathématiques. L'Aesir numéro 1, appelé Lille, présente des gouverneurs au nom de Okodon, Pascombe et Valgar, qui commandent respectivement les serviteurs 7209, 2360 et 5363. Les 30 Aesir, les trois gouverneurs de chaque Aesir, dénomment de cette lettre. Le nombre de serviteurs est toujours à quatre chiffres. La numérologie cabalistique peut expliquer ces règles, mais nous savons que Dee était un homme très pratique et un mathématicien dont l'œuvre secrète impliquait l'usage de chiffres. La table des Aesir est très probablement un outil de chiffrage et de déchiffrage. On l'utilisait peut-être pour produire n'importe quel nombre de chiffres simples, comme lorsqu'on remplace chaque lettre du message. Par exemple, X pour A, Q pour B, J pour C, etc., donnerait le mot Jux au lieu de Cab ou peut-être quelque chose de plus complexe. Une fois admis que Dee cacha des œuvres chiffrées dans ses écrits magiques, il semble que le livre d'Enoch en fasse fatalement partie. Sa longueur semble plaider pour un message en chiffres et non pour la clé d'un code. La disposition en grille permettait alors d'éviter l'apparence de messages, et d'éloigner ainsi les curieux. La perspective d'être le premier à déchiffrer ce code était évidemment excitante. Dans ces pages devaient se cacher les secrets d'Elisabeth Ier, ou, comme aimait le penser Robert Turner, les résultats les plus importants des propres recherches occultes de John Dee. Le problème posé par le livre d'Enoch n'était pas aussi décourageant qu'il y paraissait. Les ordinateurs modernes éliminent la plus grande partie du travail mécanique qui consiste à fractionner les chiffres simples, et j'ai personnellement acquis une certaine expérience dans ce domaine. L'obscurité relative de Dee et le fait qu'il soit considéré plus comme un occultiste que comme un cryptographe ont éloigné l'attention de cet aspect de ses occupations. À son époque, tous les érudits de deuxième et troisième ordre inventaient un chiffrage nouveau et ingénieux. Francis Bacon, le premier, inventa un code d'une grande portée. Il vécut de 1561 à 1626, dit de 1527 à 1608. S'il avait été en rapport avec le travail sur le livre d'Enoch, nous pourrions supposer que les Baconiens seraient tombés sur le chiffre avec de grands cris de joie et auraient démontré que la toute première page contenait les versions codées des of Studies* et de *The Tempest*. Un ouvrage important dans le domaine de la cryptographie est le livre de Bacon, *The Advancement of Learning*, Londres, 1605, qui indique en détail son chiffrage à alphabet bilatéral. Le principe. Toute lettre peut être symbolisée par la combinaison de deux lettres seulement, ou de nombres, ou tout autre symbole préfigurant le code Morse international. A égale a. -A, 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 -A b égale a -A 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 b. C égale AAABA, -A -A -A, D égale AAABB, -B, E égale AAABAA, -A -A -A, Z égale BABBB. L'usage du A et du B minuscule est simplement un symbole mnémotechnique. En pratique, la différence est supposée être indiquée par des modifications minimes du caractère. Si un message est imprimé dans un mélange de caractères, que nous pouvons appeler caractère A et caractère B, nous le déchiffrons en divisant le texte en groupes de 5 lettres, en inscrivant A minuscule sous chaque lettre du caractère A majuscule et B minuscule sous chaque lettre du caractère B majuscule, et en interprétant à partir de la table de Bacon. Notons au passage que cette table omet le J et le U parce que, à l'époque de Bacon, ils s'écrivaient de la même manière que le I et le V respectivement. Pour mettre cette table à jour, il suffit d'intercaler les lettres J et U à leur place et de remonter le code, puis d'ajouter les deux codes BBAAA et BBAAB à la fin, qui correspondront maintenant au Y et au Z. Voilà l'exemple que Bacon nous fournit lui-même avec des caractères très différents afin d'obtenir une grande clarté. Le caractère A majuscule est en caractère normal et B majuscule est en italique. Son message chiffré est Stay till I come to you. En mettant b minuscule pour chaque lettre écrite en italique et a minuscule pour les autres, on obtient aabab aabab AB,ABA, -B -A -B a -B, -A b a b a b b a b b si on laisse de côté les deux curieux bébés qui se trouvent à la fin, et si l'on compare au tableau de Bacon, on voit que le message réel est simplement ⁇ Fly ⁇ Je trouve passionnante cette forme de chiffrage par l'usage qu'elle fait du système binaire. Un auteur de science-fiction, H. Beam Piper, dans son ouvrage Omnilingual, observait un jour que la véritable pierre de rosette universelle est la table périodique des éléments. Toute civilisation raisonnablement avancée au niveau scientifique devra classer les éléments de cette façon et d'aucun autre, et un coup d'œil rapide sur l'un de leurs livres nous donnera tout de suite le mot convenant à chaque élément. À un niveau moins élevé, il y a des schémas mathématiques si répandus qu'ils apparaissent même s'il ne s'agit pas alors de mathématiques. Le système binaire, par sa grande simplicité, est l'un de ceux que l'on retrouve partout. Pour utiliser le système binaire, on ne prend que des 0 et des 1. 0 est un 0, 1 est un 1. 2 s'écrit 1 0, 3 1 1, 4 1 0 0, 5 1 0 1, etc. Nous pouvons prendre des nombres binaires à 5 chiffres comme suit. 0 0 0 0 0, 0 0 0 0 1, 0 0 0 1 0, 0 0 0 1 1, 0 0 1 0 0, 0 0 1 0 1. Cela est exactement la même chose que la table d'équivalence de Bacon si l'on remplace A minuscule par 0 et B minuscule par 1. Si nous utilisons des nombres binaires à 6 chiffres, que nous substituons un trait vertical interrompu à chaque 0, nous arrivons aux 64 hexagrammes du Yiking, l'ancien livre de change utilisé dans la divination chinoise. Cet agencement binaire des hexagrammes a été découvert par Fu Xi au XIe siècle, ce qui a conféré au système un pédigré honorable. Ce fut également une grande surprise pour le mathématicien Leibniz, qui inventa le système binaire numérique à la fin du XVIIe siècle. Le système binaire est universel, car c'est celui dont l'agencement est le plus simple, puisqu'il ne faut que deux symboles. Il est parfois encombrant, bien sûr, lorsque vous atteignez 2 puissance 15, 32 768. Le chiffre binaire équivalent est 1 0 0 0 0 0 Mais souvent, très pratique. En utilisant chaque doigt pour représenter un nombre binaire de 10 chiffres, en l'air pour 0 et appuyé sur la table pour 1, on peut compter jusqu'au nombre 1023, nombre binaire 1 1 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, sur les deux mains, ce qui est beaucoup plus que le chiffre 10 habituel. Le système présente un intérêt particulier avec les ordinateurs. Il serait très peu pratique de conserver, disons, 10 niveaux de tension différents représentant les chiffres de 0 à 9. Avec le système binaire, toute ligne donnée doit seulement être on ou off, 1 ou 0. Fondamentalement simple, les ordinateurs sont de gigantesques machines à faire des additions. Lorsqu'on ajoute deux nombres binaires, la règle est simplement 0 plus 0 égale 0, 1 plus 0 égale 1, 1 plus 1 égale 0 et je retiens 1. Le principe de soustraction est toujours aussi simple. Les multiplications et les divisions s'obtiennent en faisant plusieurs additions et soustractions on peut faire d'autres calculs d'après le résultat de ces opérations enfin on arrive à des ordinateurs qui en combinant des millions et des millions de ces opérations simples paraissent presque intelligents alors qu'ils ne font que suivre un programme d'action qui a été introduit par un être humain ordinaire si on se penche sur un cas particulier un ordinateur peut s'attaquer à un codage de substitution en se servant du genre de mécanisme d'approche suggéré par edgar allan poe dans the gold bug ou moins complet et plus épuisant par Conan Doyle dans The Dancing Men, The Return of Sherlock Holmes. Cette méthode semble très familière. On commence par compter combien de fois chaque symbole revient, et, en supposant que le texte chiffré est aussi long pour que s'appliquent les statistiques habituelles de la langue anglaise, on peut alors dire avec une quasi-certitude que la lettre qui revient le plus souvent représentera la lettre E. Théoriquement, on peut poursuivre et attribuer les six symboles suivants par ordre de fréquence comme représentant, dans l'ordre, les lettres T, A, O, I, N et S. Mais, pratiquement, ces lettres reviennent avec une fréquence si semblable que tout message donné, s'il n'est pas d'une longueur interminable, contiendra suffisamment de variations statistiques pour brouiller complètement le résultat. On peut considérer que ces symboles ne représentent pas des lettres rares Q, J, X, Z, par exemple, par ordre décroissant de fréquence. De même que les symboles peu fréquents ne représentent sans doute pas E T A O I N S. Il est alors temps de considérer chaque mot du texte. Un mot qui revient fréquemment, à trois lettres et se termine par un E est probablement le mot the. Les mots d'une lettre sont sûrement hi et hey, etc. Signalons au passage que cet ordre de lettres dit peut-être quelque chose au lecteur pour d'autres raisons. E T A O I N S. Les claviers de machine à composer sont disposés suivant la fréquence d'utilisation des lettres, de telle sorte qu'en lisant de haut en bas les deux premières colonnes, on obtient Etaoin, Cette incantation mystique apparaît parfois dans un journal. Les compositeurs d'imprimerie essayent leur machine en laissant courir un doigt sur ces deux colonnes, et parfois, ces lettres apparaissent sur le papier. Mais cette approche peut être complètement brouillée en trafiquant les statistiques d'un message. Voilà ce que l'on trouve au chapitre 4 de The Origin of Evil 1951 Delevery Queen. You believe me dead, killed, murdered, or ever a score of yours I have looking for you, for you and for him, and now I have found you. Can you guess my plan? You'll die. Quickly? No, very slow. Si cela avait été traduit en code, je crains que cette simple analyse de fréquence n'ait échoué complètement. La sonorité étrangement ampoulée de cette prose vient de ce que l'auteur s'efforce d'éviter l'emploi de la seconde lettre la plus utilisée de la langue anglaise. Le passage ne contient pas un seul T. On peut aller encore plus loin dans ce domaine. Dans un roman intitulé Gatsby, He, V. Writes », Los Angeles, 1939, qui compte environ 50 000 mots, il n'y a pas un seul E. L'auteur proclame fièrement dans l'introduction que la barre du E a été attachée pour éviter qu'un seul E ne se glisse dans le texte. Ce livre, noté White, right, peut être d'un grand secours aux écoliers pour leur rédaction en anglais. Cela ne fait aucun doute. Cette forme de jeu peut être utilisée autrement, bien entendu, comme dans Heath's Legend de Lord Holland, 1824, dans lequel le E est la seule voyelle utilisée. L'approche statistique de la cryptoanalyse est aussi jonchée de périls. Mais le pire dans ce travail, c'est de se rendre compte que, pendant plusieurs jours, on a fait fausse route. Grâce à l'ordinateur, ce péril est limité au minimum. On laisse échapper un juron et on modifie légèrement la programmation. L'ordinateur, docile, incroyablement rapide et précis, travaillera sur le problème aussi souvent qu'il le faudra, faisant exactement ce qu'on lui demande. J'ouvre ici une parenthèse pour donner un exemple de l'approche absolument mécanique du déchiffrage. Dans ce dessin, j’ai chargé l’ordinateur avec un programme très simple, encore que très long, appelé Cryptan 4, qui aborde un manuscrit chiffré uniquement par les statistiques et les rapports simples des lettres dans l'anglais de base. Il présente plusieurs faiblesses. Le texte d’entrée doit déjà être divisé en mots et une mauvaise impression ou des fautes d'orthographe risque de perturber complètement une machine programmée avec Cryptan 4. C’est cependant un exemple utile et une introduction au programme beaucoup plus complexe j'ai choisi comme entrée une strophe au hasard dans l'œuvre de Swinburne. On a utilisé un code de substitution pour produire, à partir de ce texte, les mots se trouvant en haut de la feuille qui suit. C'est une reproduction d'un véritable document. L'ordinateur imprime ses décisions au fur et à mesure et met continuellement à jour sa traduction. Des notes figurent à la suite de la feuille d'ordinateur. Je dirais simplement que ne veut dire n'est pas égal à, de sorte que la ligne a, ne, I J Q V signifie j'ai décidé que la lettre A du manuscrit ne représente ni I ni J ni Q ni V. Les lecteurs aimeront peut-être essayer de suivre la logique qui se cache derrière chaque décision de l'ordinateur. Il faut se souvenir que ce programme simple présente une vue de la langue anglaise également très simplifiée. L'explication de quelques-unes des premières décisions permet de montrer le type de logique utilisé par la machine. La conclusion initiale A n e i q v résulte de ce que dans le chiffre A apparaît à la fin d'un mot. Les mots anglais ne se terminent jamais par I, J, Q et V. Il est clair que la simplification excessive intervient déjà. S'il était venu à l'idée de la muse de Swinburne de parler du beriberi ou de l'ocapi, le programme aurait retenu une hypothèse erronée. A la ligne suivante, b n e t a, O, I, N, la décision est que B ne représente pas l'une des six lettres les plus courantes de la langue anglaise. Ceci parce que B n'apparaît pas une seule fois dans le chiffre. Chaque hypothèse est éliminée pour une raison de ce genre. Après avoir effectué ce travail préliminaire, l'ordinateur imprime un tableau de l'alphabet sans donner jusque-là une correspondance pour aucune des lettres. Bien qu'il ait déjà déterminé que les lettres F, G, I et Q représentent des consonnes, Moins 1 entre parenthèses Et L une voyelle. 1 entre parenthèses. Moins 0 signifie je ne sais pas. L doit être soit un i, soit un a, puisqu'il apparaît sous la forme d'une lettre seule. Le tableau suivant regroupe ce qui a déjà été établi. Ainsi, la première ligne indique que A ne peut pas signifier i, j, q, v, x. Suis une table de fréquence d'utilisation de chaque lettre. La machine choisit alors la plus fréquente, C et considère qu'elle représente un e dès que l'on connaît une ou plusieurs lettres il est possible de procéder à des essais d'association ainsi un mot de deux lettres se terminant par un e peut être en anglais usuel bi hi mi WI, ou peut-être yi et la machine délimite des associations en conséquence e étant connu l'ordinateur recherche une combinaison probable pour représenter the et la découvre L'analyse se poursuit de façon imperturbable, comme le montrent les messages qui apparaissent à chaque étape. Les derniers tableaux apportent une solution pratiquement complète, seules quatre lettres supplémentaires qui n'apparaissent même pas dans le texte. Encore faut-il noter que dans la traduction finale incomplète, les lettres manquantes B, P, V, Y sont immédiatement fournies par le contexte. L'ordinateur nous a épargné beaucoup de travail en allant jusque-là, mais il ne peut combler ses vides à partir de l'information très limitée qui lui a été fournie. On peut lui indiquer des règles simples, dogmatiques. Par exemple, qu'une lettre double ne sera jamais A, H, I, J, K, Q, U, V, W, X ou Y en anglais. Mais s'il n'a pas tout un dictionnaire en mémoire et un moyen de comprendre le contexte du message, il ne verra aucune raison pour que la lettre manquante du mot E, point d'interrogation IL, soit V plutôt qu'un B, un P ou un Y. En fin de compte, il faut toujours l'intervention de l'intelligence humaine. Avant que ne commence cette analyse par ordinateur, les 100 tableaux du livre d'Enoch, à l'exception du tableau vide, ont été chargés en mémoire. Une fois transcrits sur les disques magnétiques de la machine, ils étaient immédiatement accessibles au programme de déchiffrage. Je commençais par l'approche directe indiquée plus haut, sans grand espoir de succès puisque, si Dee n'avait pas témoigné d'une plus grande ingéniosité, ce chiffre aurait sûrement été percé depuis longtemps. On peut lire une grille de symboles de plusieurs façons. La plus évidente consiste à commencer dans le coin en haut à gauche et à lire la grille colonne par colonne dans le sens vertical ou par rangée horizontale. Si cette méthode n'est pas la bonne, il faut peut-être partir de l'un des trois autres coins. Le message peut être disposé en spirale vers le centre ou à partir du centre. Il est possible d'imaginer des dispositions d'une complexité croissante, une suite de carrés reliés par le déplacement de cavaliers, comme au jeu d'échecs un cavalier passe par chaque case de l'échiquier qu'une seule fois, de façon successive et régulière ou des parcours encore plus déviés qui suivent la fantaisie de l'auteur du chiffre. Il existe des systèmes encore plus ingénieux il faut aller d'un tableau à l'autre en prenant le premier symbole de chaque tableau dans l'ordre ou en ordre inverse, puis le second symbole de chaque tableau, etc., avec les innombrables façons de définir le premier et le second. Le chiffre peut présenter des lettres factices, seul un symbole sur 2, ou sur 3, ou sur X, faisant vraiment partie du message. Et de plus, bon nombre de grilles sont en forme de losange et non de carré, ce qui suggère qu'il convient parfois, ou toujours, de lire en diagonale. Heureusement, l'ordinateur s'est chargé de la tâche ardue consistant à vérifier toutes les possibilités, contrôlant tranquillement chaque séquence de lecture que je pouvais imaginer et appliquant de nombreuses fois une simple approche de déchiffrage, sans succès. Ce travail fastidieux étant achevé pour l'anglais, le processus se répétait avec d'autres langues pour lesquelles existaient des tables de fréquences et des listes de mots-clés. Ces langues étaient choisies en tenant compte de l'inclinaison probable de John Dee, le latin, langue des érudits de cette époque, avant tout autre. Le français et l'espagnol furent également essayés, ainsi que l'allemand. Tout cela était fort délicat, et l'équipe d'informaticiens commença à perdre patience lorsque je m'avisais que, pour être exhaustif, il nous fallait fabriquer nos propres tableaux de fréquences et tout le reste pour l'énokien, langue propre de Dee. Tous les passages importants écrits en enochien furent introduits dans la machine pour déterminer la fréquence des lettres, les associations intéressantes, etc. Nous nous sentîmes tous découragés lorsque cette analyse de l'enochien se révéla aussi vaine que les autres. Ainsi, après huit mois de travail, je réalisais que ma contribution au savoir universel se résumait à l'apport suivant Le Liber Logate ou Book of Enoch n'est pas écrit dans un chiffre de substitution d'une langue connue de John Dee. La phase suivante, l'approche simple ayant été écartée, est une nouvelle analyse du texte, cette fois pour rechercher un code plus sophistiqué ne dépendant pas uniquement d'un chiffrage lettre à lettre. L'une des méthodes les plus pratiques et les plus complexes, la méthode appelée chiffre Playfair, repose sur des associations de lettres. Prenons par exemple le mot Necronomicon. Dans le chiffre de substitution directe utilisé précédemment, il devient ICVNJIJH. T, V, J, I, chacun des trois N étant représenté par le I correspondant. Si l'on utilise la méthode PlayFor, le mot codé devient par exemple Q, O, L, B, A, W, L, N, K, E, A, W. Si l'on suppose que ceci veut dire Necronomicon, la comparaison montre que, bien que le second et le troisième N soient apparemment représentés par W, le premier devient Q. Voyant cela, un cryptoanalyste perspicace pourrait deviner qu'un chiffre reposant sur des paires de lettres a été utilisé et qu'ainsi le ne initial devient QO et que le dernier ON devient AW. Nous ne devons pas pour autant inscrire une correspondance pour chacune des 676 paires de lettres possibles dans la langue anglaise. Curieusement, le chiffrage et le déchiffrage peuvent se faire en utilisant simplement un petit tableau comme indiqué là-dessous. Ici, le mot clé est Lovecraft. Après quoi, les lettres de l'alphabet suivent dans l'ordre. I et J sont dans la même case pour que l'alphabet tienne dans le carré. Le chiffrage est rapide et dépend de la position relative des lettres dans cette petite grille. Voilà comment a été retranscrit le mot Necronomicon. Imaginons un rectangle avec N et E dans les coins opposés. Si l'on se réfère au carré, les autres coins auront O et Q. NE devient donc QO et non pas O, Q, puisque la convention est de lire dans le même sens vertical que la lettre originale. E, N serait représenté par O, Q, en lisant cette fois la grille vers le haut. De la même manière, C, R devient L, B. O, N pose un problème puisque les lettres se trouvent dans la même colonne. La convention est de prendre la lettre se trouvant en dessous de chacune dans le sens vertical. Ainsi, O, N devient AW. Pour une paire se trouvant dans la même rangée, LE par exemple, nous aurions pris la lettre suivante à la droite de chacune, OC. Si nous nous étions trouvés devant un nombre impair de lettres, nous aurions ajouté un X ou une autre lettre arbitrairement choisie pour remplir le message. Les lettres doubles ne peuvent être codées comme une paire et doivent être séparées par une lettre supplémentaire avant le chiffrage. Avec la clé, le message original est restitué en suivant exactement la même méthode. Sauf que pour les lettres de la même rangée ou de la même colonne, nous inversons le processus en prenant la lettre située à gauche et au-dessus, respectivement. Les lettres supplémentaires introduites pour les raisons indiquées ci-dessus sont facilement éliminées. S'il ne dispose pas de la clé, le crypto-analyste a deux possibilités. S'il connaît, on peut deviner en partie le sujet du message. Il peut associer son intuition à l'analyse pour reconstruire une clé. Cette méthode est exposée très plaisamment par Dorothy Sayers au chapitre 38 de son roman Have His Carcass. Lord Peter Wimsey aurait eu beaucoup de difficultés si le personnage malfaisant n'avait pas ajouté obligeamment une date et une adresse chiffrées en haut de sa lettre. Disons au passage que je ne cherche aucune excuse pour avoir cité des romans policiers en référence. Ils sont beaucoup plus faciles à trouver que les textes savants de cryptoanalystes et exposent généralement leurs thèses avec beaucoup plus de lucidité. Mais si le cryptoanalyste travaille plus ou moins dans le noir, il se voit forcé d'en revenir aux méthodes brutales de déduction statistique. Laissant de côté les tableaux de fréquences de lettres, il se tourne maintenant sans plaisir vers les tableaux beaucoup plus longs indiquant les fréquences relatives des paires de lettres. En anglais, en latin, en français, en espagnol et ainsi de suite jusqu'à l'énokien. Une fois encore, nous avons dû préparer nos propres tableaux. Pas la peine de décrire ce travail en détail. Tous les moyens possibles permettant de lire le livre d'Enoch furent à nouveau essayés, comme il l'avait déjà été. La conclusion définitive fut que le texte n'était pas réalisé dans un chiffre de substitution par paire de lettres. Avec un enthousiasme mitigé, j'entrepris de considérer les chiffres dans lesquels une lettre donnée du message est représentée par plusieurs symboles dans le chiffre. Par exemple, la méthode de Bacon demande 5 fois plus de lettres dans le chiffre que le texte original, le livre ayant au total un peu plus de 240 000 caractères de l'ordre de 40 000 mots, un roman moyen en ayant 60 000. Nous étions évidemment assez déçus de penser que ce livre se réduisait peut-être à quelques milliers ou à quelques centaines de mots. Pourquoi ne pas coder ici la différence entre un chiffre et un code dans un code, un mot peut très bien représenter des phrases entières du texte original, le code étant basé sur des associations arbitraires qui doivent être inscrites dans le livre de code, indispensable à la fois au codage et au décodage. Toute idée qui ne figure pas dans ce livre ne peut figurer dans le code. Généralement, lorsque cela arrive, les mots supplémentaires doivent être épelés lettre par lettre dans le chiffre prévu à cet effet. Un chiffre repose généralement sur un principe simple, un petit tableau ou une formule brève. Un code peut couvrir autant de volumes que son auteur le juge utile pour répondre aux besoins. En tant que message chiffré, le mot ICVNJIJHTVJI peut être traduit lettre par lettre et donné Necronomicon. En tant que message codé, il pourrait signifier n'importe quoi, pourvu que cela figure dans le livre de code en face de ce mot. Lequel, à lui tout seul, pourrait vouloir dire plusieurs phrases. Une lettre erronée impliquerait une lettre erronée dans le message chiffré. Avec un code, elle entraînerait une profonde modification du sens du message, en amenant le lecteur à une référence complètement inexacte du livre de code. Je préférerais croire que les tables de dix ne constituaient pas un code. D'abord, on n'a jamais retrouvé de livre de code et on n'en a jamais entendu parler. D'autre part, le goût de dit et la tendance à son époque allaient plus aux chiffres qu'aux codes. En règle générale, l'analyse vient toujours à bout d'un chiffre alors qu'un code est parfois récalcitrant. Cette règle s'applique parfaitement à tous les chiffres du XVIe et du XVIIe siècle. Il existe maintenant des chiffres pratiquement indéchiffrables. Ils reposent sur des concepts mathématiques appelés fonctions trappes à une voix. On réduit par ordinateur l'ensemble du message à une série de chiffres qui sont traités de telle sorte que, sans les chiffres-clés convenables, le chiffre ne peut être élucidé, sauf peut-être par une analyse par ordinateur qui prendra véritablement des années. Le plus curieux est que la connaissance de la méthode permettant de déchiffrer le message ne permet pas de le déchiffrer. Mais je me suis vite convaincu que John Dee, en avance sur son époque par bien des côtés, ne disposait tout de même pas des raffinements de la théorie des nombres, ni des ordinateurs sophistiqués indispensables à ce chiffrage définitif. Pour ce qui est des chiffres par des lettres multiples, ceux dans lesquels une lettre du message est représentée par plusieurs lettres dans le texte chiffré, je commençais par celui de Bacon. Nous supposions bien entendu que si D utilisait un chiffre de ce genre, il ne suivrait pas fidèlement le tableau de Bacon, déjà reproduit, mais construirait sa propre version. Ainsi, la méthode statistique simple entrait en jeu après que le texte original ait été subdivisé en groupes de 5, puis, d'une façon ou d'une autre, en groupes équivalents de A et de B. Ici, rien de mystique concernant le chiffre 5. Mais avec deux symboles différents, il y a 32 façons de constituer un groupe de 5, nombre beaucoup plus élevé que le nombre de lettres de l'alphabet, qu'ils soient anglais, grec ou énoquien. Avec un groupe de 4 lettres/symboles seulement, on n'obtient que 16 permutations et il n'est pas possible d'exprimer tout l'alphabet. Le code Morse international exprime toutes les lettres de l'alphabet sans utiliser de combinaisons de traits et de points de plus de 4 signes. Mais le code Morse utilise effectivement trois symboles, le point, le trait et la pose. Sans les pauses indispensables entre les lettres, le Morse est indéchiffrable. Dans la méthode de Bacon, le problème majeur est le critère à utiliser. Dans le texte, tout est supposé représenter un gigantesque système de fourvoiement, tout sauf le détail discret qui distingue la lettre A des lettres B. Comme indiqué précédemment, Bacon préconisait une infime différence dans les caractères. Mais le livre d'Enoch étant entièrement manuscrit, le caractère ne peut faire la différence. Cependant, il pourrait exister des points de variation dans le manuscrit. La signification des voyelles elles-mêmes pourrait également être importante. Par exemple, si l'on considère le texte comme un assemblage anarchique de lettres, le nombre des voyelles est beaucoup trop élevé. Aussi, la première démarche, la plus évidente, était de considérer la dualité consonne-voyelle en mettant un A pour chaque consonne et un B pour chaque voyelle, en regroupant les lettres par 5 dans tous les agencements possibles dont nous avons déjà parlé, et en étudiant ce que la méthode statistique pourrait révéler pour chacun. Un problème se posait d'emblée, la représentation identique du I et du J. Un I était une consonne ou une voyelle. On demanda à l'ordinateur d'envisager les deux possibilités, ce qui augmentait encore la longueur et le coût de l'analyse. Mon respect peu enthousiaste pour dit augmenta lorsqu'il s'avéra que la solution se trouvait ailleurs. La dualité consonne-voyelle était très évidente et j'attendais sûrement quelque chose de plus raffiné de sa part. L'analyse suivante reposait sur une notion topologique. Nous appelâmes A, les lettres qui comportaient une boucle fermée, B, O, P, Q, et B, celles qui n'en comportaient pas, C, R, S, T. Ceci entraîna de nouveau des complications immédiates car, du fait des imperfections de l'écriture de Kelly, les lettres variaient souvent à ce niveau. Il fut d'abord nécessaire d'effectuer des passages machines reposant sur la valeur théorique de chaque lettre, puis, ce qui est beaucoup plus fastidieux, d'introduire la valeur réelle, de sorte que, par exemple, la lettre D pourrait être un A ou un B, suivant que la boucle a été fermée ou pas. Là encore, après beaucoup d'efforts, le déchiffrage se solda par un échec. Dans cette analyse, le plus difficile était de savoir où s'arrêter. On aurait pu continuer à l'infini, en suivant des variations de plus en plus subtiles, mais j'étais convaincu que la différence devait être très nette. Dans le cas contraire, Dee aurait réalisé lui-même le manuscrit et n'en aurait pas confié la rédaction à un homme tel que Kelly. Jusque-là, nous avions effectué l'analyse sur des photocopies du manuscrit original. Nous persuadâmes alors, non sans difficulté, le British Museum de nous autoriser à photographier les originaux par ultraviolet et infrarouge et à les examiner au microscope pour déceler toutes les variations, dans l'encre par exemple, qui s'étaient peut-être estompées avec le temps ou n'apparaissaient pas à la photocopie. Nous ne trouvâmes rien d'intéressant. Nous imaginâmes d'autres différences. Les lettres pouvaient être au début ou à la fin de l'alphabet elles pouvaient être en position paire ou impaire dans l'alphabet et, avec un peu d'imagination, on pouvait les trouver inclinés à gauche ou à droite. Avant de passer à des méthodes de déchiffrage encore plus sophistiquées, je pris le temps d'examiner la disposition en grille du livre d'Enoch. J'allais jusqu'à considérer qu'elle apportait une aide concernant l'ordre des caractères du manuscrit, puisque, sans grille, le traçage initial aurait été beaucoup plus difficile. Du fait de cette disposition, chaque lettre de chaque tableau se trouve dans son propre petit carré, et parfois, à nouveau, J'examinais les lettres du manuscrit. Une différence sautait aux yeux. Parfois, la lettre touche le petit carré qui la renferme, et parfois, non. Un critère de différence très simple apparut ainsi. Les lettres touchant le carré sont des A, toutes les autres sont des B. On introduisit dans l'ordinateur l'information voulue sur cette distinction, et il recommença d'examiner minutieusement d'innombrables approches de ce problème. Triant en séquence, faisant l'analyse statistique, en voyant des hypothèses linguistiques et, au moment voulu, plusieurs pages du livre d'Enoch furent déchiffrées. C'était plus un premier point acquis qu'une révélation totale. La traduction du groupe de A et de B en texte clair était la même à travers tout le livre. Pourtant, le sens de lecture variait. Généralement, il fallait lire le texte chiffré en suivant une spirale dirigée vers l'intérieur et partant d'un point variant sur le périmètre de chaque tableau. Un tableau comportait également des caractères magiques de nombres qui ne faisaient pas partie du message chiffré et que l'analyse devait laisser de côté. L'ingéniosité dont avait témoigné Dee, responsable de la dépense de milliers de livres en frais d'analyse, aurait sans doute découragé tout cryptoanalyste ne disposant pas du matériel moderne. Cet homme mérite le respect. Le dernier piège imaginé par Dee consiste dans la construction du premier tableau. Autant que je puisse en juger, il est réellement le non-sens que le reste du manuscrit prétend être. Si l'on commence logiquement à la page 1, le texte risque bien de résister à l'analyse. Heureusement pour moi, j'ai considéré le texte dans son entier pour mon approche statistique. Sans l'aide d'un ordinateur, je me serais sans doute enlisé dans le premier tableau. Encore que Di ait renoncé à ce jeu en se permettant un mystérieux commentaire sur cette page du livre sacré qui représentait un chaos. J'avoue ma stupéfaction devant les traductions réalisées par l'ordinateur. Étant peu familiarisé avec l'œuvre de H.P. Lovecraft, je crus d'abord un canular de l'équipe d'informaticiens qui avait tant souffert, ou peut-être de Robert Turner lui-même. Puis je compris que cette découverte présentait un intérêt historique considérable. Je me dois donc rappeler au lecteur. Qu'elle est due également à l'équipe d'informaticiens et à ma femme, Azel, dont les connaissances linguistiques nous ont valu plusieurs clés intéressantes dans l'établissement de la traduction définitive. Elle nous rappela par exemple l'effet Oushfa, intitulé ensuite Roi Oushfa, qui bouscula toute la chronologie égyptienne jusqu'à ce que l'on découvre qu'il s'agissait là de l'annotation d'un scribe. Oushfa signifiait un vide sur le manuscrit. Les manuscrits égyptiens comportent souvent ce genre de notes mystérieuses. L'une d'elles revient très fréquemment, partie dévorée par les vers. En fait, le livre d'Enoch est incomplet, comme on pouvait s'en douter, à cause des tableaux vides se trouvant à la fin du livre. Mais aussi, il est fragmentaire. Robert Turner a séparé les phrases qui forment les titres des chapitres et a tiré d'autres titres du texte lui-même. Il a aussi contribué à compléter les noms occultes et les références altérées par la transcription. L'encre a pâli rendant plusieurs interprétations un peu douteuses, et Kelly a commis quelques erreurs de son côté. Le texte compréhensible comporte environ 7000 mots. Le chiffrage de ce manuscrit sera expliqué en détail dans le rapport que je prépare actuellement. Ce rapport, se voulant d'intérêt général, ne revêtira pas un aspect trop technique. De ce fait, il est difficile de discuter en détail des carrés magiques de nombres figurant dans l'ouvrage. Ceux-ci se sont avérés contenir des programmes de construction des diagrammes, qui font partie du livre. A partir de l'exemple du chiffre béconien déjà cité, on se souviendra que le texte d'un chiffre peut avoir une signification tout à fait différente du message réel. Ainsi, bien que, à première vue, les tableaux ne veuillent rien dire, certains présentent des dispositions de lettres qui, lues dans l'ordre indiqué dans les carrés magiques, produisent les diagrammes qui apparaissent dans le texte traduit. En tant qu'humble cryptographe, qui, largement aidé, a eu la chance de pouvoir traduire en anglais le Liber Logate de Dee, il ne me revient pas de commenter les étranges implications de ces fragments. Heureusement, car je ne saurais par où commencer. Fragment du Necronomicon, déchiffré à partir d'un cryptogramme élisabétain unique par David Langford. Adaptation et avant-propos de Robert Turner. Dans la présentation du texte, j'ai suivi scrupuleusement l'ordre original indiqué dans le cryptogramme de John Dee. Lorsque manquaient des titres de chapitre, j'ai proposé un titre résumant l'esprit du chapitre considéré. Seules quatre parties sur dix-huit ne présentaient pas de titre. J'ai proposé les titres suivants. Des différents signes, la voix de Hachtour, de Kadat l'inconnu, et pour évoquer Yoxotos. Chapitres 4, 10, 13 et 14 respectivement. Les raisons pour lesquelles j'ai adopté ces titres apparaîtront clairement à la lecture des chapitres concernés. Pour éviter la confusion à laquelle on se heurte invariablement lorsqu'il s'agit de manuscrits réalisés avant la standardisation de l'écriture, j'ai adopté un système qui, je crois, rend fidèlement le ton et le climat du texte original tout en présentant les avantages de l'anglais moderne. Les variations d'orthographe étaient aussi un facteur important pour rendre les noms des différentes entités. Yoxotos devient. Yuxogot, jogshotot »,« ashtur » devient « Eishtir, ishtr »« aastur »,« tulu » devient « ketru », etc. Aussi, pour obtenir un maximum de cohérence et de compréhension, je m'en suis tenu, dans tous les cas, à l'orthographe adoptée par les spécialistes modernes des mythes de Cthulhu. Lorsque le texte présente des diagrammes, ils proviennent de l'une des quatre sources suivantes. Premièrement, des descriptions fort complexes données dans le chiffre. Deuxièmement, du système de carré magique, se trouvant dans le cryptogramme, reposant sur une clé numérique indiquant l'ordre nécessaire des lignes d'interconnexion utilisées pour construire les figures linéaires indiquées dans le texte. Troisièmement, de plusieurs ouvrages de magie indépendants auxquels le cryptogramme fait référence. Les clavicules de Salomon et les trois livres de la philosophie occulte de Cornelius Agrippa en sont les principaux. Enfin, une combinaison des trois méthodes indiquées ci-dessus. Les diagrammes du cercle de pierre et de signes qu'il faut donner proviennent de la première source, chapitres 3 et 4. L'alphabet de Nuxot et la formule de Dohna, le signe le plus ancien et l'emblème de Cote, proviennent de la seconde source, voir chapitres 9, 18 et 4. Par la troisième méthode ont été obtenus les caractères de Mars et de Saturne donnés dans l'encens de Scoba, chapitre 5. Et de même, les symboles à graver sur le cimetère de Barzai, chapitre 8, proviennent d'un manuscrit du XVIe siècle de la clé de Salomon. Tous les autres diagrammes ont été obtenus par la quatrième méthode. Ainsi, la forme générale du cercle d'évocation du quatorzième chapitre résulte du système de carrés magiques, les lignes ayant été tracées d'un point à un autre conformément aux indications. Les symboles planétaires et zodiacaux occupant les angles de l'octogramme et le dessin des constellations Aldebaran, Caputalgol, Cor Scorpi et les Pléades proviennent du deuxième livre de la philosophie occulte de Cornelius Agrippa, pages 320 à 323. L'inscription sur le talisman de Ye est le mot orca inscrit dans l'alphabet de Icus le Devin et provenant, comme nous l'indique le cryptogramme, de polygraphie de l'abbé Tritemius. Du fait que Tritemius et Agrippa utilisaient tous deux un symbolisme provenant de sources incroyablement anciennes, les références qui, dans le chiffre, sont faites à Polygraphie et aux trois livres de la philosophie occulte. Deux ouvrages du XVIe siècle ne renseignent guère sur l'âge réel du Necronomicon. De même, beaucoup d'emblèmes et de caractères que l'on trouve dans La Clé de Salomon ont une origine inconnue et sont certainement antérieurs aux premières versions connues de l'ouvrage. Tout ce que l'on peut dire, c'est que l'existence d'une Necronomicon implique la survivance d'une tradition qui remonte très loin dans un passé obscur, mais jusqu'où nous ne le saurons peut-être jamais. Robert Turner. Al-Azif, le livre de l'arabe, Abdul Al-Azred, 730, à Damas. Chapitre 1 Des anciens et de leur descendance. Les anciens furent, sont et seront. Des étoiles obscures, ils vinrent là où l'homme était né, invisible et repoussant. Ils descendirent sur la terre primitive. En dessous des océans, ils couvèrent au cours des âges jusqu'à ce que les mers se retirent. Puis ils pullulèrent et, dans cette multitude, commencèrent à régner sur la terre. Sur les pôles glacés, ils édifièrent de puissantes cités et sur des hauteurs, les temples de ceux que la nature ne reconnaît pas et que les dieux ont maudits. Et leur descendance envahit la terre et leurs enfants souffrirent à travers les âges. Ils ont construit de leurs mains les huttes de Leng, et les entités terrifiantes qui demeuraient dans les voûtes primitives de Zin les reconnaissaient comme leurs dieux. Ils ont engendré le Hahag et les entités lugubres qui règnent sur la nuit. Le grand Cthulhu est leur frère, les Shogot velus leurs esclaves. Les Dolls leur rendent hommage la nuit dans la vallée de Pnut, et Gugs chantent leurs louanges sous les cimes de l'ancien Troc. Ils ont marché au milieu des étoiles et ont parcouru la terre. La cité d'Irem dans le grand désert les a connus. L'Ing les a vus passer dans le désert glacé, et la citadelle sans âge dressée sur les hauteurs couronnées de nuages de Kadath. L'inconnu porte leur marque. Les anciens ont avidement foulé les chemins des ténèbres, et leurs blasphèmes ont inondé la terre. La création tout entière s'est inclinée devant leur puissance, et a reconnu leur perversité. Et les dieux plus anciens ouvrirent les yeux, et constatèrent les abominations de ceux qui ravageaient la terre. De leur colère, ils se dressèrent contre les anciens qui demeurèrent dans leur injustice et les rejetèrent de la terre dans le vide en des espaces où règne le chaos et qui n'habitent aucune forme. Et les dieux plus anciens apposèrent leur emblème sur le grand porche et les anciens ne purent rien contre sa puissance. Alors l'affreux Toulou surgit des profondeurs et entra en fureur contre les gardiens de la terre. Et ils lièrent ses griffes vénéneuses par de puissantes imprécations et l'enfermèrent dans la cité de Lié. Où, ensevelis sous les vagues, ils dormiraient et rêveraient de la mort jusqu'à la fin des temps. Et derrière ce porche vivent maintenant les anciens, non pas en des espaces connus des hommes, mais dans les espaces qui les séparent. Hors des sphères terrestres, ils errent et attendent toujours le moment du retour, car la Terre les a connus et les connaît à jamais. Ces anciens considèrent comme leur maître Azatoth, le fou informe, et demeurent avec lui dans la caverne noire qui se trouve au centre de l'infini. C'est là qu'il dévore voracement, dans un chaos total, au milieu du battement d'aimants des tambours cachés, le son discordant d'horribles flûtes et les hurlements incessants de dieux aveugles et idiots qui se traînent et gesticulent sans but pour l'éternité. L'âme de Yazatoth se trouve à Yoxotos et fera signe aux anciens lorsque les étoiles indiqueront qu'est venu le moment du retour. Car Yoxotos est le porche par lequel passeront ceux qui peuplent le vide lorsqu'ils reviendront. Yoxatos connaît les dédales du temps, car le temps est un pour lui. Il sait d'où les anciens sont sortis, en des temps reculés, et d'où ils sortiront lorsque le cycle recommencera. Après le jour, vient la nuit. Le temps des hommes passera, et ils retourneront là d'où ils sont venus. Vous saurez alors qu'ils n'étaient qu'impuretés, et, maudits, ils auront souillé la terre. Chapitre 2 Des époques et des saisons à observer. Chaque fois que vous voudrez appeler ceux qui sont ailleurs, vous devrez noter convenablement les saisons et les époques pendant lesquelles les sphères se recoupent et le flot d'influence venant du vide. Vous devez observer le cycle de la Lune, les déplacements des planètes, la course du Soleil à travers le Zodiaque et l'ascension des constellations. Les rites ultimes ne seront accomplis que pendant les saisons qui leur correspondent, à savoir la Chandeleur, deuxième jour du deuxième mois, le 1er mai, à la veille du mois de Maya, le 1er août, le premier jour du huitième mois le carême, le quatorzième jour du neuvième mois, et la Toussaint, la veille du mois de novembre. Invoquez le terrible Azathoth lorsque le soleil est dans le signe du bélier, du lion ou du sagittaire, que la lune est décroissante et que Mars et Saturne se rejoignent. Ioxotos, dans sa puissance, répondra à vos incantations lorsque le soleil sera entré dans la maison du lion et que le 1er août sera venu. Évoquez le terrible Ashtour la nuit de la chandeleur Lorsque le soleil se trouve dans le signe du Verseau et Mercure en train aspect. Ne sollicitez le Grand Cthulhu que la veille de la Toussaint, lorsque le soleil se trouve dans la maison du Scorpion et Corion est ascendant. Lorsque la Toussaint tombe dans le cycle de la Nouvelle Lune, le pouvoir sera encore plus puissant. Conjurez Choub Nigurat lorsque les feux du 1er mai brillent sur les collines et que le soleil se trouve dans la seconde maison, et répétez les rites au moment du carême lorsque apparaît celui qui est noir. Chapitre 3. Pour élever les pierres. Pour construire le porche par lequel se manifesteront ceux qui viennent du vide, vous devez ériger les pierres dans cette configuration. Vous placerez d'abord les quatre pierres cardinales qui définiront la direction des quatre vents qui soufflent suivant la saison. Vers le nord, placez la pierre des grands froids qui sera la porte du vent d'hiver et vous y graverez l'emblème du taureau, signe de terre. Vers le sud, à cinq pas de la pierre marquant le nord, vous placerez la pierre des fortes chaleurs, par laquelle les vents d'été soufflent, et vous la marquerez du signe du lion-serpent. La pierre du vent sifflant sera placée vers l'est, où intervient le premier équinoxe. Elle portera le signe de l'eau. Vous placerez la pierre des torrents grondants, à l'ouest et vers l'intérieur, à cinq pas de la pierre marquant l'est, là où, le soir, se couche le soleil et où recommence le cycle de la nuit. Marquez la pierre du signe du scorpion dont la queue atteint les étoiles. Placez les sept pierres de ceux qui errent dans les cieux, mais pas les quatre pierres intérieures. Et, par leurs influences diverses, le foyer de la puissance sera établi. Au nord, derrière la pierre des grands froids, placez d'abord la pierre de Saturne à une distance de trois pas. Cela fait, continuez à placer vos pierres à contresens, de droite à gauche, et installez à la même distance la pierre de Jupiter, de Mercure, de Mars, de Vénus, du Soleil et de la Lune, en marquant chacune du signe qui est le sien. Au centre de cette configuration, placez l'autel des Vénérables Anciens et marquez-le du symbole de Yoxotot et des noms puissants d'Azatot, de Cthulhu, d’Ashtour, de shub et de Nyarlathotep. Et ces pierres seront les portes par lesquelles vous invoquerez ceux qui se trouvent hors du temps et de l'espace des hommes. Priez sur ces pierres la nuit, lorsque la lumière de la Lune faiblit en tournant le visage dans la direction d'où ils viendront, en prononçant les mots et en faisant les gestes qui amèneront les anciens et leur permettront de marcher à nouveau sur la terre. Chapitre 4 Des différents signes. Pour être utilisés dans les rites, ces signes très puissants seront formés avec la main gauche. Le premier signe est celui de Vour. Il est par nature le véritable symbole des anciens. Faites ce signe chaque fois que vous souhaitez supplier ceux qui attendent toujours derrière le seuil. Le second signe est celui de Kish. Il abat toutes les barrières et ouvre les portes des plans les plus reculés. En troisième lieu vient le signe de Cote, qui garde les porches et les chemins d'accès. Le quatrième signe est celui des dieux plus anciens. Il protège ceux qui invoquent les pouvoirs, la nuit, et chasse les menaces et dissout les antagonistes. Note. Ce signe des dieux plus anciens présente également une autre forme et lorsqu'il figure sur la pierre grise de Mnar, il sert à retenir pour toujours les pouvoirs des vénérables anciens. Chapitre 5 Pour fabriquer de l'encens de Scoba. Au jour et à l'heure de Mercure, avec la lune ascendante, vous prendrez de la myrrhe, de la civette, du styrax et de l'absinthe, de la ficule de persique, asafoetida, du galbanum et du musc en quantité égale. Vous mélangerez et réduirez le tout en poudre fine. Placez ensuite dans un récipient de verre vert. Que vous fermerez avec un bouchon d'airain préalablement gravé au caractère de Mars et de Saturne. Élevez le récipient en direction des quatre vents et proférez à voix haute ces mots d'invocation. Vers le nord, Zijmyorsebet, Noijm, Zavaxo. Vers l'est, Kayej, Abawo, Nokueto Neiji. Vers le sud, Oazaij, Wuram, Tefotoson. Vers l'ouest, Zijero Naifueto, Mugeltor. Mogeltor Isks recouvrez le récipient d'un morceau de velours noir et mettez-le de côté. Pendant cette nuit consécutive, vous placerez ce récipient au clair de la lune durant une heure, tout en le laissant sous son voile du chant du coq au coucher du soleil. Après quoi, l'encens pourra être utilisé. Il possédera de telles vertus que celui qui saura s'en servir aura le pouvoir d'appeler et de gouverner les légions infernales. Note. Lorsqu'on l'utilise pour les rites ultimes, on peut augmenter la puissance de l'encens en lui ajoutant une partie égale de momie égyptienne sous forme de poudre. Utilisez le parfum de Scoba dans toutes les cérémonies de la tradition ancienne et versez les essences sur des charbons ardents d'if ou de chêne. Lorsque les esprits s'approcheront, la fumée odorante les enchantera et les fascinera, pliant leur pouvoir à votre volonté. Chapitre 6. Pour obtenir de la poudre d'Ibn Ghazi la poudre mystique de matérialisation. Prélevez de la poussière de la tombe, où le corps est demeuré au moins 200 ans, et prenez-en trois parts. Ajoutez deux parts d'amarante, une part de feuilles de lierre pliées et une part de sel fin. Mélangez le tout dans un mortier ouvert au jour et à l'heure de Saturne. Faites au-dessus de ces ingrédients ainsi assemblés le signe de Vour, puis scellez cette poudre dans un coffret plombé sur lequel est gravé l'emblème de Côte. Utilisation de la poudre. Lorsque vous souhaitez observer la manifestation aérienne des esprits, envoyez une pincée de poudre dans la direction qui est la leur. N'oubliez pas de faire le signe des dieux plus anciens lorsqu'ils apparaissent, faute de quoi les griffes des ténèbres pénétreront dans votre âme. Chapitre 7. Longan de Kepnes, l'Égyptien. Celui qui enduira son crâne de Longan de Kepnes sera assuré de voir dans son sommeil les temps à venir. Lorsque augmentera la luminosité de la lune, Placer dans un creuset de terre une bonne quantité d'huile de lotus, saupoudrer d'une once de mandragore réduite en poudre et mélanger avec une brindille fourchue d'arbustes épineux. Cela fait, proférer les incantations de Yepsu se trouvant en divers endroits du papyrus. Je suis le maître des esprits, Oridimbaï, Sonidar, Episg. Je suis Ubast, pto, aîné de Binwisfe, Fas. Au nom d'eux, Botia Bati Baet, Obewe, rendez puissante mon invocation. Ô Nasira, ô Abkis Shfe, donnez-lui des pouvoirs. Shons In Tebes Tep, Otep Opois, donnez-lui des pouvoirs. ô Bakaksikek. ajoutez la potion, une pincée de terre rouge, neuf gouttes de natrum, quatre gouttes de baume d'oliban et une goutte de sang prélevée à la main droite. Amalgamez l'ensemble à la même quantité de graisse d'oie et placez le récipient sur le feu. Lorsque tout est fondu et que des fumées noires commencent à s'élever, faites le signe des dieux les plus anciens et retirez du feu. Lorsque l'ongan est refroidi, placez-le dans une urne d'albâtre fin que vous garderez dans un endroit secret, connu de vous seul, jusqu'au moment de vous en servir. Chapitre 8. Pour graver le cimetière de Barzaï. Au jour et à l'heure de mars, et par lune ascendante, Prenez un cimetière de bronze ayant une poignée du plus bel ébène. Sur l'un des côtés de la lame, vous inscrirez ces caractères. Sur l'autre, vous inscrirez ceci. Au jour et à l'heure de Saturne, par une lune descendante, allumez un feu de laurier et de bois d'if, et, tout en plaçant la lame dans les flammes, prononcez cinq fois cette conjuration Koryak Soju, Zotkarn, je vous invoque de toutes mes forces, ô esprit puissant qui peuplez les grands abysses, en vertu du terrible nom d'Azathoth Venez et donnez les pouvoirs à cette lame travaillée conformément à la tradition ancienne. Par Xentoro Romatru, je vous appelle, ô Antkelis, et par le vaste et terrible nom de Damayak, que prononçait Chromia et que répétaient les montagnes, je vous appelle de toutes mes forces. Ô Barboelis, visitez-moi, assistez-moi, rendez puissantes mes invocations pour que cette âme, qui a reçu le charme du feu, Possède de tels pouvoirs qu'elles emplissent la peur de tous les esprits qui désobéiraient à mes ordres, et qu'elles me permettent de former tous les genres de cercles, figures et emblèmes mystiques indispensables à la pratique de l'art magique. Au nom du grand et du puissant Yoxetos et de par les signes invisibles de vous, faire le signe, donnez-moi le pouvoir! Donnez-moi le pouvoir! Donnez-moi le pouvoir! Lorsque les flammes vireront au bleu, ce sera le signe que les esprits acceptent votre demande. Trempez alors la lame dans un mélange de saumur et de fiel de coq. Faites brûler de l'encens de Scoba en offrant aux esprits que vous avez évoqués, puis renvoyez-les en leur demeure par ces mots. Au nom d'Azatoth et de Yoxothos, de leur fidèle serviteur Nurlatothep, et par le pouvoir du signe, faites le signe des dieux les plus anciens, je vous congédie, éloignez-vous en paix et ne revenez pas jusqu'à ce que je vous rappelle. Fermez la porte par le signe de Cot. Enveloppez le cimetière dans un voile de soie noire. Et mettez-le de côté jusqu'à ce que vous en ayez besoin. Mais n'oubliez pas que nul ne doit poser la main sur ce cimetière sans quoi ses pouvoirs seront perdus à jamais. Note dans les runes mystiques de Sut, le C latin remplaçait le K. Les caractères de Noug possèdent la clé de tous les plans. Il faut les utiliser dans l'art des talismans et pour toutes les inscriptions sacrées. Chapitre 10 La voix de Htouur. Entendez la voix du terrible Htouur. Entendez le soupir affligeant la course folle du vent ultime, qui tourbillonne ténébreusement au milieu des étoiles muettes. Écoutez-le hurler avec ses crochets de serpent, du fond des entrailles de la terre. Lui dont les grondements incessants remplissent les cieux sans âge de Leng, qui demeure caché. Son pouvoir ravage la forêt et écrase les cités, mais nul ne connaîtra la main qui frappe et l'âme qui détruit, car celui qui est maudit avance, sans visage, et sa forme reste ignorée des hommes. Entendez donc sa voix aux heures sombres, répondez à son appel en l'appelant. Inclinez-vous et priez sur son passage, mais ne prononcez pas son nom à haute voix. Chapitre 11 Au sujet de Nyarlathotep. J'entends le chaos rampant qui appelle d'au-delà des étoiles. Et ils créèrent Nyarlathotep, qui serait leur messager, et ils l'habillèrent de chaos pour que sa forme soit toujours cachée au milieu des étoiles. Qui connaîtra le mystère de Nyarlathotep? Il est le masque et la volonté de ceux qui existaient avant le début des temps. Il est le prêtre de l'éther, celui qui demeure dans les airs et possède de nombreux visages dont personne ne se souviendra. Les vagues gèlent devant lui. Les dieux craignent son évocation. Il murmure dans les rêves des hommes. Et pourtant, qui connaît sa forme? Chapitre 12. De Leng qui se trouve dans le désert glacé. Celui qui cherchera vers le nord, au-delà des terres crépusculaires dignes Trouvera au milieu du désert glacé l'obscur et vaste plateau de Leng, trois fois interdit. On reconnaît Leng, que le temps a évité, aux feux mauvais qui brûlent toujours et aux cris aigus des oiseaux de Shantak, couverts d'écailles qui se meuvent haut dans les airs. Aux hurlements de Narag qui couvent dans des cavernes envahies par la nuit et hantent les rêves des hommes d'une étrange folie. Ainsi qu'au temple de pierre grise, se trouvant au-dessous de l'antre de la nuit dans lequel demeure celui qui porte le masque jaune et qui vit seul. Mais prends garde, toi, l'homme, prends garde à ceux qui errent dans les ténèbres sur les remparts de Kadat, car celui qui apercevra leur tête coiffée d'une mitre tombera dans les griffes du destin. Chapitre 13 De Kadat l'inconnu Qui donc connaît Kadat, car qui connaîtra celle qui se trouve toujours en un curieux temps entre hier, aujourd'hui et demain Inconnue au milieu du désert glacé, s'étend la montagne de Kadat où se dresse, sur les sommets cachés, un château d'onyx. De sombres nuages voilent le pic imposant qui étincelle sous d'anciennes étoiles, et là, le silence recouvre les tours gigantesques et construit des murs interdits. Des inscriptions maudites gardent la porte gravée par des mains oubliées, et malheur à celui qui osera passer par ces portes terribles. Les dieux de la terre se réjouissent, là où d'autres marchèrent naguère, dans des couloirs mystiques et sans âme, dont certains ont vu dans leur sommeil les voûtes pâles, à travers des yeux étranges et éteints. Chapitre 14. Pour évoquer Yoxotos. Parce que Yoxotos, c'est la porte, il sait d'où sont venus les anciens dans le passé, et d'où ils viendront à nouveau lorsque le cycle recommencera. Lorsque vous voudrez invoquer Yoxotos, vous attendrez que le soleil se trouve dans la cinquième maison de Saturne en train aspect. Puis pénétrerez dans la zone délimitée par les pierres et tracerez le cercle d'évocation en utilisant le cimetière mystique de Barzaï. Faites trois fois le tour du cercle de droite à gauche et en vous tournant vers le sud, prononcez la conjuration qui ouvre le porche. Ô vous qui demeurez dans les ténèbres du vide immense, revenez à nouveau sur terre, je vous en supplie Ô vous qui vous trouvez au-delà des sphères du temps, entendez ma prière Faire le signe de Caput Draconis. La tête du dragon. Ô vous qui êtes la porte et le chemin, venez, votre serviteur vous appelle. Faire le signe de quiche. Benatir, Karakaou, Dedos Yoksatos. Venez, venez Je prononce les mots consacrés. Je brise vos liens. J'ai enlevé le sceau, passé par la porte et pénétré dans le monde. Je fais votre signe. Faire le signe de vous. Tracez le pentagramme du feu et prononcez l'incantation qui permet au Très Grand de se manifester devant la porte. Alors il viendra jusqu'à vous et apportera ses globes et répondra à toutes les questions que vous voudrez bien lui poser. Et il vous révélera le secret de son emblème grâce auquel vous gagnerez la faveur des anciens lorsqu'ils reviendront sur la terre. Et lorsque son heure sera passée, la malédiction des dieux plus anciens sera sur lui et il retournera derrière la porte où il demeurera jusqu'à ce qu'il soit appelé. Chapitre 15 Pour évoquer les globes. Sachez que les globes de Yoxotos sont au nombre de 13. Ils représentent les pouvoirs de la horde parasite de ses serviteurs qui exécutent ses ordres dans le monde. Appelez-les chaque fois que vous aurez besoin de quelque chose. Ils transféreront sur vous leur pouvoir si vous les invoquez avec les incantations voulues et que vous faites leur signe. Ces globes ont plusieurs noms et apparaissent sous différentes formes. Le premier est Gomori. Qui a la forme du chameau portant une couronne d'or sur la tête. Il commande 26 légions d'esprits infernaux et donne la connaissance de tous les bijoux et talismans magiques. Le second esprit est Zagan, sous forme d'un grand taureau ou d'un roi à l'aspect terrible. Il règne sur 33 légions et enseigne les mystères de la mer. Le troisième a pour nom Citri et prend la forme d'un grand prince. Il possède 60 légions et dévoile les secrets des temps à l'avenir. Et Ligor est le quatrième esprit. Il se présente comme un homme rouge portant une couronne de fer sur la tête. Il commande également 60 légions et apporte la victoire dans les combats. Il renseigne sur les conflits futurs. Le cinquième esprit a pour nom Durson. Accompagné de 22 démons familiers, il se présente comme un corbeau. Il peut révéler tous les secrets de l'occulte et parler des temps passés. Le sixième est Vual. Il a la forme d'un nuage noir et enseigne toutes les langues anciennes. Le septième est Scor. Qui prend l'aspect d'un serpent blanc. Il vous apporte de l'argent si vous le lui demandez. Algor est le huitième esprit. C'est un papillon qui peut confier des secrets et vous assurer les faveurs des princes et des rois puissants. Le neuvième est Séphon, qui a les traits d'un homme au visage vert et le pouvoir de montrer l'endroit où sont cachés les trésors. Le dixième est Parthas, c'est un grand vautour qui révèle les vertus des herbes, des pierres, qui peut vous rendre invisible et vous rendre la vue que vous avez perdue. Le onzième esprit est Gamor. Il apparaît sous la forme d'un homme et peut vous enseigner la façon de gagner les faveurs de grands personnages et éloigner tous les esprits qui gardent un trésor. Le douzième est Umbra, un géant. Il transporte de l'argent d'un endroit à l'autre si vous le lui demandez et vous accorde l'amour de la femme que vous désirez. Le treizième esprit est Anabot, qui prend la forme d'un crapaud jaune. Il a le pouvoir de rendre expert en nécromancie, peut éloigner tous les démons qui vous dérangent, et parler de choses étranges et secrètes. Lorsque vous évoquerez les globes, vous devrez d'abord faire ce signe sur le sol, puis évoquez les esprits de cette façon. Esphares, Oliaram, Orionesitione, Eriona, Orea, Horacim, Mosim. Par ces mots et au nom de Yoxsatos, qui est votre maître, je vous appelle de toutes mes forces pour que vous m'assistiez à l'heure où j'ai besoin de vous. Je vous ordonne de venir par le signe de puissance. Faites le signe de vous. Ainsi, l'esprit vous apparaîtra et répondra à votre requête. S'il demeure invisible, soufflez sur la poussière d'Ibn Ghazi. Il vous apparaîtra immédiatement. Pour renvoyer ceux que vous avez appelés, effacez le signe avec le cimetère de Barzaï en proférant ces mots Kaldoulek, Dalmaleï, Kadat puis fermez avec le signe de Kot. Note Si, lorsqu'ils apparaissent, les esprits refusent obstinément de parler, fendez l'air à trois reprises avec le cimetère et dites ce qui leur déliera la langue et ils devront alors répondre à vos questions. Chapitre 16. L'adjuration du Grand Cthulhu. Fnglui mungnaf kno rlie Une exhortation au Grand Cthulhu pour ceux qui veulent se rendre maître de ses favoris. Au jour et à l'heure de la lune, avec le soleil en scorpion, préparez une tablette de cire et portez-y les emblèmes de Cthulhu et d'Agon. Encensez avec l'encens de Scoba et mettez de côté. La veille de la Toussaint, vous vous rendrez dans un endroit solitaire dominant l'océan. Prenez la tablette dans la main droite et, de la main gauche, faites le signe de Kish. Proférez trois fois l'incantation, et lorsque le dernier mot s'est envolé, lancez la tablette dans les flots en disant Dans sa demeure de Ryue, Toulou, mort, attend en rêvant, mais il reviendra, et son royaume s'étendra sur toute la terre. Alors il viendra vous visiter dans votre sommeil et vous montrer son signe par lequel il dévoilera les secrets des profondeurs. Incantation. Ô vous qui gisez, morts mais rêvants, entendez l'appel de votre serviteur. Entendez-moi, ô puissant Cthulhu. Entendez-moi, maître des rêves. Ils vous ont enfermé dans votre tour de Rué, mais Dagon brisera vos liens maudits, et votre règne reviendra. Les esprits des profondeurs connaissent votre nom secret. L'hydre connaît votre repère. Donnez-moi votre signe, afin que je connaisse votre volonté sur la terre. Lorsque mourra la mort, votre temps sera venu, et votre sommeil finira. Donnez-moi le pouvoir de calmer les vagues, pour que j'entende votre appel. Lorsque vous aurez répété trois fois l'incantation, jetez la tablette dans les flots en disant Dans sa demeure de Ryue, Cthulhu, mort, attend en rêvant, mais il reviendra, et son royaume s'étendra sur toute la terre. Chapitre 17. Pour appeler Shub le noir. Là où les pierres ont été dressées, vous appellerez Shub -nigurat. Tous les plaisirs de la terre seront accordés à celui qui connaît les signes convenables et prononce les bonnes paroles. Lorsque le soleil entre dans le signe du bélier et que la nuit est sur vous, tournez le visage vers le vent du nord et prononcez à voix haute Ya, Shub -nigurat. Ya, Shub -nigurat. Grande chèvre noire des bois, je fais appel à vous s'agenouillez Répondez à l'appel de votre serviteur qui connaît des mots magiques. Faire le signe de Vour. Sortez de votre sommeil et venez suivis d'une multitude. Faire le signe de quiche. Je fais les signes et je profère les paroles qui ouvrent les portes. Venez, vous dis-je, je tourne la clé. Tout de suite, parcourez à nouveau la terre. Versez les parfums sur les charbons, tracez l'emblème de Blaézou et prononcez les mots de puissance. mix, Djana, et titnamus. Aïras, Fabeleron, Fubentronti, Tronti, Brazo, Trabassol, Niza, Varf Gabotsmembrot. Et alors, celle qui est noire apparaîtra devant vous, et ceux qui portent des cornes et qui hurlent jailliront par milliers de la terre, et vous brandirez devant eux le talisman de Yé, grâce auquel ils s'inclineront devant votre puissance et répondront à toutes vos requêtes. Lorsque vous voudrez renvoyer ce que vous avez évoqué, prononcez les mots. Imas, ainsi, la porte se fermera et vous ferez le signe de Côte. Chapitre 18. La formule 2 d'Ohna. Quiconque suivra ce rite en le comprenant clairement passera derrière les portes de la création et pénétrera dans les abysses ultimes, là où demeure Singak le dieu vague qui médite pour l'éternité sur le mystère du chaos. Tracez l'angle web avec le cimetère de Barzaï. Et encensé avec l'encens de Scoba. Pénétrez dans Web par la porte du Nord et en récitant l'incantation de Na, ainsi: Zazas, Nazas tanada, Zazas, Zazas. Avancez l'extrémité la plus au sud par le chemin d'Alpha. Là, vous faites le signe de Kish en prononçant le triple mot de puissance trois fois. Odosis Zamoni. Avancez vers l'angle du Nord-Est en chantant le troisième vers du cinquième psaume de Nirlatotep sans oublier de faire une quintuple génuflexion en traversant le signe incurvé. Le tout -un habite les ténèbres, au centre de tout demeure celui qui est ténèbre, et ces ténèbres seront éternelles quand tout s'inclinera devant le trône d'Onyx. Arrêtez-vous dans le troisième angle et faites une fois encore le signe de Quiche en prononçant les mots qui ouvrent les portes et arrêtent la course du temps. Abyssus draconisus Zexoe Nyarlathotep, Suivez le troisième chemin partant de l'extrémité ouest et prosternez-vous en silence. Inclinez-vous très bas à trois reprises et faites le signe de Vour. Tournez-vous et empruntez le chemin de la Transfiguration menant à l'angle ultime. Ouvrez les portes de l'abysse en répétant neuf fois zenoxessé Piot, Mavok, Nigorsus, Bayar, Ecos, Yoxotot, Ecos, Yoxotot, Yoxotot, Yoxotot. Faites le signe de la transformation et avancez dans le gouffre. Appendice A Le jeune Lovecraft par L. Sprague de Camp. Le 20 mai 1975, alors qu'avec ma femme je me dirigeais en voiture vers Cincinnati où je devais faire une conférence, je m'arrêtais pour rencontrer le révérend John T. Doone. Celui-ci fit la connaissance de Lovecraft lorsque l'écrivain avait une vingtaine d'années. Bien qu'originaire de Providence, Rhode Island, où il vécut longtemps, le père Doone est maintenant aumônier du Mercy Hospital de Portsmouth dans l'Ohio. Il est né le 2 janvier 1889, un an et demi avant Lovecraft, et a donc 86 ans aujourd'hui. Cet hôpital nous hébergera une nuit et nous y fûmes reçus avec beaucoup de gentillesse et d'hospitalité. Durant l'après-midi du 20 mai, j'eus deux heures de conversation avec le père Doone et encore une heure le lendemain au petit déjeuner. Pour l'essentiel, le premier entretien fut enregistré sur une bande magnétique. Le père Dunn m'expliqua qu'en 1914, il fréquentait, ainsi que sept ou huit autres étudiants, un cours du soir dans un lycée des quartiers nord de Providence. Ils appartenaient à la classe ouvrière, avaient une vingtaine d'années, des ambitions littéraires et souhaitaient suivre un cours de perfectionnement en anglais. Dunn, alors âgé de 24 ans, gagnait sa vie comme plombier. Il entendit dire, ainsi que ses collègues, du mouvement journalisme amateur, poussé par Edward H. Cole de Boston, ils décidèrent de monter le club de presse amateur de Providence, avec, comme maître spirituel, Victor Basinet et une certaine Miss Mailer. Lovecraft comptait parmi les membres fondateurs. Dune trouvait Lovecraft étrange et même excentrique. Au cours des réunions, Lovecraft se tenait assis avec raideur, le regard fixe, sauf lorsqu'il tournait la tête vers quelqu'un qui lui adressait la parole. Il parlait d'une voix basse et monocorde. Il était assis, il s'asseyait toujours comme cela et regardait droit devant lui, vous comprenez? Puis il répondait à une question et reprenait la même attitude, disait le père Dune. Je le revois comme je viens de vous dire. Il regardait droit devant lui. Il comment dire? Il ne s'enthousiasmait jamais. Parfois, il hochait la tête pour souligner un mot ou une expression. C'était quelqu'un que j'aimais bien, poursuivait il. Je n'avais rien contre lui, vous comprenez. Nous n'étions pas toujours d'accord, mais dans nos divergences, nous nous comportions en gentleman, vous voyez. Le principal sujet de désaccord était la question irlandaise. La mère de Dune avait vu le jour en Irlande l'année de la Grande Famine. Dune sympathisait avec le Sinn Féin. Lovecraft était un anglophile extrémiste. Il disait que je n'avais pas le droit de m'opposer à la loi britannique en Irlande. Le pape, euh, comment s'appelait-il Adrien IV, n'avait-il pas donné l'Irlande aux Britanniques disait-il. Je lui répondais que non, vous voyez. Mais il connaissait bien l'histoire, vous savez, tout au moins cette partie-là de l'histoire. Dune détestait l'habitude prise par Lovecraft d'appeler les Irlandais Mike's. La xénophobie légendaire et les préjugés ethniques de Lovecraft avaient alors atteint leur apogée. La voix de Lovecraft était haut placée, mais pas vraiment aiguë. D'après Dune, elle ressemblait à la sienne. Lovecraft possédait une grande maîtrise de soi et ne s'emballait jamais, même dans les discussions les plus vives. Il. Euh... Je ne l'ai jamais vu se mettre en colère, vous voyez, mais lorsqu'il écrivait, c'était très vigoureusement. Cela ne fait aucun doute. Et il ne s'énervait jamais, comme il m'arrivait à moi de le faire. Ne connaissant pas la véritable situation de Lovecraft, Dune lui supposait des rentes suffisantes pour vivre indéfiniment, sans activité rémunératrice régulière. Lovecraft, disait-il, parlait peu, ne souriait et ne riait que très rarement. Il n'avait pas le moindre sens de l'humour. Les amis de Dune trouvaient Lovecraft ridicule et n'auraient jamais pu supposer qu'un jour il connaîtrait la célébrité. Entre nous, nous nous moquions un peu de lui, sans bien connaître son histoire. Maintenant, disait Dune, il regrettait ce manque de compréhension envers H.P. Lovecraft, dont il ignorait les handicaps. Dune ajouta que, s'il avait su que Lovecraft deviendrait une figure si importante dans la littérature, il aurait fait beaucoup plus attention à lui. Un autre membre du club de presse amateur de Providence, voisin de Palier de Dune, avait une sœur nommée Sadie Henry. Un jour, Miss Henry, en visite chez Dune, et pour plaisanter, téléphona à Lovecraft et lui proposa un rendez-vous. Lovecraft répondit. Je demanderai à ma mère. Et il n'en fut plus jamais question. Obsédé par le XVIIIe siècle, Lovecraft revêtit un jour le costume colonial, ou tout au moins le tricorne. Un journal de Providence publia, avec son accord, sa photo dans ce déguisement. Il ne serait pas inutile qu'un inconditionnel de Lovecraft reproduisît un jour cette photographie. Dun, n'étant pas seulement anti-britannique, mais également objecteur de conscience, refusa d'aller sous les drapeaux en 1917. Il passa le restant de la guerre de prison en prison et aboutit finalement à Fort Leavenworth. Après l'armistice, il fréquenta un séminaire et entra dans les ordres, dans l'église catholique. Dunne expliqua également comment R. A. Kirch, également connu sous le nom d'Evert, spécialiste célèbre de Lovecraft, emprunta les lettres qu'il avait reçues de l'écrivain. Depuis lors, Dune essayait toujours de les récupérer. Cette image est celle d'un Lovecraft âgé de 23 à 26 ans. Il commençait tout juste à sortir de la coquille dans laquelle il était rentré en 1908, lorsqu'une maladie indéterminée l'empêcha de terminer ses études au lycée. Entre temps, il l'avait vécu comme un véritable reclus excentrique. Il ne faisait guère que tourner dans sa maison et lire, sortant peu et n'ayant que peu de rapport avec autrui, sauf avec sa mère qui était un peu toquée il donnait encore à ce moment-là l'impression d'être un peu bizarre. Mais il commença à comprendre qu'il pouvait s'entendre avec d'autres mortels, peut-être pas parfaitement, mais dans la mesure où ceux-ci témoigneraient à son égard d'une tolérance amusée. À cette époque, il était pourtant difficile de trouver dans ce désaccès solennel, un peu snob, poseur, pitoyable et érudit, l'homme bienveillant, génial, chaleureux, charmant, spirituel, tolérant, et en bien d'autres points admirables qu'il finit progressivement par devenir, non sans difficulté, au cours des vingt années qui suivirent. Appendice B. Les rêves des noms éteints ce qu'enseigne le sommeil par Christopher Feiling. Le plus grand nombre de nos visions nocturnes ne sont peut-être pas le reflet pâle et fantastique des expériences vécues à l'état de veille, l'inverse de la théorie freudienne avec son symbolisme puéril. Mais quelques unes d'entre elles présentent un caractère extraterrestre et éthéré qui n'accepte pas d'interprétation ordinaire et dont les effets vaguement excitants et inquiétants suggèrent que l'on a entrevu, de façon infime, un monde d'existence mentale tout aussi important que la vie physique, bien que séparé de cette vie par une barrière qui n'est pas infranchissable. Ce paragraphe caractéristique d'introduction est l'un des premiers récits publiés de Lovecraft, Par-delà le mur du sommeil, 1919, qui rejette explicitement la théorie freudienne, pourrait être placé en introduction à toute son œuvre. De la première période, inspirée de Poe, jusqu'aux 14 contes de la maturité portant sur les mythes de Cthulhu, en passant par les contes inspirés de Dunsany, engagés dans une guerre éternelle contre la vulgarité et la laideur de la réalité des jours. Ce n'est pas un hasard si la seconde anthologie monumentale consacrée à Lovecraft par Arkham House a reçu le titre de cette nouvelle de 1919. Des rêves qui se heurtent aux conscient des maîtres de conférences de langue vivante ou d'économie politique de la Miscatonic University ou des paysans de Catskill Mountain. Des rêves évoquant les tombes ancestrales d'Arkham, noyées dans la brume, hantées, d'après la légende, d'une nouvelle Angleterre ancestrale, non encore profanée, sans étrangers, sans fumée d'usine, sans panneaux d'affichage ni rues goudronnées, comme les zones défigurées par la vie moderne. Description horrible de cauchemars peuplés de choses. Cauchemar transcrit avec amour avant même d'être pleinement réveillé. Lorsqu'on trouva les contes étranges, World of Tales, dans les papiers de Lovecraft, deux ans après sa mort, on publia comme bref récit posthume un long extrait non corrigé d'une de ses lettres décrivant ce genre de cauchemar, qui fut intitulé Le prêtre mauvais, The Wicked Clergyman. Grâce à ses correspondances, on identifia toutes les relations personnelles qui comptaient pour Lovecraft. Et ces lettres, Parfois plus longue que les récits publiés, lorsqu'elle ne s'attache pas à expliquer longuement que Lovecraft aurait préféré être né praticien dans la romantique, qui aurait prélevé le sang de Hengist et Orsa, gentleman farmer dans l'Angleterre du XVIIIe siècle. Rien ne doit compromettre ma pureté en tant qu'anglais. Dieu sauve le roi! Ou, tout au moins, de pure descendance anglaise. Ce qui, à son avis, n'était pas le cas, décrit fréquemment, de façon anormalement détaillée, des rêves et des cauchemars. Les « collaborations » posthumes ont pris ces lettres comme matériaux. Les rêves de Lovecraft et leurs paysages ont peut-être été exceptionnellement autarciques, uniquement comparables en intensité, d'après Lovecraft lui-même, au véritable mysticisme d'Arthur Meischer. Mais ils doivent beaucoup aux histoires étranges théosophiques de Bulwer-Leighton, encore que le phénomène de conte basé sur des rêves d'une horreur surnaturelle est, en vérité, des précédents célèbres. Le château d'Ortrant Castle of Otranto d'Horace Walpole, qui devait exercer une influence unique sur la littérature d'horreur, a été inspiré par un cauchemar et très vite transcrit pendant que le souvenir était encore frais. Les néophytes du genre gothique, que ceux dont Nersenger habet fait la satire, ont essayé de connaître le même succès que Walpole en provoquant eux-mêmes leur cauchemar. Ils consommaient de mauvaises nourritures, pensaient à des horreurs, lisaient tous les livres mangés des vers qui leur tombaient sous la main mais ils découvrirent très vite que les cauchemars provoqués de cette manière n'étaient pas du tout effrayants. Beaucoup de petites histoires, très peu de souffrances, en dehors de l'indigestion. En revanche, les deux grands genres secondaires du XIXe siècle, dont Lovecraft lui même s'inspira pour certains de ses contes, en dehors des mythes de Cthulhu, comme Herbert West, le réanimateur, 1921-1922, le thème de Frankenstein et celui de l'aristocrate, bandit et vampire, était inspiré de cauchemars sado érotiques faits par le couple Bayron-Shelley pendant l'été de 1816. L'abus de l'Odanum, la mésentente entre les deux poètes, leur maîtresse et le docteur Polidori, et certaines réminiscences de la nouvelle Héloïse de Rousseau avaient provoqué ces rêves. Plus tard, pendant la Renaissance gothique, Dr Jekyll et Mr Hyde, la version originale, complète, de Stevenson, s'inspirait d'une série de cauchemars et Bram Stoker commença à écrire Dracula après avoir mangé trop de salade de crabe au dîner, avec les conséquences désastreuses que cela comporte. Lovecraft critiquait tous ses auteurs. Horace Walpole, un anglais spirituel et mondain, pour qui le mystère était un jeu de dilettante. L'école de Radcliffe présentait beaucoup d'intérêt pour les pasticheurs. Ses œuvres reposant sur des. Affirmations géographiques et historiques erronées. Le Frankenstein de Marie Shelley était quelque peu teinté d'une morale didactique. Robert Louis Stevenson avait une fâcheuse tendance à utiliser un maniérisme désinvolte, et son œuvre tendait à se spécialiser dans des récits d'événements plus que dans une atmosphère et s'adressait davantage à l'intellect qu'à l'imagination. Elle apparaissait donc à Lovecraft un produit édulcoré comparé au pur cauchemar artistique. Dans les romans de Bram Stoker, la faiblesse de la technique diminue, hélas, la puissance des cauchemars. Mais les rêves de Lovecraft, la vie et l'œuvre qui tournaient autour d'eux, n'avaient pas grand-chose en commun avec les préoccupations de ces écrivains gothiques. Ces cauchemars n'étaient sûrement pas provoqués par des excès de nourriture ou autres. Désireux de préserver son image d'aristocrate, d'érudit versé dans l'antique et surtout d'amateur. Un amateur, pas un professionnel. Il ne faisait aucun effort pour satisfaire les « éditeurs guidés par Mammon » en leur soumettant à nouveau les manuscrits refusés ou en frappant à la machine ses gribouillages illisibles. Il préférait vivre avec 1,75$ par semaine en achetant des haricots et des spaghettis en conserve ou des boîtes de biscuits. Il passait la plus grande partie de son temps à faire le « ne*** » pour d'autres écrivains ou à réviser complètement les manuscrits d'autres personnes, reposant souvent sur ses propres idées. Ainsi, son nom n'était pas associé au navet. Ses rêves n'étaient pas non plus provoqués par des hallucinogènes, ni par des disputes avec d'autres écrivains aussi sensibles que lui. La considération de Lovecraft pour Poe n'allait pas jusqu'à le pousser à essayer l'opium, ni à se prêter à des expériences sexuelles, et il n'eut jamais de relation assez suivie avec ce genre d'écrivain pour tourner mal. Il ne provoquait pas ses cauchemars, afin de stimuler une imagination faiblissante, et surtout pas dans le dessein d'être publié. En fait, lorsque les éditeurs refusaient les œuvres inspirées de ses rêves, ils leur donnaient toujours raison. Peut-être ses rêves n'étaient-ils pas destinés à la consommation publique, après tout. Et de même que les événements cosmiques décrits dans Sur les montagnes de la folie, qui représenteraient pour la biologie ce qu'Einstein représentait pour les mathématiques et la physique, ne sont signalés que dans l'Arkham Advertiser, dans un bulletin officiel de la Miskatonic University. De même, Lovecraft était-il aussi content de voir ses œuvres publiées dans des petits magazines, si toutefois il était publié, que de les voir acceptées par Farnsworth White, éditeur inattendu de Contes étranges Peu après que ce magazine ait accepté sa première nouvelle, il écrivait Je suis presque résolu à ne plus écrire de contes, mais à rêver simplement lorsque cela me vient, sans m'arrêter pour faire quelque chose d'aussi vulgaire que de noter mes rêves pour l'ennuyeux public. En 1924, avant l'arrivée de White, on avait offert à Lovecraft alors âgé de 34 ans, la direction de l'édition du magazine « Compte étrange ». Rare exemple de considération qu'en dehors du « cercle », on lui ait témoigné de toute sa vie. Il avait refusé, prenant pour excuse son image publique. « Je ne peux penser à cela sans frissonner. Songer à la tragédie de ce voyage, à Chicago, pour un spécialiste de l'Antiquité déjà âgé, venant juste de s'installer pour jouir des reliques de la Nouvelle Amsterdam. À deux reprises, se trouvant tout proche de la réussite, » Lovecraft se retire dans son goût de l'antique et du XVIIIe siècle, s'exprimant dans un style gothique archaïque. Il n'avait pas besoin de nourriture riche, de drogues, de nuits blanches, de visiter des ruines et des sites éloignés pour continuer à produire. Jusqu'à 30 ans, Lovecraft n'avait encore jamais passé une nuit loin de ses tentes radoteuses. Le matin, après son réveil, il tirait les rideaux, allumait les lumières et prétendait avoir travaillé toute la nuit. Les disciples de Freud, de Jones et de Jung pourraient évidemment trouver leur bonheur dans les cauchemars de Lovecraft, de même que chez Fuseli. Lovecraft affirmait mépriser le symbolisme puéril de Freud, sans doute parce qu'il redoutait de le regarder en face. Et il n'avait pas tort. On ne compte que deux femmes parmi les personnages importants des contes de Lovecraft. L'une est un vampire, la chose sur le pas de la porte, et l'autre, une femme albinose de 35 ans, contrefaite et repoussante, l'horreur de Dunitzsch. Prenons au hasard quelques images parmi celles qui reviennent le plus souvent dans le paysage de rêve des mythes de d'Octoulou. Nous trouvons des broussailles denses, des entrées de grottes béantes, de longues queues et des visages qui ne sont que de simples cônes blancs se terminant en tentacules rouges sans. Sans parler, comme le fait généralement Lovecraft, de ces nombreuses choses innommables, véritables blasphèmes, qui devraient faire de tout homme un Dante ou un pot s'il pouvait garder toute sa raison assez longtemps pour raconter ce qu'il a vu. La plupart de ceux qui rencontrent ces choses, dont l'effet était plus de suggérer que de révéler, perdent rapidement la raison. D'autres retournent à la faculté de miscatonique et seront traités à l'avenir de farfelus désagréablement érudits et, probablement, de Dante frustré. Les disciples de Jung peuvent considérer comme thème central des mythes de Cthulhu l'idée souvent exprimée chez Lovecraft que, chez l'homme, le plan conscient se trouve, heureusement, sur un tranquille îlot d'ignorance au milieu des mers noires de l'infini. Les thèmes clés illustrant cette idée sont les ténèbres, les cataclysmes, les animaux terrifiants, les langues incompréhensibles. Ajoutons ces diverses versions de La Chute, Satan expulsé du paradis, chez Milton, ou Expulsion du paradis utérien, suivi de la dégringolade dans les abysses terrestres. Ces thèmes clés comprennent peut-être la fascination pour La noirceur non réfléchie des abysses, chez Dunsany, et pour le fait de ramper, grimper, tomber ou glisser dans une mer. Une grotte appartenant à un monde caché ou dans une écume immonde dont le nom n'est pas précisé. Les icônes particulières pourraient également présenter un grand intérêt. Au hasard, cette fois encore, livres et musées, souvenirs, pieuvres et créatures du même genre, mères possessives, monstres mangeurs d'hommes, faim insatiable de l'enfant et choses gigantesques, adultes vus par les enfants. À la différence des créatures de Frankenstein, de Lord Redven chez Polydor, des manifestations de la bête qui est en l'homme chez Stevenson, du Dracula de Stoker, les monstres aux yeux d'insectes de Lovecraft, qui représentent les dieux les plus anciens, ne peuvent être détruits. Tout au plus peut-on temporairement les vaincre ou les réprimer, mais ils sont toujours là à l'extérieur et attendent. C'est dans le rejet de cette tradition des livres d'horreur que réside peut-être l'une des clés de l'appel constant lancé par Lovecraft. Mais Lovecraft préférait interpréter ses rêves et cauchemars en termes dramaturgiques. Comme symbolisant le rejet de rôles qui, pensait-il, lui étaient imposés par la société contemporaine. Ses rêves s'inspiraient de la littérature du XVIIIe siècle et il convenait de les exprimer en prose archaïque, gothique. De ce fait, il écrivait en mars 1929 Mon style devient vite sophistiqué et pour finir, je n'écrivais plus que pour recréer autour de moi l'atmosphère du XVIIIe. Tout s'effaçait dans mon désir de retourner en arrière dans mes pensées et dans mes rêves pour me retrouver dans l'univers des perruques que, pour quelque étrange raison, je reconnaissais comme le seul qui fût vraiment le mien. C'est ainsi que je pris l'habitude d'imiter ces mœurs dont je n'ai jamais pu me défaire complètement. Et lorsque je m'en éloigne, c'est seulement pour imiter autre chose. Il y a mes œuvres à la façon de Poe et mes œuvres à la façon de Dunsany, mais hélas, où sont mes œuvres à la façon de Lovecraft Lorsqu'il énonçait son dégoût des Asiatique aux yeux globuleux et aux têtes de rats, ou des vieux lévites noueux, il ne faisait que montrer à quel point il détestait ce que les immigrants avaient fait des vieux quartiers de la Nouvelle-Angleterre qu'il aimait tant. Quand sa femme offrit d'acquérir une grande maison à Providence, pour y installer le couple, et proposa d'utiliser une partie de la maison pour ouvrir un commerce, afin de couvrir les dépenses, fut gentiment mais fermement informé par les deux tantes que ni elle-même ni Howard ne pourraient supporter qu'une Madame Lovecraft travaille pour gagner sa vie à Providence. Il n'en fut plus question. Le couple se sépara. Les univers de rêves imaginés par Lovecraft, praticien de la romantique, guerrier viking, gentleman farmer du XVIIIe, aristocrate de la Nouvelle-Angleterre, les mythes de Cthulhu, peuvent être interprétés de la même façon, comme ses lettres tendent à le montrer. » Si Lovecraft aimait donner l'image d'un érudit amateur d'antiquité, ses mondes de rêves ne reposaient pas sur d'abondantes lectures d'ouvrages anciens. Souvent, il les vivait sur place, ses rêveries stimulées par des impressions romantiques produites par l'environnement. Jamestown est l'un des plus puissants stimulants de l'imagination que j'ai jamais connu. Se tenir sur le sol où les aventuriers élisabétains ont fait œuvre de pionniers afin d'y établir un monde occidental, c'est connaître un frisson à nul autre pareil. Il écrivit un roman en collaboration avec quelqu'un qui s'était réellement penché sur l'occulte, Slow the Gate of the Silver Key, avec Hoffman Price. Mais ce livre, débordant de détails ésotériques concernant le mysticisme oriental et la théosophie de Madame Blavatsky, est pratiquement impossible à suivre. Lovecraft n'étudia jamais les sciences occultes en profondeur, et c'est peut-être pourquoi il imaginait que les sources principales lui feraient une si forte impression s'il les lisait. Les meilleures histoires des mythes de Cthulhu sont de simples transcriptions de rêves. Lovecraft avait conscience des pièges tendus à l'auteur de récits d'horreur par un style très empathique, abusant d'une pédanterie inutile, forçant les adjectifs. Dans son essai sur les horreurs surnaturelles dans la littérature et dans ses notes sur l'écriture de récits d'horreur, il soulignait qu'il fallait éviter la théâtralité. Éliminer tout superflu, les mots, les phrases, les paragraphes, et même des épisodes entiers. Des détails associatifs, des détails sélectionnés, doivent être utilisés par touche. Cela était suffisant. Évitez l'exposé plat d'une liste de faits incroyables qui n'apportent pas grand-chose en dehors d'un voile de couleurs et de symbolisme. Face à l'extraordinaire, aussi forte que celle qu'il montrerait devant semblables événements survenant dans la vie réelle. Dommage que Lovecraft n'ait pas suivi ces règles. Ses récits abondent en solécisme gothique, en descriptions qui ne font que révéler la pauvreté de son vocabulaire. Il voudrait forcer la main au lecteur, l'obliger à accepter le caractère effrayant de tel objet ou tel événement, par un flot d'adjectifs prétendant décrire ses émotions. Le seul auteur contemporain qui tomba dans ce même travers fut Sax Rohmer, mais cela tient probablement à ce qu'il avait fait ses premières armes comme écrivain de musical, préparant des boniments pompeux et des chansons pour George Robet et Little Teach. Lovecraft estimait qu'on ne devait pas encourager le lecteur à rester en dehors du climat d'horreur très solennel que l'auteur cherchait à tisser. On ne peut, sauf dans un roman de Pacotti, présenter des phénomènes impossibles, improbables ou inconcevables sous la forme d'un récit ordinaire d'actes objectifs. Mais, face à la prose débordante de Lovecraft, le lecteur ne peut que rester extérieur, surtout devant ses dénouements invariablement présentés en italique. Ce péril ultime, choquant, qui balbutie d'indécibles façons hors de l'univers ordonné où nul rêve ne parvient. Le dernier fléau amorphe de la plus profonde curiosité, qui blasphème et bouillonne au centre de tout l'infini. Le démon sans limite qu'est le sultan Azatoth, dont nul n'ose prononcer le nom à haute voix, et qui dévore dans d'inconcevables chambres obscures à travers le temps, au milieu du battement, assourdi et dément, d'ignobles tambours et de la plainte faible et monotone des flûtes maudites. Lovecraft ne semble pas s'être rendu compte qu'il désobéissait manifestement à ses propres principes. Il pensait visiblement qu'il tissait une atmosphère de terreur correspondant à ce que le lecteur devrait ressentir et peignait le tableau vivant d'un certain type d'état d'âme chez les hommes. C'est un des problèmes majeurs auxquels s'affrontent ceux qui essayent de comprendre le monde des rêves de Lovecraft. Tentons une première explication. Les récits de Lovecraft seraient le produit d'un esprit particulièrement bien adapté bien adapté, disons, à son propre univers curieusement autarcique. Il réagissait comme n'importe qui aurait réagi en pareilles circonstances. Puisque les récits n'ont pas de rapport avec le monde ordinaire et puisque Lovecraft lui-même faisait partie du monde qu'il créait, il pouvait logiquement généraliser ses propres réactions et prétendre que c'était cela que le lecteur ressentait. De même pour la façon archaïque, gothique d'exprimer ses sensations. Il essayait simplement de montrer au lecteur ce qu'il se passait réellement. Ou encore, lorsque Lovecraft tentait vainement de s'adapter à la société, et cela n'apparaît guère, comme en témoignent ses réactions lors des deux grands tournants de sa vie, la proposition de direction d'édition et son mariage, ses récits prenaient une curieuse forme de fiction récidiviste. Il s'échappe d'une prison pour devenir volontairement prisonnier d'une autre. Et sa littérature suivait le même processus. Il se distance lui-même du monde horrible de ses rêves. Il existe, évidemment, une autre possibilité, souvent avancée, et qui court-circuite le problème. Lovecraft était peut-être simplement un lamentable écrivain. Certes, Lovecraft s'est créé des impressions, et peut-être encourage-t-il le lecteur à développer et à prolonger la mythologie présentée, comme en témoigne le grand nombre d'écrivains qui ont produit d'autres contes sur le mythe de Cthulhu après la mort de Lovecraft. Son essai sur l'horreur surnaturelle dans la littérature produit le même effet. Le talent de Lovecraft ne s'exprime pas par une critique ou une analyse dense, mais par la présentation d'une impression dramatique ressentie à la lecture des récits retenus, souvent plus spectaculaires que le récit lui-même. Les différents contes du mythe Cthulhu concernent généralement une série d'états d'âme correspondant à l'éveil progressif du narrateur. L'élitisme, l'anxiété, la curiosité, la compréhension, la terreur. Ces états d'âme sont souvent extériorisés par des descriptions de toutes les sensations intervenant tour à tour l'ouïe, l'odorat, la vue, le toucher. La conclusion du récit précède invariablement l'apogée de l'horreur, évoquée de façon pompeuse. Dans les premiers contes, le narrateur est un érudit amateur d'antiquité, appartenant à une université ou à une institution qu'il est facile de reconnaître. Ensuite, il deviendra professeur de la Miskatonic University à Arkham. Enfin, il devient Lovecraft tel qu'il aimait se voir, un excentrique d'âge mûr vivant à Providence, Rhode Island et nommé Ward Philip. Où sont mes œuvres à la façon de Lovecraft se demandait-il en 1929. La réponse est venue dans les cinq dernières années de sa vie. L'importance de Lovecraft réside dans son talent pour recréer les états d'âme, les impressions et les moments forts de ses rêves qu'il ne se souciait même plus, à la fin, d'attribuer à d'autres. Mais c'est la structure interne des références savantes contenues dans les contes, autant que les contes eux-mêmes, qui ont continué à fasciner les lecteurs de Lovecraft. Ces récits des mythes les plus réussis ont la forme de rapports d'événements surnaturels, faits au hasard, formant progressivement un tout cohérent aux enseignements de certains livres interdits. Ces rapports forment la toile de fond. Il est rare que ces histoires associent directement le lecteur aux événements cosmiques intervenant autour de lui. Elles s'intéressent davantage à l'effet produit sur une personne par des phénomènes apparemment fortuits auxquels elle se trouve confrontée. Les amateurs de Lovecraft sont des « solitaires ». Pour des raisons évidentes, ils entretiennent peu de rapport avec les autres. Lovecraft prenait soin de donner l'impression d'authenticité. Il se réfère à des interviews, à des coupures de presse, à des lettres transcrites in extenso, à des photographies, à des enregistrements sonores et à des messages radiotélégraphiques. En cela, ses contes se rapprochent davantage des récits d'horreur traditionnels, comme Dracula, qui reposaient peut-être sur des faits divers de journaux ou de revues. Il préfigure également la célèbre émission radio d'Orson Welles sur l'atterrissage de Martiens à la ferme de Grover's Mill dans le New Jersey, La Guerre des Mondes, 1938. Wells utilisait les reportages sur le vif, des entretiens avec un astronome de Princeton, des messages radio, des émissions officielles. Les meilleurs récits de Lovecraft sont construits sur le même modèle. Dans The Whisperer in Darkness, il profitait de la découverte très récente de la planète Pluton pour ajouter la planète Hugos à sa propre mythologie. Mais chez lui, les tentatives de suggérer l'authenticité reposent sur une fiction totale, de même que les références savantes. Les noms sophistiqués utilisés par Lovecraft, quand ils ne sont pas tirés de Bierce, de Dunsany ou de Chambers, représentent souvent une curieuse façon d'établir et de développer des rapports avec d'autres écrivains, de ceux que Lovecraft admirait tout comme sa façon d'utiliser l'image de l'érudit amateur d'antiquité dans sa correspondance privée. Le terrifiant Satogua apparaît d'abord dans l'œuvre de Clark Ashton Smith. Lovecraft fait référence à cette créature amorphe à forme de crapaud et l'associe à Clark Ashton, prêtre gigantesque. L'un de ses livres interdits est le culte des goules du comte Derlet, référence à son ami Auguste Derlet. En 1935, Robert Bloch, jeune membre du Cercle, Décida d'écrire une pastiche d'une nouvelle de Lovecraft, Le vagabond venu des étoiles, dans lequel le rêveur mystique de la Nouvelle-Angleterre connaît lui-même une fin atroce sous les dents d'une espèce de vampire après avoir jeté un dernier regard au terrible Necronomicon. Les rats avaient rongé le cuir, les rats qui avaient peut-être une nourriture plus effroyable pour ordinaire. Lovecraft lui retourna le compliment en l'appelant Robert Blake dans le dernier conte Cthulhu, Le chasseur des ténèbres. Robert Bloch parlait aussi des rites noirs grotesques de Louvay Keraf, le mystique. Les plaisanteries de ce genre plaisaient beaucoup à Lovecraft et ses lettres en sont pleines. Ces plaisanteries, ainsi que son image d'amateur de l'antiquité, devaient être des stratégies adoptées pour s'accorder avec l'un de ses mondes. Ses tentatives de paraître authentiques et la structure interne des références savantes rendaient ses récits plus engageants et ainsi plus accessibles aux rares amis qu'il possédait. L'exemple le plus frappant de l'érudition de Lovecraft est peut-être l'utilisation de livres interdits, de livres qui offrent des clés énigmatiques en ce qui concerne l'univers des dieux les plus anciens, de livres dont la simple possession ou la lecture expose le lecteur à de mystérieux dangers, de livres dont les images obsèdent et finalement vampirisent le lecteur, et qui se teintent de son sang. Nous l'avons vu, Lovecraft manquait de culture mais les annotations apportées à ses rêves jetaient un pont vers un monde bien reconnaissable auquel Lovecraft désirait être associé. Essentiellement autodidacte, il plaçait invariablement ses récits des mythes dans un contexte universitaire. Son essai L'horreur surnaturelle dans la littérature révèle que Lovecraft était impressionné par ceux des écrivains qu'aureolait une réputation d'érudition. Il parlait de H. R. James, son auteur favori, comme d'un amateur de l'antiquité de renom, et une autorité reconnue pour les manuscrits médiévaux et l'histoire des cathédrales. La vision de Dunsany était « la plus véritablement cosmique de toutes celles présentées dans la littérature de tous les temps ». Cet auteur se penche avec une effarante efficacité sur pratiquement tous les éléments de mythes et de légendes participants de la culture européenne. Il voyait en Arthur Machen, autre auteur favori, un homme de lettres universel, auteur d'essais revigorants, d'ouvrages autobiographiques très vivants et de traductions fraîches et inspirées. Lovecraft ne pouvait espérer atteindre l'érudition de ses littérateurs. Ses mythologies proviennent de sources beaucoup plus modestes. Mais il estimait que sa qualité d'érudit amateur de l'Antiquité méritait cependant le respect. Et, de toute façon, il aurait certainement été corrompu s'il s'était intégré à une université. Lovecraft tira de H.R. James le cadre universitaire de la plupart de ses contes Cthulhu. De Dunsany, la notion d'une mythologie imaginée et d'un environnement de marécages désolé. De Machen, l'atmosphère d'un héritage hanté par la légende. La tradition de la Nouvelle-Angleterre remplaça ici la tradition celte. C'est peut-être en partie parce que sa mythologie se montre si maniable que l'on apprécie tant Lovecraft aujourd'hui. Les lecteurs peuvent suivre les éléments ajoutés au mythe d'une histoire à l'autre deviennent rapidement assez experts dans cette tradition pour en connaître autant que l'auteur lui-même. Lire les contes Cthulhu, 14 en tout, sait faire le tour complet de ce paysage de rêve. En un sens, l'attitude de Lovecraft envers le genre d'érudition sur laquelle devrait reposer l'étude des sciences occultes ressemble à celle de Montaigu Summers, le mage qui préside au monde des anthologies d'horreur. Summers serait, bien sûr, une espèce d'érudit s'il n'avait pas à se mesurer à des éditeurs académiques et des bibliographes, et si les sources douteuses sur lesquelles il base ses commentaires ne risquaient pas d'être contrôlées par ses lecteurs. En dehors de cela, les parallélismes sont frappants. Dans son œuvre sur l'occulte, Summers ne s'intéressait qu'au marché limité de l'édition. Lovecraft était bien heureux d'être publié dans de petits magazines. Summers était attiré par le théâtre et les rituels de l'étrange. Lovecraft aussi, dans une certaine mesure. Ils semblent avoir tous deux méprisé le film d'horreur. Summer se prétendait n'être pas amateur du cinématographe. Lovecraft traitait les films de vampires de pure exploitation, et beaucoup de ses commentaires sur les histoires puériles dans ses essais théoriques semblent viser le cinéma. Lovecraft eut de la chance. Lorsque Hollywood se décida à tourner The Case of Charles Dexter Ward, ce fut un succès commercial qui prit le titre d'Edgar Allan Poe's The Hunting Palace. Montaigu Summers estimait qu'une prose anglaise archaïque, gothique, était ce qui convenait le mieux pour relater les recherches sur l'occulte. Et Lovecraft également. Il ne faut peut-être pas s'étonner que sous cette quintessence de verju et poison, dont la vase immonde a souillé la Calédonie du nord au sud et a rongé, comme une plaie purulente, jusqu'au cœur même de ses enfants, des ténèbres plus denses, un désespoir plus profond tombe sur la terre désolée. Est-ce du Lovecraft dans quelques récits d'horreur du genre de Cthulhu Non. Summers dans John Knox, dans La géographie de la sorcellerie, 1927. Sur quoi mon hôte, peu suspicieux d'être dévoré, se précipita, terrifié, derrière la porte, qu'il prit soin de fermer à double tour et de barrer derrière lui, laissant sa cape s'en tirer toute seule. Ainsi un tourbillon saisit l'homme vêtu de la toge, et voici le prince Prigg sur la voie de connaître tous les aspects de l'univers. Moralité nous ne devons pas croire tout ce que l'on nous dit. Est-ce l'une des citations tirées d'un livre des Livres interdits de Lovecraft En fait, il s'agit de Summers dans Les loups-garous, 1933. Je défie quiconque de donner un sens à ce passage, même dans le contexte. Summers n'était pas opposé à élever certains passages, dans son style inimitable, lorsqu'ils devaient être traduits. Il semble ne pas avoir eu conscience des implications sexuelles des récits qu'il étudiait, et n'en avoir retenu que les éléments les plus macabres et les plus étranges. Lovecraft, on le sait, avait peu de penchant pour « la fesse ». Tous deux témoignaient d'un certain manque d'humour dans la présentation de leurs œuvres. Bien sûr, ce n'était pas nouveau de faire référence à des livres interdits dans les livres d'horreur. Saxe Romer, dans ses « Mystères Orientaux », avait parlé du livre de Thoth et du livre des morts. Denis Whitley allait bientôt faire de même dans ses incantations tirées du « Book of Seth ». Dans ces cas, toutefois, les livres interdits étaient utilisés comme arsenal de référence faisant autorité pour ces sciences qu'aucune université ne peut aujourd'hui renseigner, comme une arme pour l'expert et comme garantie puissante d'authenticité. La préface de Tolkien au Seigneur des Anneaux vise à indiquer les sources sur lesquelles repose la saga, mais ces sources ne jouent aucun rôle dans l'histoire elle-même. Mélange de mythologie norvégienne, anglo-saxonne et wagnérienne, ainsi que célébrations banluzarde contemporaines. Les livres interdits de Lovecraft ne sont pas utilisés dans le même dessin, comme nous l'avons vu. Ce sont des annotations apportées à ses rêves et à une partie du paysage du rêve, et non pas des sources authentiques autour desquelles des légendes se sont formées. Ils ne servent pas non plus de préface à un texte. Ils représentent ce qui est enseigné par le sommeil. La meilleure façon d'envisager le rapport existant entre les lectures et les connaissances de Lovecraft, ses rêves et ses récits, est d'examiner ses tentatives de convertir l'expérience d'autrui en un conte étrange. C'est ce qui se passa en 1924, lorsqu'on demanda à Lovecraft de prêter sa collaboration anonyme pour une œuvre concernant les expériences de Houdini au cours d'un voyage en Égypte. Houdini avait raconté une histoire à l'éditeur de Contes étranges, Weird Tales. Il avait été jeté dans un ancien temple souterrain à Gizeh par deux guides arabes qui l'avaient laissé s'en tirer comme il pouvait. L'éditeur pensa que cela pourrait faire l'objet d'un récit à succès et demanda à Lovecraft de mettre cela sous forme de récit vivant. Ce fut le plus grand succès commercial de Lovecraft et on lui offrit de ce fait la direction de la publication Weird Hotels. Sans doute a-t-il tiré l'atmosphère de cette histoire de La descendance de la reine sorcière livre qu'il admirait, il devait par la suite adapter le titre et l'utiliser dans plusieurs contes Cthulhu et qu'il avait trouvé dans le guide de Bédeker sur l'Égypte et le Soudan. Il imagina la suite au fur et à mesure. Malgré quelques erreurs révélatrices de son inexpérience dans ce genre d'œuvre, Lovecraft mentionne un souvenir d'horreur pure que rien d'autre dans ma vie, si ce n'est une chose qui intervient plus tard, ne peut égaler. Lui-même doit formuler des hypothèses afin d'expliquer pourquoi Houdini s'évanouit si souvent. Erreur dont la succession ne me rappelait pas, à ce moment-là, autre chose que les mélodrames cinématographiques de l'époque. Et même compte tenu du penchant de Lovecraft pour l'hyperbole, la phrase en italique Les hippopotames ne devraient pas avoir des têtes humaines et transporter des torches va un peu loin. Prisonnier avec les pharaons est excitant et le magazine Weird Tales, ainsi qu'Oudini, en fut très satisfait. C'est une œuvre intéressante sur le plan de la technique d'écriture et du fait de l'utilisation de détails authentiques. Dans les premiers chapitres, les lecteurs peuvent partager les impressions produites sur Houdini par le Caire, qui leur rappelle peut-être les livres de leur enfance. Cela rend d'autant plus effrayants les détails sinistres, et cela les adoucit en vue de l'horreur finale. Tout au long de l'histoire, Lovecraft insiste sur le fait que cela pourrait bien être une invention issue de l'imagination d'Houdini, qui a sans doute lu trop de livres interdits. Mais d'autre part, il est révélateur que Lovecraft souligne l'influence de ses lectures concernant l'égyptologie sur l'imagination de Houdini. En termes d'explication réductionniste, il n'ira pas plus loin. Ainsi, il n'aurait pas particulièrement apprécié d'apprendre que la malédiction de Toutankhamon n'était en fait que le résultat d'une proximité prolongée avec la fiente de chauve souris Le livre interdit le plus apprécié de Lovecraft, Le Necronomicon, ou livre maudit de l'arabe fou Abdullah Lazred, Reposait lui-même sur un souvenir d'enfance relatif aux Mille et Une Nuits. Lorsque j'avais cinq ans, se souvenait-il en 1924, j'étais fou des contes des Mille et Une Nuits. Je montais une collection enfantine de poteries et d'objets d'art, me présentant comme un musulman dévot et prenant le nom d'Abdoul Al-Azred. Al-Azred a peut-être été choisi par référence à la famille Hazard, dont descendait Lovecraft. Toute sa vie, il a aimé les jeux de mots de ce genre. Par la suite, le Necronomicon devint le livre défendu, ou livre maudit, le livre mangé des vers, dont on pouvait tirer à volonté des références savantes pour les mythes de Cthulhu. Le livre n'est pas exclusivement associé à ce mythe. On en trouve mention, tout comme les références à la région de Miscatonique, dans plusieurs récits antérieurs. Et en un sens, on a tort d'isoler les contes Cthulhu du reste de l'œuvre de Lovecraft. Le premier conte sérieux, par exemple, l'appel de Cthulhu, est une refonte d'un récit déjà publié, Dagon 1917. Pourtant, c'est en tant que source érudite des mythes Cthulhu que le Necronomicon est devenu l'œuvre de Lovecraft la plus célèbre. Notons que Lovecraft a produit une histoire et chronologie de ce livre interdit, une espèce de pseudo-bibliographie. Appelé à l'origine Al-Azit, le Necronomicon avait été écrit en 730 à Damas par un poète arabe fou de Sanaa au Yémen. Qui eut son heure de gloire sous les règnes des califes Omeyyades. Il fut traduit en grec sous le nom de Necronomicon, le livre des noms éteints, en 950 par Théodorus Philatelas. En 1050, le patriarche Michael le fit brûler, mais en 1228, Olaus Swarmius le traduisit du grec en latin. Les éditions grecques et latines furent supprimées par le pape Grégoire IX en 1232. Vers 1440, une édition en caractère gothique fut imprimée en Allemagne et le texte grec en Italie entre 1500 et 1550. Dans L'horreur de Dunnich, nous apprenons l'existence d'une traduction anglaise réalisée par le docteur John Dee, mage et cosmographe élisabétain. Celle-ci date probablement de 1560-1608. C'est pourquoi la strophe suivante citée Cela n'est pas mort qui peut reposer éternellement, et en des temps étranges, même la mort peut mourir. Rappelle tellement John Donne. En 1600, on réalisa une version espagnole du texte latin. Deux pages de Lovecraft, écrites en 1926 et 1934, nous apprennent comment se procurer le Necronomicon. Dans le premier, Le descendant, un jeune amateur de sciences occultes apprend d'un vieux libraire voûté de Chandos Street que seules cinq copies sont supposées avoir survécu aux édits pudibonds de prêtres et d'hommes de loi. Toutes sont enfermées avec un soin craintif par des gardiens qui avaient osé commencer la lecture haïssable des caractères gothiques. Pourtant, ce jeune amateur s'arrange pour retrouver la trace d'une des copies dans la boutique d'un juif dans les environs crasseux de Claire Marquette. Le texte latin, accompagné de dessins, relié de cuir abondant avec des fermoirs de cuivre. Au moment où il l'achète, pour une bouchée de pain, il remarque que le vieux lévite tordu ricane distraitement. On ne sait pas si c'est parce qu'il est lévite ou parce qu'il sait. Dans le second fragment, le livre, une copie est découverte en un endroit faiblement éclairé près de la rivière noire et huileuse sur laquelle plane toujours la brume. Ce n'est pas une presse d'imprimerie, mais la main de quelques moines à moitié fou qui a tracé ces abominables phrases en latin en écriture onciale d'une terrifiante antiquité. Peut-être une référence à l'édition de 1228. Le narrateur se montre assez fou pour proférer à haute voix une incantation tirée du livre interdit, avec les conséquences épouvantables que cela entraîne. Le Necronomicon apparaît pour la première fois dans La Cité sans nom (1921), où intervient la strophe de Don. L'auteur, non identifié, est présenté comme un arabe dément, un poète fou. Dans The Hound (1922), le nom d'Abdul al Azred apparaît. Le Festival, 1923, nous présente la traduction latine interdite d'Olaus Warnius et nous donne quelques indications sur le contenu d'une Necronomicon. Il renferme une pensée et une légende trop hideuses pour un esprit sain ou une conscience normale. Il joue un rôle dans un rituel horrible et est évidemment écrit dans un style allusif et allégorique car le bruit court depuis longtemps que l'âme de celui qui est vendu au diable n'échappe pas en hâte de son enveloppe charnelle, mais prolifère et dirige jusqu'au verre en train de ronger, jusqu'à ce que du sein de la putréfaction, une horrible vie jaillisse et les mornes insectes nécrophages croissent sournoisement pour la contrarier et enflent monstrueusement pour la tourmenter. Le narrateur contrôle sur la copie soigneusement protégée provenant de la bibliothèque de la Miscatonic University. Dans L'Appel de Cthulhu, 1926, la strophe de Don trouve un écho dans l'étrange incantation rituelle Fungloe, qui grossièrement traduite, prétendument par un métis, signifie Dans sa maison de Ryue, Cthulhu mort attend en rêvant. Le Necronomicon est mentionné, ainsi que la branche dorée de Frazier et le culte des sorcières dans l'Europe de l'Ouest de Murray et nous apprenons qu'il renferme des ambiguïtés que les initiés doivent interpréter comme ils l'entendent. Le cas de Charles Dexter Ward, 1927-1928, nous parle d'une autre copie se trouvant dans une collection privée, cette fois dans une fausse reliure, un mince volume manifestement intitulé La canon et hey Islam. Dans l'horreur de Donich 1928, nous apprenons que quelques copies, dans diverses traductions, ont été préservées dans des bibliothèques universitaires, y compris celle de la miscatonique. The Whisperer in Darkness, 1930, distingue le contenu du Necronomicon de la traduction fantastique d'obscures petits gens rendues populaires par les magnifiques fictions d'horreur d'Arthur Machen, et par le des « mythes redoutables antérieurs à la venue de l'homme sur la Terre » qui sont évoqués dans le Necronomicon. The Whisperer mentionne également des mondes d'entités plus anciennes, extérieures, que l'auteur fou du Necronomicon n'avait fait que deviner d'une façon assez vague décrit le monstrueux chaos nucléaire au-delà de l'espace répertorié que le Necronomicon avait heureusement voilé sous le nom d'Azatoth. Dans « Sur les montagnes de la folie » 1931, chaque découverte empirique est étayée par une référence au Necronomicon. Cela nous aide, et aide le narrateur, à placer ces découvertes empiriques dans le contexte global des mythes. Ainsi, la première vision de l'Antarctique rappelle au narrateur une étrange et bouleversante description du plateau de Leng, de mauvaise réputation, se trouvant dans le terrible Necronomicon. Je regrettais, par la suite, d'avoir jeté un œil sur ce livre monstrueux à la bibliothèque de l'université. Un message radio adressé à un camp de base suggère que la disposition de fossiles rappelle un des monstres des mythes primitifs, dénommés Elder Things, choses les plus anciennes, dans le Necronomicon. La découverte suivante suggère au narrateur de se référer à nouveau au « plateau de Leng de mauvaise réputation » pour regretter d'avoir lu le Necronomicon maudit, qu'il a rendu peut-être très impressionnable, et pour ajouter qu'il avait discuté avec Will Mars, ce déplaisant spécialiste des traditions, narrateur du précédent conte Cthulhu, The Whisperer. Avant de commencer... Les découvertes ultimes sont, elles aussi, présentées par une nouvelle appréciation de ce que nous avons entendu dire jusqu'ici du « livre maudit » et par des références des « mythes » auxquels un livre comme le Necronomicon fait allusion. Masse visqueuse qui était sans aucun doute ce qu'Abdoul al Azred dans son terrible Necronomicon, évoquait dans un murmure, comme étant « les Shoggoths, bien que même cet arabe dément, n'ait pas insisté qu'elles existaient sur la Terre, sauf dans les rêves de ceux qui ont mâché une certaine plante alcaloïde » et le légendaire plateau de cauchemar dont même l'auteur fou du Necronomicon n'aimait pas parler. La conclusion A sur la montagne de la folie, intelligemment présentée comme une discussion entre le narrateur et Don Force, grand lecteur de choses étranges qui a beaucoup parlé de Pau, et l'une des rares personnes à avoir lu entièrement la copie mangée au verre du Necronomicon, mis sous-clé dans la bibliothèque du collège, essaie de mesurer l'influence exercée par le livre maudit sur les protagonistes. Il ne faisait pas allusion à un événement horrible particulier, jusqu'à ce que sa mémoire ait eu l'occasion de retrouver son ancienne lecture, par rapport aux découvertes scientifiques modernes. Lovecraft utilisa cette technique pour la première fois dans le texte sur Houdini, mais il présentait maintenant la conclusion de ses récits avec beaucoup plus de sophistication. Peut-être l'Arabe fou avait-il raison. Quand il tentait nerveusement de jurer qu'aucune de ces créatures n'avait été créée sur cette planète et que seuls des rêveurs sous l'emprise de la drogue les avaient jamais conçus. Ce thème revient dans Rêve de l'antre de la sorcière, 1932. Les autorités universitaires empêchent Gilman de consulter les vieux livres douteux, mais plus tard, Gilman avait déjà eu un terrible aperçu d'une écronomicone maudit. À rapprocher de sa formule abstraite, il avait vu le nom d'Azatoth dans le Necronomicon et savait qu'il représentait un mal primitif trop horrible pour être décrit. Les choses qui avaient été citées avec précaution dans ce livre arrivent à convaincre Gilman de son excessive impressionnabilité. Il décida qu'il avait puisé cette conception dans les passages du Necronomicon consacrés à Azathoth, l'entité sans esprit, dans À travers les portes de la clé d'argent, 1932. On apprend que tout un chapitre du Necronomicon interdit sert à Rudolf Carter lorsqu'il essaye de remplacer dans le contexte les dessins gravés sur la clé. Carter se souvient de ce que l'arabe fou avait vaguement laissé pressentir, de façon déconcertante, au sujet du guild, et cite en entier un paragraphe concernant les formes des ténèbres qui enveloppent Ellie. Le Necronomicon lui indique également quelle dévotion il doit faire en présence de la forme. Et dans The Shadow Out of Time, 1933, la personnalité seconde de Nathaniel Wingate Pisley est curieusement attirée par d'affreux livres de traditions interdites, entre autres le Necronomicon. Pendant sa crise d'anémie, Pisley lit le livre maudit, la note en marge, et effectue même d'ostensibles corrections du manuscrit, et dans une langue qui semble parfois curieusement inhumaine. Cela est particulièrement curieux, puisqu'il ignorait tout des trois langues utilisées. Le Necronomicon n'est pas inutile. Cependant, il permet à Pisli de reconnaître le culte de Cthulhu lorsqu'il le rencontre. Dans le Necronomicon, on suggérait que les êtres humains s'adonnaient à ce culte, culte qui aide parfois les esprits voyageant à travers la durée depuis le temps de la race noble. Il existe manifestement plusieurs façons de considérer le Necronomicon. On peut le lire par intérêt avant d'entreprendre une expédition scientifique à la bibliothèque de l'université de Miskatonic. Ceux qui s'intéressent déjà à l'occulte peuvent en trouver des copies dans des collections privées. Si quelqu'un est habité par les dieux les plus anciens, sa personnalité seconde sera sans doute attirée par le livre interdit. Il le lira et pourra le comprendre. L'état d'esprit nécessaire à la compréhension de la prose allusive d'Al-Azred peut également être provoqué artificiellement en mâchant une certaine plante alcaloïde. Lovecraft souligne les rapports entre ce fait et ce qu'a écrit Edgar Allan Poe. Et que dire de ceux qui ont lu le livre Il se trouve généralement associé, d'une façon ou d'une autre, à l'université de Miskatonic. Will Mars, professeur de littérature, s'intéresse tout particulièrement aux traditions. Parmi les membres de l'expédition décrite dans les montagnes, le biologiste, le géologue et l'ingénieur ont consulté le livre, mais seul l'étudiant lauréat l'a lu d'un bout à l'autre. Gilman, un spécialiste de la géométrie non euclidienne et de la physique quantique, s'intéresse lui aussi aux traditions anciennes. Pisley est professeur d'économie politique. Il meurt pendant un cours consacré aux tendances actuelles de l'économie, sans curiosité pour l'occulte jusqu'à ce qu'il soit possédé. Quelques-uns, qui ne participent pas au débat du personnel enseignant de haut niveau concernant le chef-d'œuvre de l'arabe dément à Miskatonic, connaissent aussi très bien le livre. A Calais, autrefois spécialiste des mathématiques et d'astronomie à Vermont, s'est consacré en amateur à l'étude des traditions. Il suppose que Wilmars aura une bonne connaissance du Necronomicon. Je suppose que vous connaissez tous des mythes inquiétants. Et après qu'il fut possédé, devient coutumier de lancer des bombes. Du genre, savez-vous qu'Einstein se trompe Charles Dexter Ward s'intéressait à la généalogie. Et, bien sûr, on peut consulter un vieil excentrique de Providence, Rhode Island, nommé Ward Phillips, pour ce qui est des passages difficiles de ce livre. Des copies sont conservées à la Miscatonique et dans quelques rares autres bibliothèques d'université, où elles sont enfermées à double tour. On peut probablement en trouver dans les collections privées de livres interdits détenus par des moines. Et, avec beaucoup de chance, vous en découvrirez une dans une sombre librairie d'occasion aux environs de Clare Market. Peut-être les copies ne sont-elles pas aussi rares que le prétendait Lovecraft. Si vous réussissez à en dénicher une, en supposant qu'elle ne se cache pas sous une fausse couverture, vous constaterez rapidement qu'elle est rédigée dans un style vague, allusif, qui suggère, évoque, laisse vaguement pressentir, suppose, cite avec précaution, voile heureusement, est ambigu et donne des impressions générales. Sauf si vous êtes initié, les dessins ne vous seront d'aucune utilité. Et vous vous heurterez peut-être à un problème de langue. En dernier ressort, vous pourriez essayer une certaine plante alcaloïde. Mais si un policier ne s'empare pas de vous, les dieux les plus anciens le feront certainement. Il serait préférable de consulter un vieil excentrique de Providence, Rhode Island. La façon dont Lovecraft décrit le Necronomicon résume en un sens sa façon de présenter le paysage de rêve de Cthulhu. Le livre maudit est invariablement associé aux mots clés très anciens. Venu d'ailleurs, initié, vague, impression, fou, antiquité, élitisme, le cercle, état d'esprit, rêve, folie, ce qu'enseigne le sommeil, reflète à la fois la structure des histoires et les rêves sur lesquels elles sont basées. Je me suis retrouvé habitant de ce terrible monde de rêves. Cette première nuit céda la place à l'aube et j'irai sans but sur ces marécages désertés. Lorsque vint la nuit, j'irai toujours, espérant m'éveiller. Et tous les jours, c'est la même chose. La nuit m'emporte toujours vers ces contrées horribles. J'ai essayé de ne pas bouger, lorsque la nuit tombait, mais je dois marcher dans mon sommeil, car je me réveille toujours avec cette vision d'horreur hurlant devant moi dans le pâle clair de lune. Je me tourne et m'enfuis dans une course folle. Dieu. Quand vais je m'éveiller? Mais le rêve que Lovecraft se rappela toute sa vie, le cauchemar des cauchemars, comme il l'appelait, le plus réaliste et le plus horrible que j'ai jamais fait depuis mes dix ans, dont l'horreur pure et le côté oppressif ne peuvent être que faiblement traduits par des mots. Un rêve qu'il nota avant d'être complètement éveillé. Ce rêve était totalement différent. Il concernait Nyarlathotep, le dieu démon des mythes de Cthulhu. Mais dans son rêve, Nyarlathotep n'avait rien d'un dieu démon. C'était un charlatan, un forain itinérant. Dans ce rêve, les relations qu'il entretenait avec Lovecraft ressemblaient à celles qui existent entre Mario et le magicien Chipola dans la nouvelle de Thomas Main, Mario et le magicien. Totep était une sorte de forain itinérant qui haranguait la foule dans de grandes salles et dont les exhibitions provoquaient crainte et débat. Ces exhibitions comprenaient deux parties. D'abord, une projection de films horribles et peut-être prophétiques. Ensuite, des expériences extraordinaires avec certains appareils scientifiques ou électriques. Nyarlatotep se trouvait déjà à Providence, responsable de la peur affreuse qui s'abattait sur tous. Cette image hanta Lovecraft pour le restant de ses jours. Il essaya à plusieurs reprises de l'exorciser en le prenant comme sujet d'un récit, mais il n'y parvint jamais. Cela restait pour lui le cauchemar des cauchemars, et il ne comprit jamais pourquoi. Appendice C. Lovecraft et son environnement, par Angela Carter. Puisque la géographie de Lovecraft est celle du rêve, elle en a la précision inquiétante. Nous en savons beaucoup plus sur le livre de son monde que nous n'en saurons jamais sur le monde réel, précisément parce que Lovecraft inventa le premier de toutes pièces et qu'il connaissait les moindres détails. Le repoussant plateau de Leng, les forêts hantées de la Nouvelle-Angleterre, et Arkham, ville où règnent les sorcières, les cités de rêve ou de cauchemar, de rêve se changeant insensiblement en cauchemar, dont les épreuves étaient tirées sans l'aide de la géométrie euclidienne. Tout cartographe compétent pourrait reproduire en détail le monde de Lovecraft. Mais pas tout à fait. Lovecraft évolue à son aise dans un ensemble de constructions réalisées dans l'espace et dans le temps. Mais, du fait que ces décors sont essentiellement la projection ou des modèles, d'état d'esprit, ils se teintent d'une ambiguïté particulière. Cette précision avec laquelle Lovecraft note la structure des formations rocheuses, l'âge et le type des chambranles, les dimensions d'une place hallucinante, c'est la précision excessive de la paranoïa. Les formes tordues des arbres, dans les bois qui dominent Arkham, sont l'émanation de la menace qu'ils évoquent. Menace, angoisse, agitation, terreur. Les villes elles-mêmes, que ce soit celle de la Nouvelle-Angleterre du temps jadis ou celle qui s'étend aux portes du sommeil, présentent l'énigme effrayante d'un labyrinthe. Et toujours, Minotaure au cœur du labyrinthe, se trouve l'innommable sous une forme ou une autre, l'informe sous un aspect particulièrement ignoble, l'innommable, terreur sans nom et qu'on ne peut nommer. Le décor de Lovecraft exprime une terreur imminente. Son monde n'est pas bienveillant à l'égard de l'homme. L'homme ne se sent jamais vraiment chez lui, au milieu de ses paysages, mais ceux-ci peuvent dépérir et mourir comme les hommes. Pis, ils peuvent devenir fous. Même les étoiles sont évoquées en termes humains. L'étoile polaire regarde en bas, à la même place sur la voûte noire, clignant horriblement l'œil d'un fou qui essaie de transmettre un quelconque message, mais ne se souvient de rien, si ce n'est qu'il avait un message à transmettre. La terreur plane sur les paysages de Lovecraft. Une terreur toute particulière, régionale pourrait on dire, trouve place dans les localités déjà touchées par l'écho d'antique paranoïa. La Nouvelle Angleterre des premiers colons, ou à l'occasion, les Catskill Mountains dans l'État de New York, région encore plus sauvage, compte tenu de ses références littéraires de lieux surnaturels où Rip Van Winkle fut plongé dans un long sommeil. La Nouvelle Angleterre de Lovecraft provient également de sources littéraires. Si le fantôme de Poe traverse Boston d'un pas majestueux, on trouve un grand nombre de Nathaniel Hawthorne, lui-même né à Salem, la ville des procès de sorcières, dans ses villes coloniales aux toits en coupe. Et, plus particulièrement, dans les bois dominants Arkham. Ces bois, touffus, obscurs, dans lesquels les protagonistes de La lettre écarlate avaient rendez-vous avec les émissaires de Satan. Voilà le décor de l'Amérique vierge auquel Lovecraft fait appel dans son essai De l'horreur surnaturelle en littérature, la forêt vierge vaste et obscure, dans le crépuscule permanent de laquelle pourraient bien se tapir toutes les terreurs. Les bois qui dominent Arkham, très typiques de la forêt hantée des contes de fées, sont habités par des fantômes des Indiens autrefois dépossédés par les nouveaux venus dans ces étranges contrées. C'est la forêt primitive, dans laquelle le passé domine le présent et que l'avenir ne pourra modifier. L'homme n'a rien à faire ici, et il lui arrivera les pires malheurs s'il s'obstine à la visiter. Lovecraft parle d'eux, l'élément étrange et surnaturel, inhérent à l'héritage américain. Dans ces paysages de forêt infernale, il touche quelque chose de très profond dans la conscience de ses premiers occupants, une fibre cachée de paranoïa archaïque. Les bois dominant Arkham représentent l'image exacte de la terreur des terres inconnues qui s'étendent au-delà des clôtures édifiées en hâte par les colons, des terres qu'ils venaient conquérir mais qui, pour l'instant, ne montraient aucun signe de soumission. Il existe une peur légendaire de la forêt, la peur panique que Pan lui-même inspirait à ceux qui pénétraient dans son domaine. L'armée romaine, qui ne craignait aucun ennemi, fut littéralement terrifiée en découvrant pour la première fois les forêts vierges en Allemagne. Il s'agit d'une peur légitime en face de la preuve abondante d'une forme de vie tumultueuse non humaine, le monde des végétaux géants. A l'ouest d'Arkham, les forêts poussent, sauvages, et on trouve des vallées au bois profond que la hache n'a jamais attaqué. Là coulent des ruisseaux qui n'ont jamais vu le soleil. Les pierres tombées en ruines de fermes abandonnées suggèrent à quel point le visiteur n'était pas le bienvenu quand il pensait pouvoir venir vivre ici et combien son départ fut ignominieux. C'est la demeure de la chèvre noire des bois, aux mille pattes, c'est masse luxuriante et solide de forêt. Entre les arbres primitifs, des armées entières d'esprits élémentaires se cachent peut-être. Après avoir été anéanti par une météorite, ce paysage perd son peu de bienveillance superficielle. Maintenant, l'herbe est grise et fanée, les vignes sont tombées des murs d'une ferme en ruine, comme de fragiles épaves, et de grands arbres dénudés brandissent leurs griffes vers le ciel gris de novembre, avec une malveillance voulue. Ce terrain anthropomorphe exude de poison. La terre cultivée, devenue lande anéantie, ressemble peu à peu au plateau de Leng, nu et ténébreux, de la mythologie de Lovecraft. Un paysage stylé, reposant malgré tout sur des formes réelles, devient progressivement une invention pure, ou encore préfiguration sinistre de ce qui suivra le cataclysme nucléaire, et non plus les agressions de ces globes curieusement colorés venus du ciel. Mircea Eliade affirme La forêt est un symbole qui renferme la mort. L'homme est exclu de la forêt, où choses et gens, plantes et animaux, se mêlent et mêlent leurs formes. Dans les bois qui dominent Arkham, dans les profondes forêts du Massachusetts et du Vermont, on trouve les cavernes qui mènent à la demeure de l'innommable et les pierres noires gravées de curieux hiéroglyphes qui permettront d'invoquer les anciens que Lovecraft associait à la tradition des sorcières de la Nouvelle-Angleterre. On trouve également, fantômes cornus dans les ténèbres verdâtres, les ombres des indiens qui vivaient là à l'origine, en parfaite harmonie avec les forêts que nous ne redoutons que faute de les connaître. L'homme blanc est exclu de la forêt. Mais non pas les Indiens, parce qu'ils ne sont pas humains. Peut-être vivaient-ils comme des anges avant l'arrivée des Européens. Mais maintenant, quelque influence démoniaque les a transformés en créatures des ténèbres. De même, la tribu des sorcières de Salem, Arkham, peut s'installer dans ce qui n'est plus des forêts de l'avant-création, demeure de l'innocence, mais des jungles d'après la chute, royaume imaginé par une nature devenue folle, dont la vie instinctive a aboli la raison. Lovecraft évoque souvent les Indiens Naranganset comme des serviteurs des savants et des nécromanciens du XVIIIe siècle, dont les descendants doivent traîner derrière eux cet abject héritage de damnation jusqu'à l'âge du moteur à combustion interne. Les Indiens eux-mêmes existent au XXe siècle en tant que fantômes, noms de lieux et de rivières, la Miscatonique, la Apotuxet, mais leur absence même suggère la présence de la mort. La Paotukset est une longue rivière qui serpente à travers de nombreuses régions colonisées qui abondent en cimetières. L'absence même des Indiens dans leur propre forêt concrétise l'aliénation de ce pays étranger. Sombres et sataniques, ils sont ligués avec Satan, qui n'est lui-même pas autre chose qu'une métaphore des anciens ou l'Innommable. Ils ne sont pas des hommes, mais font partie du paysage, créatures de la même substance que les arbres tordus et malveillants, et que les feuillages rampants d'où pourraient, à tout moment, jaillir des fleurs carnivores. Le mal fait partie de la structure de ces collines anciennes et secrètes, les collines sauvages et hantées dominant Arkham, séculaires et aux mains des sorcières. Mais la magie noire de ces collines n'est pas celle du sabbat. Pourtant, Lovecraft fait souvent référence à Cotton Mater, ses arches creusées dans les profondeurs de la forêt. Le cas de Charles Dexter Ward, sont les passages que certains hommes audacieux et honnis ont ouverts dans des murs gigantesques qui séparent le monde d'un ailleurs absolu, par la porte de la clé d'argent. Les savants de l'Antiquité utilisaient des méthodes cabalistiques pour échapper au temps et accéder au royaume infernal de la mythologie Toulouse. La forêt renferme ses secrets dans son labyrinthe végétal, car la forêt est une sorte de labyrinthe, mais labyrinthe sensible, elle possède une âme horrible la tombe, la forêt, créature vorace et multiforme capable de passion, s'exprime par le mouvement inattendu, inachevé des branches et par l'agitation provoquée par un vent qui déplace les feuilles, mais que nous-mêmes ne sentons pas sur notre visage. Les villes chez Lovecraft sont également des labyrinthes. Un labyrinthe est une structure architectonique apparemment sans but particulier et d'un dessin si complexe que, une fois entré, il est impossible ou très difficile d'en sortir. Certains labyrinthes antiques ont peut-être été conçus comme des pièges pour les démons. Une fois les créatures malveillantes attirées à l'intérieur, elles seraient piégées, telles des djinns dans une bouteille. Et, de façon plus plausible en ce qui concerne Lovecraft, Waldhammer Fenn suggère que certains labyrinthes préhistoriques devraient être interprétés comme la reproduction des mouvements apparents de corps astraux. Une illustration de De Groen Leo de Goose van Wierswijk, Amsterdam 1672 dépeint le sanctuaire de la pierre philosophale, encerclé par les orbites des planètes comme par des murs et suggérant en ce sens un labyrinthe cosmique. Puisqu'un labyrinthe est un symbole positif d'angoisse existentielle, la présentation de choix innombrables dont un seul est ou pourrait être le bon choix, les villes, labyrinthe chez Lovecraft transposées à l'échelle cosmique, suggère la possibilité d'une panique éternelle et infinie. Le labyrinthe est le symbole de l'intériorisation de la spiritualité du voyage tourmenté vers le centre de l'inconscient, le cœur des ténèbres. Dans ces ténèbres, la cécité présente un avantage. Les cavernes les plus profondes ne doivent pas être sondées par les yeux clairvoyants. Tire Lovecraft d'une économicon de l'arabe fou. Un des tout premiers récits de Lovecraft commence ainsi J'étais perdu, complètement perdu et sans espoir dans l'immense gouffre digne d'un labyrinthe de la grotte du mammouth. La bête dans la grotte. Pas de labyrinthe sans un minotaure au cœur de celui-ci. Il faut se perdre afin de se retrouver. La forêt, le labyrinthe et le taudis entassés dans une grande ville ont tous la même fonction, paysage d'une perplexité concrète dans lesquels, terreur la plus puissante et la plus primitive, on risque de se perdre soi-même complètement. Le labyrinthe, c'est la voie vers l'intérieur. Au dehors, dans la lumière du jour, dans la salle des professeurs de la Miskatonic University par exemple, il n'y a aucun danger. La description de la ville de Providence, Rhode Island, dans Le cas de Charles Dexter Ward, montre une décadence toute particulière du monde extérieur, du monde public sécurisant et d'une descente dans les bas fonds, dans le labyrinthe dangereux. Le jeune Ward vit dans une grande demeure géorgienne, construite alors que le monde était encore en possession de toute sa raison, au sommet d'une colline, dans l'air pur d'une existence publique, décor extériorisé et donc sûr. Les États Unis, qui politiquement se sont inspirés du siècle des Lumières français, de sa foi en la sagesse innée de l'homme, ont créé à Providence une architecture typique de la période, aux proportions classiques, une ville débarrassée des fantômes du passé qui se terre dans les coins encombrés des villes européennes. Mais la Providence de Ward, qui, vu des fenêtres de sa maison pleine de recoins, ressemble à l'une des villes de rêve de Lovecraft, avec ses flèches, ses dômes et ses toits, est surtout située au haut de la colline. Allons plus bas. Laissons la ville publique, siège de l'objectivité. Laissez derrière vous l'exquise première église baptiste de 1775, somptueuse avec son incomparable flèche Gibbs, les toits géorgiens et les coupoles pointues tout autour. Descendez les anciennes petites ruelles, spectrales dans leur archaïsme dépérissant. Descendez vers le débordement du délabrement incandescent du front de mer, avec ses débarcadères pourrissants, son vice et sa crasse polyglotte. Comme dans une gravure de Piranesi, les lignes claires de l'architecture palladienne se transforment, par un processus de paranoïa progressive, en un labyrinthe d'inconnu et d'angoisse. Red Hook, à Brooklyn, est un labyrinthe de crasse antique tout près du front de mer, un enchevêtrement de pourriture matérielle et spirituelle. Alors que, comme à Providence, la présence de l'océan, père de tous les monstres, demeure insondable. Résidence de Dagon et des amphibies étranges de Lovecraft suggèrent l'horreur de l'informe. New York connaît pour lui la même décadence. Vue pour la première fois par un nouveau venu, d'un pont au coucher du soleil, la ville ressemble à un Eldorado, cité de rêves légendaires avec ses incroyables pics et pyramides se dressant à la façon de fleurs, délicatement, au-dessus de nappes de brume violette. Mais quand on la connaît mieux, on découvre une ville presque morte, son corps gisant imparfaitement embaumé et infesté d'étranges choses inanimées qui n'a rien à voir avec ce qu'elle était de son vivant. Le nécromancien, le deuxième du titre, ramène le narrateur en arrière dans le temps jusqu'à une ville innocente du passé colonial, puis lui révèle, dans un miroir magique, la ville du futur. Je vis les cieux grouillants de curieuses choses volantes, et en dessous, une ville noire et diabolique de terrasses de pierres géantes, avec des pyramides impies s'élançant sauvagement vers la lune, et des lumières infernales brûlant à travers des fenêtres innombrables. Et, grouillant de façon repoussante sur des galeries aériennes, je vis les habitants jaunes et aux regards malveillants qui peuplaient cette ville, horriblement vêtus d'orange et de rouge, dansant comme des fous au rythme des timbales enfiévrées. Le rêve d'Eldorado s'est aussi transformé en une des cités de cauchemar de pierre noires qui s'étendent également au-delà des murs du sommeil. Le narrateur s'échappe de la demeure du nécromancien qui se situait au cœur du labyrinthe, point central dans lequel était préservé l'épouvantable secret. Je n'ai jamais essayé de retourner dans ces ténébreux labyrinthes. Il retourna vers l'innocente Nouvelle-Angleterre en empruntant ses chemins parfumés du vent du large le soir. Cependant, si l'on tient compte de la signification de l'océan dans la mythologie de Lovecraft, cette innocence est illusoire. À tout moment, elle risque d'être envahie par des habitants informes des profondeurs. Gnori, barbu et muni de nageoires, n'a-t-il pas bâti de singuliers labyrinthes dans la mer, en dessous de la ville d'Ilegvad, à travers les portes de la clé d'argent L'innocente Nouvelle-Angleterre, que Lovecraft évoque de temps à autre comme un symbole de rusticité, est, cependant, habitée par des démons. Arkham, avec son enchevêtrement de ruelles non pavées, sentant le moisi, la ville d'Arkham, Inchangé, hanté par la légende, avec ses toits en croupe qui penchent et s'affaissent sur des greniers ou des sorcières se cachant des hommes du roi, est en elle-même un labyrinthe. Le secret que renferme ce labyrinthe est le spectre du sacrifice humain et du cannibalisme qui semble avoir hanté Lovecraft de façon toute particulière. À Arkham, dans la maison où vivait autrefois une sorcière, Gilman rêve d'une ville infernale avec des ogives étranges, des surfaces équilibrées, des dômes des minarets, des disques horizontaux posés sur des clochetons. Tout cela étincelant dans la clarté gondolée tombant du ciel polychrome. Le plan du labyrinthe est transposé des taudis d'Arkham. Il devient une épreuve pour les villes entièrement imaginées par Lovecraft et dont les noms semblent être victimes d'erreurs d'imprimerie. Ilegvad, Riolé, Sarnath, Ultar, Talarion, cette ville fascinante et repoussante, où seuls errent des démons et des choses folles qui ne sont plus des hommes. Les entités qui demeurent en ces lieux ne sont pas constituées de chair. Lorsque nous jetons un coup d'œil sur le profil majestueux que ces villes découpent sur le ciel, nous comprenons que nous avons laissé loin derrière nous les terreurs enracinées dans le monde réel de forêts, de taudis et de fronts de mer. L'architecture n'est absolument pas fonctionnelle et présente souvent une confusion de styles. Arches gothiques, porches renaissance, pyramides aztèques, dômes morts, pillages à grande échelle de toutes les villes réelles ou imaginaires. Parfois, ces architectures inhabitables ressemblent à ces cités de brume et de dentelle dessinées par Paul Klee. Les murs de Sarnath étaient en briques vernies et en calcédoine, chacun ayant son jardin entouré d'un mur et son petit lac cristallin. Zidum doom that's come to Sarnath. D'autres ont la sonorité métaphysique des perspectives de De Chirico, comme Atlantis, la cité sous la mer, dans le temple. Vaste étalage sophistiqué d'édifices en ruines, le plus souvent en marbre, immaculé et inviolé dans la nuit infinie et le silence d'un gouffre marin. Ce sont des villes qu'il faut voir, mais où on ne peut pas vivre. Ces cités de rêve commencent souvent comme des visions de beauté, rendues avec tout le talent pour l'hyperbole qui était celui de Lovecraft. Mais bientôt, le rêve tournera mal. La complexité paranoïde des colonnades, que Max Ernst aurait probablement appelé phalustrade, les allées, les rampes, les tourelles, commencent à distiller leurs propres ténèbres. L'hallucination tourne au délire. Les terrasses croulent, les fondations s'effondrent, nous percevons le résidu d'un cauchemar et nous sentons l'imminence d'une catastrophe. Une inquiétude se tient cachée dans les péristyles, et nous sommes contraints de nous rappeler que peu, très peu de rêves sont en fait totalement agréables. Un certain son accompagne toujours la transformation de ces paysages qui passent du rêve à la terreur, celui des flûtes. La neurasthénie propre à Lovecraft, semblable à celle de Robert Hutcher, sensible au son, aux textures et à la température, utilise sans cesse cette plainte de la flûte, en prélude à une crise de l'imagination qui fera sortir de leur caverne les entités informes ou changera une calme demeure de la Nouvelle-Angleterre en un lieu de terreur. Dans Les rêves de la demeure de la sorcière, Gilman, l'étudiant, définit la source de cette musique comme le trône du chaos où des flûtes ténues jouent, indifférentes. Le son de la flûte annonce l'approche des portes du monde intérieur dans le festival. Dans les montagnes de l'Antarctique, les roches elles-mêmes émettent un bruit ténu, aigu, celui du vent qui s'engouffre dans leur anfractuosité. Elles forment comme un jeu de flûte de pan en pierre. Les cimes désolées sont balayées par des rafales violentes, intermittentes, du terrible vent antarctique dont les cadences suggèrent parfois vaguement un son de flûte sauvage et à demi-sensible, dont les notes couvrent une vaste gamme, et qui, pour quelques raisons mnémoniques inconscientes, me semblait inquiétant et même un peu angoissant, sur les montagnes de la folie. Ce son, qu'il provienne d'une flûte, du vent ou de grenouilles mugissantes, prélude toujours à la terreur. Il ressemble, et c'est inquiétant, à l'atroce note de violon aigu retenue du quatuor à cordes autobiographique de Smetana, Ma vie, que celui-ci utilise pour décrire le son ténu, poignant, qui lui annonçait sa propre surdité. L'Antarctique de Lovecraft forme le plus terrible de tous ces paysages. Ce morne royaume de glace et de mort, ce lieu où l'ancien marin rencontra le brouillard et la neige, est d'emblée une version accentuée de l'Antarctique véritable. Une vision de l'horrible plateau de Leng, le toit du monde. La ville labyrinthe des créatures anciennes. C'est une structure symphonique de paysages. Selon De Quincy, Coleridge, avant de commencer le poème de l'ancien marin, avait envisagé un poème sur le délire confondant son propre scénario de rêve avec les choses subjectives et reliées à l'imagerie des hautes latitudes. Sur ce plan, Lovecraft apportait ses propres terreurs. Il avait une horreur profonde et même une totale allergie pour les températures inférieures à 20 degrés et, bien souvent, à la fin de son existence, inférieures à 30 degrés. Si trop de vie grouille dans la forêt convulsive, elles sont totalement absentes du pays des brumes et des neiges. Les mirages dus à la brume du grand continent inconnu et de son monde caché de mort gelée, transforment les icebergs en remparts d'inimaginables châteaux cosmiques, lieux d'exil perpétuel. La blancheur de la neige représente le vide infini du véritable mystère. La découverte d'une chaîne de montagnes dans le sous-continent révèle aux explorateurs un passage vers un monde défendu de merveilles inexplorées. Sous un ciel hermétique, le paysage lui-même devient vaste cryptogramme, qui, une fois éclairci, révèle à l'homme son insignifiance par rapport à l'ordre cosmique. Le spectacle des cimes montagneuses insinue de façon persistante et pénétrante un secret prodigieux et une révélation potentielle. Elle ressemble à un mandala elle forme l'entrée d'une caverne équivoque. On aurait dit que ces flèches rigides, sorties d'un cauchemar, matérialisaient un passage effrayant dans des sphères de rêve interdites et dans des abîmes de temps passé de dimensions non spatiales. Montagnes de la démence pure, leur pente donne sur quelques abysses maudits et ultimes. Il n'est guère besoin de souligner l'aspect sexuel de l'imagerie de Lovecraft. C'est le paysage de l'abandon, de la désolation, de la mort. Le paysage vers le plateau de Leng, métaphore d'une désolation totale. Ici encore se trouve un labyrinthe de masses minérales géométriquement eurythmiques construites en diabolique violation des lois naturelles. Nulle main humaine n'a aidé à ciseler les pierres de cette vaste cité abandonnée. Là encore, l'architecture représente des tours et des ponts reliés entre eux. Lovecraft admirait sans doute l'architecture futuriste du métropolis de Fritz Leng. Cette ultime énigme de pierre est un enchevêtrement complexe de ruelles et d'allées tortueuses qui sont toutes de profondes gorges et un peu plus que des tunnels grâce à la maçonnerie en surplomb de ponts suspendus. La cité tout entière représente la cachette idéale et sophistiquée du monde ou de l'antimonde, des secrets obscurs. L'effroyable minotaure dissimulé en son sein témoigne d'une préhistoire de la planète jusqu'ici inconnue, planète où l'homme n'aurait pas sa place. L'architecture, d'une variété infinie, d'une puissance surnaturelle et d'un exotisme total, représente des cônes, des terrasses, des colonnes brisées et un motif d'étoile à cinq branches qui revient très souvent avec ses harmonies cabalistiques. Cette cité, avec ses monuments et ses décorations murales, est absolument morte. Nous errions sans aucun doute dans une mort qui régnait au moins depuis 500 000 ans. Le narrateur et son compagnon, Dan Force, désormais seul survivant de l'équipe d'exploration partie du monde rationnel de l'université de Miskatonic, s'engagent dans le labyrinthe. Comme Hans et Gretel dans la forêt, ils sèment sur leur chemin des petits morceaux de papier jusqu'à ce qu'ils arrivent devant un porche monumental avenue ciselée menant au sombre monde intérieur dont nous ignorions auparavant l'existence mais que nous ne souhaitions pas traverser. Le labyrinthe les a menés jusqu'au porche donnant sur des ténèbres absolues jusqu'à une colonne tombant à pic qui les emporterait au bord d'un grand abîme. Dans ces contrées, des pingouins albinos, aveugles, créatures fétales constituent la seule faune. C'est le paysage authentique de l'intériorité, du lieu intérieur par définition, la matrice. L'imagerie intra-utérine est d'autant plus saisissante que l'on trouve, dans ce gouffre, les restes d'une immense tour. Dans ce décor d'une stérilité dévastée, ils découvrent la preuve concrète d'une vie autre ou humaine. Le cadavre de leur ami explorateur, Gedney, et de l'un des robustes chiens de l'équipe, conservés à grand soin comme des spécimens de laboratoire. Et c'est ce qu'ils représentent, en effet, pour les anciens qui peuplent ces contrées de l'intériorité, d'intéressants exemples d'une forme d'existence inconnue. Cette peur élémentaire du non-être forme les perspectives paranoïdes des paysages de Lovecraft.